Bonjour à toutes et à tous. Donc, ça me fait grand plaisir de vous accueillir au Forum virtuel La mobilité durable, ça me branche. Donc, je me présente, Gabriel Meunier. Je suis chargé de projet énergie et changement climatique au Conseil régional d'environnement de la Nodière. Donc, c'est moi qui ai porté ce projet ces dernières années. Donc, ce qu'il faut comprendre, donc, on est en fait. On livre aujourd'hui le résultat d'une démarche qui a débuté en 2017. Donc, le projet La mobilité durable, ça me branche, là, a été porté aux quatre coins de la Nodière, là, je dirais encore plus particulièrement lors des 3 dernières années. On a visité chacune des MRC avec une série d'événements. C'est vraiment l'aboutissement de tout ce travail-là. Donc, j'aimerais brièvement là, remercier en fait l'équipe du CREL, puis l'ensemble de nos partenaires qui nous ont accompagnés, qui ont travaillé avec nous à développer des outils, puis à faire de la mobilité durable vraiment un enjeu porteur pour la région de la Nodière. Donc, en fait, la démarche de la mobilité, ça me branche, a été soutenue financièrement aussi par le gouvernement du Québec via le Fonds vert. Donc, c'est important de le souligner. Puis en fait, aujourd'hui, là, vous allez découvrir là, par le biais de diverses présentations un peu des bons coups, des manières de s'inspirer. On va vous présenter des outils aussi que vous allez pouvoir apporter dans vos municipalités, dans vos entreprises pour mettre de l'avant des actions en matière de mobilité durable, puis qu'on puisse continuer dans la région là, d'être des leaders en la matière. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à notre animatrice Aline Berthe. Ceux qui étaient avec nous, là, elle a été des nôtres là, dès notre premier Midi de la mobilité durable là, à l'automne dernier, qui a servi un peu comme rampe de lancement à ce forum virtuel-là. Donc, je peux la présenter brièvement. En fait, depuis 2006, Aline Berthe travaille chez MOBA, un des centres de gestion des déplacements métropolitains, qui accompagne les employeurs et pôles générateurs de déplacement vers la mobilité durable. Depuis 2017, elle dirige MOBA et Voyager Futé. Et en 2018, elle crée le CGD de l'Est de Montréal et de la Nodière afin de mieux répondre aux besoins de ces territoires. Aline est également présidente de l'Association des CGD du Québec et membre du CA, du Regroupement national des CRE du Québec. Donc, à toi la parole, Aline. Et bon forum à tout le monde. Merci. Merci beaucoup, Gabriel. Alors, je suis heureuse d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup pour la proposition d'animation. On travaille main dans la main avec le Conseil régional de l'environnement, les centres de gestion des déplacements. Nous, on a comme spécialité d'encourager la mobilité alternative au sein des pôles générateurs de déplacements. On a bien hâte de voir la boîte à outils et de pouvoir l'utiliser, Gabriel, quand tu viens de la présenter tantôt. J'ai quelques petits éléments techniques pour vous au début. Vous avez remarqué que caméra et micro sont fermés de votre côté. Le moment où vous allez pouvoir les mettre sur on, les deux, ça va être lorsque vous allez aller dans les ateliers collaboratifs. Donc, d'ici là, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, ça peut fonctionner par chat, mais sachez quand même que tout ce qui est conférencier, etc., vous allez pouvoir leur poser des questions directement au moment des ateliers collaboratifs. Donc, prenez des notes, puis ça va rendre encore plus interactifs les ateliers collaboratifs à ce moment-là. Alors, je pense que vous avez vu au niveau du programme, c'est assez complet. On a premièrement des allocutions d'ouverture. On va avoir plusieurs conférences. Comme je le mentionnais tantôt, Gabriel va revenir pour nous présenter la nouvelle mouture de la plateforme Embarque la Nodière, la boîte à outils sur la mobilité durable. Et il va y avoir une petite pause à 11 heures. Je vous invite quand même à regarder les capsules Les bons coups de la mobilité durable. Mais vous pouvez prendre une petite pause malgré tout, puis vous allez quand même avoir accès. Pendant 24 heures, un accès privilégié pour vous si vous voulez les regarder. Et puis ensuite, ça va être des ateliers collaboratifs. Vous allez pouvoir choisir vos salles avec des ateliers avec les personnes qui auront fait les conférences. Et le mot de la fin est prévu pour midi. Alors, sans plus tarder, je vais
Vous présentez Denise Trudel, qui est présidente au Conseil régional de l'environnement de la Naudière. Cet événement est possible grâce aux partenaires du CREL et ils vont vous présenter des petites allocutions d'ouverture. Alors, Madame Trudel, je vous laisse la parole. Alors, bonjour à tous. Au nom du Conseil régional de l'environnement de la Naudière, je tiens à vous souhaiter personnellement la bienvenue au Forum virtuel La mobilité durable, ça me branche. Merci d'avoir répondu en si grand nombre à notre invitation. Même si le contexte actuel n'est vraiment pas des plus favorables au regroupement en personne, c'est très agréable de se sentir aussi bien appuyé dans les démarches que nous mettons de l'avant, et ce même en mode virtuel. Avant de poursuivre, j'aimerais souligner la présence dans la salle de quelques invités distingués. Parmi ceux-ci, mentionnons M. Patrick Massé, qui est préfet par intérim et maire de Saint-Lin-des-Laurentines de la MRC de Montcalm, Mme Isabelle Perrault, mairesse de la municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez, Mme Ghislaine Pomerleau, mairesse de la municipalité de Saint-Ligory, M. Jean Brousseau, conseiller municipal à la municipalité de Crabtree, Mme Chantal Perrault, conseillère municipale à la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci, Mme Claudia Bertinotti, conseillère municipale à la ville de Joliette, M. Yvan Maisonneuve, conseiller municipal, Yann Maisonneuve, désolé, conseiller municipal de la ville de Terrebonne. Également présent, le député, l'attaché politique la députée de Bertrand, Mme Nadine Giraud, l'attaché politique également de M. Louis-Charles Thouin, député de Rousseau, et l'attaché politique de Yves Perron, qui est député de Berthier-Masquinongé. Alors, c'est un honneur de vous avoir parmi nous. Merci infiniment d'être présent. J'aimerais également saluer parmi la foule tous les élus, futurs candidats aux élections, représentants d'entreprises et d'organismes de la Naudière et d'ailleurs, représentants du milieu municipal et citoyen. Merci d'être des vôtres et nôtres. C'est vous qui faites la différence, qui faites que ces changements-là puissent s'actualiser. Je suis heureuse de constater que vous êtes nombreux à manifester de l'intérêt envers un sujet aussi important et porteur d'avenir que la mobilité durable. Il est intéressant également d'observer la diversité dans les provenances des participants. Non seulement nous comptons parmi la liste de présence des invités issus des quatre coins de notre belle région de la Naudière, mais également nous sommes fiers de prendre conscience d'avoir des invités ailleurs au Québec et même en Europe. Je vous salue tous chaleureusement. Comme le nommait plutôt Gabriel Meunier, le projet La mobilité durable, ça me branche, cumule plusieurs années d'actions concernées en matière de mobilité durable dans la Naudière. Aujourd'hui, le forum virtuel résulte directement des actions qui ont été ciblées par la soixantaine de personnes présentes au tout premier forum du projet qui a eu lieu en 2018. Il est très gratifiant de voir des projets d'aussi longue haleine se concrétiser, surtout en temps de pandémie. Aujourd'hui, plus de 3 ans plus tard, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que le CREL vous a tous convoqués pour que nous nous rassemblions à nouveau afin de présenter les résultats des décisions communes qui avaient été prises à ce moment. En tant que présidente du CREL, j'espère qu'il ressortira du présent forum autant de satisfaction face aux accomplissements régionaux que nous avons fait en 3 années en matière de mobilité durable, que nous en avons eu à les mettre en place en tant qu'équipe mandatée à leur réalisation. À cet effet, je voudrais remercier notre directrice générale, Vicky Violette, et le responsable de la mise en œuvre du projet, Gabriel Meunier, ainsi que Julie Beauséjour, qui fait en sorte que tout fonctionne très bien aujourd'hui, et l'équipe du CREL, qui ont fait de cet événement un succès. Alors, je vous souhaite un bon forum. Je vous parle pas plus longtemps, je pourrais parler longtemps. Ceux qui me connaissent le savent, mais je vous laisse découvrir par vous-même
au cours des prochaines heures l'ampleur de ces réalisations. Bon forum à tous. Merci beaucoup, Madame Trudel. Alors, je reprends rapidement la parole simplement aussi pour vous mentionner que l'événement est enregistré, donc vous allez pouvoir y avoir accès sur la chaîne YouTube du CREL également. Alors, sans plus tarder, je vous présente M. Patrick Massé, qui est préfet par intérim et maire de Saint-Lin-des-Laurentides. À vous la parole. Merci, mais bonjour à tous, chers collègues, distingués invités, mesdames, messieurs. Très heureux de prendre la parole aujourd'hui au nom de la MRC de Montcalm et en tant que préfet par intérim et maire de la ville de Saint-Lin-Laurentides. Vous savez, la mobilité durable occupe une place importante dans plusieurs de vos actions à vous, mais dans notre MRC et aussi énormément. Et ce, par une quantité d'actions là, que nous nous engageons à mettre de l'avant. Je vais vous expliquer un peu quelques points saillants là, de ce qu'on fait, nous, dans notre MRC. Donc, pour la mobilité durable, excusez-moi. Service de transport, depuis maintenant 18 ans, notre MRC offre du transport adapté aux personnes à mobilité réduite ou handicapées. Depuis autant d'années, notre MRC offre le transport collectif partout sur le territoire de la MRC de Montcalm. Ces deux services sont offerts sur réservation 365 jours par année, de 6h30 le matin à 23h30. Ces services sont offerts aux personnes de tous âges, qu'ils soient travailleurs, étudiants, retraités ou simplement pour répondre à un besoin. Et ces services, nous ajustons les circuits 35, 37, 50 et 125 qui permettent aux Montcalmois de circuler à l'intérieur et à l'extérieur de la MRC. La quatrième pièce de cette mobilité durable, c'est la plateforme embarquelanaudière.ca pour tout le volet de covoiturage. On vous en parlera plus tard, mais ce projet est un bel exemple de collaboration avec les différents partenaires, dont le Conseil régional de l'environnement de Lanaudière, toutes les MRC de Lanaudière et plusieurs des municipalités qui les composent. Vous aurez compris que la mobilité durable se déploie de plusieurs façons dans notre région. L'initiative locale, au-delà des services offerts par la MRC, nous sommes très fiers des différentes initiatives locales qui viennent renforcer la mobilité durable et l'environnement. Premier exemple, la ville de Saint-Laurentides qui offre en période estivale un vélo conduit par un étudiant pour se déplacer à l'intérieur du noyau villageois. Et j'ajouterais que depuis l'année passée, tout le département de l'urbanisme sans exception, est électrifié, c'est ce que je veux dire. Ils ont chacun des véhicules électriques. Il n'y a plus aucun véhicule à gaz qui se promène sur le territoire via notre département de l'urbanisme. Autre exemple, Taxi Saint-Calix, fournisseur de la MRC pour le transport adapté et collectif, effectue maintenant les transports à l'aide d'un taxi 100 % électrique. Aussi, le transporteur par autobus de la MRC, Autobus Lépine, a converti tous ses véhicules au propane. Bien qu'imparfait, l'utilisation du propane réduit de façon importante les émanations toxiques en comparaison au pétrole. Une solution en attendant des autobus électriques pouvant répondre à notre besoin. La plupart des municipalités locales de la MRC ont commencé à électrifier leur flotte de véhicules municipaux. Autre bel exemple, l'an dernier, la MRC a compensé tous les gaz à effet de serre liés au déplacement des employés de la MRC de Montcalm. Donc, je profiterai aussi de ce moment-là pour féliciter le Conseil régional de l'environnement de Lanaudière et les membres du comité organisateur pour cette matinée dédiée à la mobilité durable. Je pense que c'est plus qu'important. Je veux remercier le porte-parole, M. Daniel Breton, et les différents partenaires financiers, dont Hydro-Québec et tous les autres. Et félicitations à chacun d'entre vous qui font la différence et qui vont vous donner un document, je pense, assez explicite et parfait. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée à tous et chacun. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Massé. Alors, c'est très inspirant. J'espère que les autres municipalités à MRC ont déjà pris des notes. Vous avez déjà beaucoup de mesures mises en place inspirantes. J'aurais aimé ça être plutôt dans la MRC de Montcalm aujourd'hui, puisque c'était la MRC haute cette année. Mais chaque année, on se déplace et cette année, c'est en virtuel. Comme Madame Trudel le disait, ça nous permet d'avoir du monde de plus loin.
On faut voir le bon côté des choses dans la vie. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à M. Martin Archambault d'Hydro-Québec, délégué principal au développement des affaires du circuit électrique. À vous la parole. Merci beaucoup. Bonjour et bon matin à tous. En fait, ce matin, Hydro-Québec est très fier d'être partenaire de l'événement, ce forum virtuel sur la mobilité durable. Vous n'êtes pas sans savoir, je pense, que la mobilité durable est au cœur de l'ADN d'Hydro-Québec. Bien sûr, quand on parle de mobilité durable, on parle de différentes choses, mais c'est aussi, et beaucoup, nous le savons, un tournant vers l'électrification des transports. Puis on est très conscient à Hydro-Québec d'être au cœur de cette transformation-là. C'est pourquoi, depuis 2009, la direction de l'électrification des transports se prépare et met en place ce qu'il faut pour préparer le Québec pour une transition énergétique. Et plus que jamais, aujourd'hui, en 2021, on y travaille de façon acharnée en essayant de mettre en place tout ce qu'il faut pour être capable de structurer de façon cohérente les efforts des différents intervenants dans différents projets sur le milieu, particulièrement en lien avec l'électrification des transports. On a déjà mis sur pied un réseau de bornes de recharge qui est fiable, qui est diversifié. On ne considère pas qu'on a terminé. On travaille en analysant et en mettant sur pied diverses technologies pour optimiser, pour améliorer. Améliorer également, non pas juste la disponibilité, mais également la façon dont on utilise l'énergie de façon à ce qu'on le fasse de la façon la plus responsable possible. On est aussi à suivre le marché avec un angle qui est propre à une société d'État comme Hydro-Québec, c'est-à-dire que le but d'installer des infrastructures n'est pas simplement un but de rentabiliser ou de faire de l'argent, mais c'est également un but de faire prospérer et de développer les diverses régions du Québec. C'est pourquoi pour nous, c'est très important de développer dans toutes les régions, en tenant compte à la fois des particularités des régions, mais aussi en tenant compte de projets porteurs à la grandeur du Québec, dans lequel l'ensemble des régions du Québec peuvent venir s'intégrer et former un tout. Là. Donc, on pense que les prochaines années vont être très, très fertiles au niveau de ce type de projet-là. La relance de l'économie du Québec suite à la pandémie, évidemment, va passer par plusieurs choses, mais beaucoup par une relance économique liée avec la mobilité et la mobilité électrique. On le sait, on est là-dessus depuis longtemps, depuis plus d'un an, et on met en place et on accélère des projets pour faire en sorte d'être au rendez-vous et d'être capable de relancer cette filière-là. C'est certain qu'on désire collaborer de façon très serrée avec les gens du milieu, avec des projets qui sont mobilisateurs, qui sont intégrateurs. On veut s'insérer dans un écosystème qui va être fort, mais diversifié. On veut avoir un Québec qui va être axé sur la mobilité durable et surtout, miser sur notre énergie qui est propre à nous. Merci beaucoup. Bon forum. Merci beaucoup, M. Archambault. Alors, j'ai l'honneur de vous présenter maintenant la dernière allocution d'ouverture avec M. Daniel Breton, qui est président et directeur général de Mobilité électrique Canada. Il est très cohérent et conséquent depuis qu'il s'est nommé porte-parole. Il a déménagé dans la Naudière. Je vous laisse la parole, Monsieur Breton. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Très heureux, très honoré en fait d'être porte-parole de l'événement sur la mobilité durable qui nous branche tous. Écoutez, moi qui travaille en électrification des transports depuis une vingtaine d'années, qui a été le premier élu responsable d'une stratégie gouvernementale d'électrification des transports au Canada il y a de ça près de 10 ans et qui a écrit de nombreux livres là-dessus. Aujourd'hui, je suis président directeur général d'une organisation pan-canadienne qui s'appelle Mobilité électrique Canada et qui regroupe à peu près 200 membres des milieux corporatifs, des milieux écologistes, des milieux québécois, des milieux de la Colombie-Britannique, des maritimes de l'Ontario, pour faire en sorte qu'on fasse le virage vers l'électrification des transports. Mais lorsqu'on parle de mobilité durable, tout ça est plus large que l'électrification des transports. Et je le dis dans tous mes livres depuis des années, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une solution qui va faire en sorte qu'on va diminuer nos émissions de gaz à effet de serre et nos émissions polluantes en transport. Il y a le covoiturage, il y a l'autopartage, il y a évidemment l'électrification des transports, il y a le transport actif, il y a le transport collectif. Il y a aussi le télétravail qui fait partie des solutions
pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Et évidemment, nous sommes tous ici en télétravail, ce qui témoigne du fait que c'est faisable. Ce que je peux dire à propos de l'événement, c'est que je trouve extrêmement intéressant que comme nouveau Lanaudois depuis un an et quelques, je constate que la région, justement, a embrassé cette volonté-là de trouver différentes solutions adaptées aux différentes réalités, que ce soit pour les régions plus urbaines, plus rurales, plus éloignées, en mobilité durable. Et ça, ça, c'est la clé. C'est la clé du succès. Tout à l'heure, moi, je vais vous parler plus spécifiquement d'électrification des transports et des perspectives d'avenir extrêmement intéressantes qu'il y a à la fois pour des raisons environnementales, des raisons de santé, mais aussi des raisons économiques pour le Québec et pour la Naudière. Je travaille depuis très près, depuis de nombreuses années, entre autres avec Martin Archambault et les gens d'Hydro-Québec. Je peux vous dire qu'au niveau des perspectives d'avenir qu'on va voir en électrification des transports et en mobilité durable, il y a là beaucoup d'espoir et il y a un potentiel de création d'emplois extrêmement intéressant pour la région. D'ailleurs, je vais en parler aussi dans ma conférence, la Naudière est déjà une région qui mène le bal en matière d'électrification des transports. Sur ce, je vous souhaite un bon événement, très heureux d'être parmi vous et on se revoit à 10 heures pour ma conférence. Merci, M. Breton. C'est un plaisir. Alors, moi, j'ai écrit 10h20 sur mon programme. Si vous voulez absolument voir M. Breton, ça serait plutôt, je pense, à 10h20 d'après le programme que j'ai. Alors, je vais vous présenter notre premier conférencier, John Usk. Il va faire une conférence qui s'intitule « Municipalité et mobilité durable, gérer le changement ». Alors, ça me fait plaisir de vous présenter M. John Usk, qui est conseiller municipal à Drummondville, depuis 2009, où il a notamment été responsable politique de l'élaboration du plan de mobilité durable 2020-2040 de la ville. Oh, alors attendez, l'écran a changé et ça m'a coupé le sifflet. Alors j'ai ça par ailleurs. Donc je ne connais pas par cœur votre biographie, mais je l'ai sous les yeux. Donc, Monsieur Usk détient un baccalauréat en études politiques appliquées de l'Université de Sherbrooke et poursuit actuellement une maîtrise en aménagement du territoire et de développement régional de l'Université de Laval. Alors, écoutons-le nous parler d'un sujet passionnant dans une conférence intitulée « Municipalité et mobilité durable, gérer le changement ». C'est à vous. Merci, Mme Berthe. Désolé, c'est moi, je pense, qui vous a coupé. Il n'y a pas de souci. Désolé, c'est de ma faute. Donc, je partage mon écran. Est-ce que vous voyez? Je pense que oui. Oui, par contre, ce n'est pas en mode présentation. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci pour l'introduction. Merci beaucoup au Conseil régional de l'environnement, la Naudière, pour l'invitation. C'est vraiment très apprécié. Je regarde un peu de l'autre côté du fleuve Saint-Laurent ce qui se passe dans la Naudière en mobilité durable. Et je dois dire que c'est très inspirant. Ça se ressent, les efforts que vous faites dans votre région. Donc, bravo pour toutes vos initiatives à ce sujet. Donc, effectivement, comme Mme Berthe mentionnait, moi, le but de ma présentation ce matin est de vous partager l'expérience de Drummondville en termes de mobilité durable. Évidemment, Drummondville, 80 000 de population au cœur d'une région d'une MRC de 105 000. Toutes les municipalités sont différentes, plus grandes, plus petites que nous. Mon but à moi, c'est de vous présenter surtout des principes, des choses qu'on a faites qui peuvent être applicables à toutes les municipalités sous une forme ou un autre, à être adaptées, c'est-à-dire. Donc voilà, alors, et à travers ce processus-là, d'élaborer le plan de mobilité durable chez nous, ce qu'on a beaucoup appris, je parle en fait surtout pour moi-même, vu que c'est ma conférence, mais c'est comment gérer le changement, parce que la mobilité durable, c'est un changement de paradigme de qu'est-ce qu'on a connu longtemps au Québec. Donc, voilà, c'est le but de ma présentation. Alors, effectivement, Drummondville a fait, au cours de la période de 2017 à 2019, on a élaboré un plan de mobilité durable qui se veut une vision à long terme jusqu'en 2040, avec un premier plan d'action sur la période 2020-2024. Pourquoi est-ce qu'on a fait un plan de mobilité durable? En fait, il y a la question de l'environnement, mais
Pour nous, pour la vision du Conseil, c'est beaucoup plus que ça, la mobilité durable. En fait, c'est un moyen pour répondre à plusieurs enjeux sociétaux auxquels on fait tous face au Québec, que ce soit l'attraction de main-d'œuvre qualifiée, la promotion de saines habitudes de vie, la réduction des gaz à effet de serre, l'intégration de nouveaux arrivants dans nos régions, l'optimisation des infrastructures qu'on a déjà, le développement de milieux de vie conviviaux également, aussi la réduction des dépenses des ménages et bien plus encore. En fait, comme je disais, la mobilité durable, c'est un moyen pour répondre à tous ces besoins-là. Chez nous, actuellement, à Drummondville, en date du dernier recensement fédéral de 2016, l'auto solo, l'usage de la voiture avec une personne par auto, et c'est 89 % de la population chez nous. Donc, on s'est donné pour objectif d'augmenter de 20 % l'utilisation des modes durables, donc de passer de 11 à 31 %. Ça, c'est l'objectif central dans le plan de mobilité. Les trois sous-objectifs, si on veut, en fait, le premier, c'est celui de sécurité optimale qu'on connaît aussi comme principe de vision zéro, c'est-à-dire l'aménagement, une approche de sécurité optimale, une approche proactive en rapport à la sécurité pour la conception des routes. Le deuxième, c'est guider l'aménagement de l'espace public par le principe de rue complète, c'est-à-dire concevoir nos voies publiques pour que tous les utilisateurs puissent y circuler sécuritairement, peu importe le mode de transport qu'ils souhaitent utiliser. Et enfin, le troisième, c'est la combinaison de l'urbanisation et du transport en commun, c'est-à-dire développer un réseau structurant. Comment est-ce qu'on peut repenser le développement, l'urbanisation de Drummondville, autour du transport en commun? Ça inclut aussi l'approche réduire, transférer, améliorer. En gros, ce que ça veut dire, ça, c'est qu'à la base, la mobilité durable part d'un urbanisme et d'un aménagement du territoire qui mise sur le développement de proximité. Ensuite, on veut transférer à des modes de transport qui sont la marche, le vélo, le covoiturage et le transport en commun. Et en fin du compte, on va vouloir améliorer les modes de transport qu'on a. Dans ce cas-ci, on parle notamment de l'électrification des transports. Alors, ça produit une hiérarchie un peu que vous êtes probablement familier, là, celle qu'on applique maintenant chez nous depuis l'adoption du plan de mobilité. On priorise d'abord les gens les plus vulnérables dans la conception des voies. Alors, la présentation, d'abord, je vais vous présenter, ça c'était une introduction rapide sur notre plan de mobilité comme tel, mais je vais vous présenter aussi ce qu'on a fait pour les principes derrière la gestion du changement. Ce qu'on a fait ensuite à l'interne de l'organisation municipale, après ça à l'externe avec la collectivité et quelques résultats que ça nous a donnés. Donc, tout d'abord, quelques principes. En fait, moi, je suis plutôt convaincu qu'on parle de mobilité durable, mais ça, c'est le fond. Mais ce qui compte beaucoup aussi, c'est la forme, c'est-à-dire comment on met en œuvre les projets qu'on a. Donc, le processus qu'on a suivi pour élaborer notre plan de mobilité, en fait, c'est encadré par un processus de consultation tout au long de la démarche, mais en fait, basé sur des valeurs d'accessibilité, de sécurité, de confort et d'efficience. On a d'abord établi des objectifs, défini des orientations, ensuite le plan d'action, ensuite les ressources nécessaires pour mettre ça en œuvre, et maintenant, on est rendu dans la phase de réalisation. Donc, c'est un peu un cycle classique dans l'élaboration de politiques publiques, mais se doter d'un plan de match comme ça au début d'un projet, c'est très important d'avoir une feuille de route à l'avance. Ensuite, quelques obstacles qu'on a rencontrés. Je dis obstacles, mais je change rapidement à ça pour dire que pour moi, les obstacles, en fait, c'est plus, faut les voir comme des opportunités. On a eu à faire une conciliation politique entre les besoins, la pression d'agir à court terme et la nécessité d'agir au niveau structurant à long terme. Ensuite, on a eu à concilier des besoins très, très micro que les citoyens nous ont fait part. Ça allait jusque dans la conception, la façon que la ville conçoit les trottoirs, mais aussi concilié avec le développement d'une vision large pour la ville. Ensuite, je vous l'ai mentionné, ça nous a pris environ 2 ans à faire le plan de mobilité. 2 ans pour structurer un processus qui doit durer 20 ans. C'est pas beaucoup, il faut voir ça comme un investissement. Je dis pas que ça va prendre 2 ans partout, ça peut se faire, mais
En fait, le principe qu'il faut retenir, c'est qu'il faut rester en mode planification assez longtemps. C'est un investissement qu'on fait pour le futur. Quelques autres opportunités. En fait, chez nous, bien, la culture organisationnelle de co-construction, c'est-à-dire la concertation à l'interne entre les services municipaux, entre l'administratif et le politique, c'est quelque chose qui est en développement, comme à plusieurs endroits au Québec. Et on a vu ça comme une opportunité, la mobilité comme moyen pour aider la cohésion à l'intérieur de notre organisation. Concilier les modes de transport, parce qu'à Drummondville, comme n'importe où, parfois, il faut faire des choix, il faut prioriser. Exemple, l'aménagement des rues entre pour les piétons et les cyclistes, c'est quelque chose qui est une conciliation, qui est une préoccupation constante. Planification budgétaire aussi, ça coûte de l'argent, mais s'il y a des opportunités à saisir là aussi. En fait, l'acceptabilité sociale, la mobilité durable, on sait qu'on peut vivre ce qu'on appelle la résistance au changement, mais si on perçoit la résistance au changement comme des signes, comme l'information que les gens nous donnent qui nous permettent de bonifier nos projets, en fait, je pense que c'est l'approche constructive à avoir. Quelques autres principes derrière ça, je pense que ce qui est important de favoriser, c'est qu'en fait, c'est une appropriation. Il ne faut pas juste que ce soit l'histoire de l'organisation municipale de faire la mobilité durable pour faire en sorte que les partenaires s'approprient la démarche, qu'ils participent, qu'ils puissent y mettre du leur, si on veut, là, de leur participation là-dedans pour qu'ils se l'approprient et qu'ils le fassent vivre ensuite. Synergie également. On a tendance, c'est un peu naturel, à développer beaucoup de projets de part et d'autre dans une collectivité. Et c'est une très bonne chose, cette effervescence-là, mais c'est aussi important d'aller chercher les liens entre les projets et agir un peu, faire un effet catalyseur. Répondre aux besoins chez nous, comme probablement chez vous, il y a des besoins en sécurité routière, il y a des besoins en saines habitudes de vie. Maintenant, s'il y a beaucoup d'acteurs sur un territoire qui ont plusieurs projets différents, puis je le mentionnais d'entrée de jeu, c'est de voir comment que la mobilité durable, c'est de l'approcher, c'est de pas de pousser le besoin comme il faut absolument faire la mobilité, c'est de le présenter comme comment est-ce que la mobilité durable peut répondre aux besoins des intervenants. Et il faut aussi faire preuve de leadership inclusif, leadership empathique. C'est un peu à la mode, là, le terme de leadership depuis quelques années, mais quand je parlais que la forme du processus que vous allez prendre, la façon que le processus de mobilité durable est mené est très important. Je dirais même il est plus important votre leadership là-dedans, la façon que vous travaillez avec les gens, la façon que vous embarquez les gens dans vos projets. C'est plus important même que le sujet lui-même, la façon qu'on traite les gens en fait, avec qui on travaille. Prendre le temps, je disais tantôt, c'est un certain temps à rester en mode planification. Oui, ça prend du temps à faire des processus comme ça, mais je réitère que c'est un investissement qui est rentable. Et également, il faut s'entourer de gens compétents pour le faire, ce n'est pas un secret. Alors, si je peux choisir deux éléments clés là-dedans, parmi ces principes-là à viser, bien, c'est surtout la question de se donner le temps de faire ces projets structurants-là et de s'assurer d'avoir un bon leadership. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait à l'interne de l'organisation municipale pour favoriser le changement? Dans un premier temps, bien, je dois spécifier que le plan de mobilité durable est issu du plan stratégique global de la ville, donc la vision large que le conseil s'est donnée en 2017 pour la période qui finit l'année prochaine, en 2022. Donc, la mobilité durable n'est pas juste un projet tout seul, elle s'inscrit en complémentarité avec beaucoup d'autres actions de nature sociale, économique, environnementale et culturelle. Donc, ça vient à ce moment-là, quand c'est dans une vision plus large et cohérente, ça vient favoriser la réception de ce genre de projet-là. Ça, bien évidemment, c'est un classique. Là, on a composé un comité de travail pour élaborer le plan composé d'élus et de fonctionnaires. J'ai été le responsable politique. Mon collègue au niveau administratif, M. Clyde Crevier, a été le responsable administratif. On a effectué beaucoup de consultations tout au long de la démarche. Je pense que c'est absolument un incontournable aujourd'hui quand on gère une institution publique. C'est normal qu'une municipalité ait le leadership sur un enjeu comme ça dans sa collectivité, mais il faut absolument embarquer notre monde et faire ce qu'on appelle la co-construction. À la différence de juste consulter puis aller chercher l'opinion des gens, la co-construction, que j'aurais dû écrire à la place de consultation, en fait,
c'est d'embarquer les gens dans le processus et que les gens prennent aussi des responsabilités, prennent en charge des actions aussi de leur côté. Donc, on a consulté plusieurs comités de la ville, mais aussi dans la collectivité à ce sujet-là. Et aussi, en tout cas pour une organisation de l'ampleur de Drummondville, on a au-dessus de 400 employés municipaux. C'était excessivement important on a passé beaucoup de temps, puis on a même commencé par ça, à consulter les différents services municipaux concernés par la mobilité durable. Au premier chef, les travaux publics et l'ingénierie, mais aussi tous ceux que j'ai mis à l'écran, la communication, urbanisme, société de développement économique. On a passé beaucoup de temps à s'asseoir avec eux. On a rempli, c'est un peu je partage pas un document juste pour le plaisir, mais c'est un peu un geste symbolique, c'est qu'on a fait des fiches de suivi pour toutes les rencontres qu'on faisait parce qu'on voulait laisser des traces, on voulait prendre l'engagement de rapporter ce que les gens nous mentionnaient, les besoins que les gens nous exprimaient. On voulait consigner ça et inclure ça dans notre démarche pour en faire quelque chose de structurant et démontrer aux gens qu'on prenait au sérieux les préoccupations dont ils nous faisaient part et qu'on allait prendre ça en considération dans l'élaboration du plan. On a aussi mis en œuvre une structure de gouvernance parce qu'on ne voulait pas juste ajouter la mobilité durable sur la pile, comme on dirait. On sait que dans toutes les organisations municipales, on déborde de travail, il ne manque pas d'ouvrage et les gens en ont plein leur assiette déjà. Donc, on a vraiment élaboré une structure qui fait en sorte de responsabiliser certaines personnes pour coordonner la mise en œuvre du plan de mobilité durable. On a embauché, créé des postes, embauché des ressources aussi pour mettre ça en œuvre. Donc, c'est un peu un incontournable. On ne peut pas juste ajouter ça sur ce que les gens font déjà. Il faut vraiment donner les moyens aux personnes et aussi donner la structure administrative pour le faire. Donc, pourquoi est-ce que je vous présente une tarte au sucre ce matin, période des sucres, c'est qu'il y a quelqu'un qui m'a dit dans le processus que quand on fait un projet à l'interne, parce qu'on va de plus en plus vers l'intégration dans nos municipalités, il faut de plus en plus, faut déconstruire les silos, il faut travailler entre services municipaux, entre gens de différents domaines sociaux, économiques, environnementaux, culturels. Donc, quand on fait un projet de mobilité durable, il faut s'assurer d'avoir autour de la table, il faut que ce projet-là soit conçu, comme je disais précédemment, avec les gens de tous les différents services municipaux impliqués. Excusez-moi, je prends une gorgée. Donc, ce n'est pas juste l'affaire de l'ingénierie ou des travaux publics, c'est vraiment tous les services municipaux doivent pouvoir participer à cette démarche-là. Maintenant, comment est-ce qu'on a fait pour favoriser la gestion du changement à l'externe de l'organisation municipale, c'est-à-dire dans la collectivité? Bien, en fait, sur la part des communications, on a créé une identité visuelle pour favoriser l'appropriation, envoyer le signal à la collectivité que c'est un projet d'importance pour la ville. On a aussi tenu un forum avec les partenaires. La ville, quand je dis des partenaires, je parle des acteurs sociaux, économiques, environnementaux. Ce ne sont pas des citoyens individuels, mais des organismes comme la Sûreté du Québec, un organisme qui s'appelle Réseau plein air Drummond. On a aussi travaillé avec représentants régionaux de l'Association des véhicules électriques. Donc, on a amené tous ces gens-là autour de la table pour travailler avec eux. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? C'est parce que, comme je mentionnais précédemment, souvent dans une collectivité, on a tendance, il y a plusieurs partenaires, il y a plusieurs acteurs et les gens ont tendance à travailler, à développer des projets, parfois de leur côté, parfois en collaboration. Mais ce que ça prend au centre de ça, le rôle de l'organisation municipale, de mon point de vue, en fait, c'est d'agir en termes de mobilité durable, comme dans plusieurs autres sujets. On doit tenter de favoriser une cohésion entre tous ces acteurs-là pour favoriser effectivement l'effet catalyseur, l'effet qu'on a à jouer comme institution publique, de rassembler les gens et inscrire tout ça dans une vision large et tenter d'éviter un éparpillement des différentes actions pour en favoriser la cohérence. Et c'est un peu, si on veut, favoriser l'effet boule de neige quand on collabore entre projets, quand plusieurs acteurs qui ont plusieurs préoccupations différentes collaborent sur un projet. Bien, c'est là qu'on peut créer un effet catalyseur et qu'on optimise les ressources, notamment les fonds publics qu'on a à notre disposition. En rapport au grand public, aux citoyens, dans la collectivité, on a fait 5 soirées
pour de travail où est-ce qu'on a amené les gens. On a introduit le sujet de la mobilité durable. On a et après ça, on est allé chercher l'input en bon français des gens, qu'est-ce quoi leurs préoccupations, qu'est-ce qu'ils voulaient nous faire part à ce sujet-là, où est-ce qu'ils voyaient la ville aller, qu'est-ce qu'ils pensaient qu'ils pouvaient faire pour contribuer. On a fait aussi un sondage web et on a demandé à notre patrouille verte qui circule l'été de faire un questionnaire auprès des gens. Moi-même et M. Crevier, on a aussi fait une journée en camp de jour. On est allé chercher, parce que qui sont les utilisateurs de la voie publique de demain? Bien, c'est nos jeunes. Donc, on a fait l'activité en camp de jour pour aller chercher la perception des jeunes de nos voies publiques, de nos déplacements. Comment eux voient ça? Comment ils voient leurs déplacements au jour le jour? Les jeunes nous ont beaucoup parlé de la nécessité un peu la difficulté de traverser les voies publiques. Évidemment, c'est en images. Les jeunes nous dessinaient ça. Ils dessinaient des traverses mur à mur sur une rue qu'ils avaient besoin, qu'ils souhaitaient avoir. Ils ajoutaient aussi beaucoup de verdure. C'est les deux éléments qui nous ont parlé beaucoup. On a aussi fait un concours de photos avec le club de photos de Drummond. Les membres du club ont bien voulu participer. On a tenté d'étendre un peu notre réseau d'influence et embarquer les gens le plus possible dans la démarche. Donc, en embarquant le club de photos, on trouvait que c'était une belle façon pour les gens de s'approprier le sujet. Évidemment, le lancement, là, ça, c'est la conférence de presse où on a réuni tous les intervenants qui ont participé à la démarche. Et c'est aussi un moment fort pour lancer le projet et aussi favoriser l'appropriation par tous les gens. On a fait également une soirée de présentation publique. Moi et M. Crevier, on a la ville a convoqué une soirée d'information, pas juste une conférence de presse. Après ça, on a passé une soirée au complet pour répondre aux questions des gens, leur présenter le projet et répondre à tous les questionnements que les gens avaient. La documentation pour notre plan de mobilité est entièrement disponible sur Internet avec l'adresse que vous voyez à l'écran, autant le plan, la vision 2040 que le premier plan d'action 2024. Même chose va pour le réseau piétonnier projeté et le réseau cyclable projeté. Ce qu'on veut faire, ça peut changer au cours du temps, mais tout est à la disposition des citoyens sur Internet. Quelques résultats qui ont émané de cette démarche jusqu'à date. Ça va faire 2 ans cette année qu'on met ça en œuvre. En fait, on est parti avant le plan d'investissement, le budget d'investissement 2020 de la ville, on était en dessous de 2 millions, juste en termes d'infrastructure à la ville, on est en dessous de 2 millions d'investissements. On a décidé dans notre cadre financier que la ville a élaboré d'y aller par palier. Donc, la première année en 2020, pour un peu absorber ça dans le cadre financier global de la ville, donc la première année, on est monté à 2,3 millions d'investissements et cette année, on va être à 4,5 millions. Notre cible globale, le cadre financier qu'on avait élaboré, c'est des investissements récurrents d'environ 4,7 millions par année. Donc, on arrive proche, pas mal proche. Autre résultat, on a fait un des premiers villages éducatifs de vélo au Québec et au Canada. C'est une installation où c'est un travail collaboratif entre un de nos centres communautaires, le ministère des Transports, Réseau plein air Drummond qui travaille en plein air, et en transport actif, ainsi que le CIUS, Mauricie Centre du Québec. On a fait converger les ressources de plusieurs instances pour créer cet endroit-là, pour apprendre, aider les jeunes à apprendre à se déplacer sécuritairement en dehors du réseau routier comme tel. On a révisé aussi jusqu'à date notre règlement d'urbanisme pour l'aménagement de stationnement pour favoriser plus de verdure, des espaces obligatoires pour le vélo et les choses comme ça. On a aussi produit un rapport avec Vélo Québec à pied, à vélo, ville active. Il y a au-dessus d'une vingtaine d'écoles primaires sur notre territoire et on a, environ une quinzaine, et on a élaboré un plan pour favoriser de quoi aura l'air tous les parcours pour se rendre à pied, à vélo sécuritairement dans toutes les écoles primaires sur le territoire qui va être inclus dans le développement au service de l'ingénierie. S'ajoute aussi à ça qu'on a en atteint des cibles actuellement, par exemple, de 5 nouveaux kilomètres de voies cyclables par année qu'on fait depuis maintenant 2 ans. Le transport commun, Drummondville a un transport commun qui circule avec une fréquence aux 30 minutes actuellement.
Alors, on a révisé l'utilisation de l'espace publicitaire pour faire plutôt la promotion de la mobilité durable. Ça c'est en cours présentement, l'espace sur les autobus. Mais aussi, cette année, on a ajouté le Wi-Fi dans les autobus, également le paiement électronique s'en vient aussi à place d'avoir des petits billets en papier. Et on a également le prochain contrat de transport commun est en révision en 2023, dans 2 ans et demi. C'est à ce moment-là qu'on a plusieurs mandats en cours pour réviser le passage, les parcours optimaux de transport en commun, ainsi où est-ce qu'on doit faire la densification autour du transport en commun. On a fait beaucoup de communication dans le journal local l'année passée, dans les médias de masse. On a vraiment fait beaucoup de sensibilisation. On a élaboré également, c'est un des outils clés que je voulais vous partager. Je pense que s'il y a bien un point de départ que chaque municipalité devrait avoir, c'est un guide de conception de rue complète. Je mentionnais tantôt, c'est des standards que la ville se donne chez nous pour concevoir dorénavant chaque voie de circulation selon le principe de rue complète, c'est-à-dire celui où chaque usager de la route peut circuler de façon, peu importe son mode de transport, peut circuler de façon sécuritaire. Donc ça part par l'élaboration d'une hiérarchie du réseau routier. On s'est donné aussi des paramètres pour élaborer des standards, si on veut, pour les largeurs de tous les types d'aménagements et aussi des gabarits, autant en milieu scolaire qu'en milieu rural et qu'aussi en milieu, une rue collectrice, par contre, par exemple, comme les grands boulevards. Donc, c'est vraiment un outil qu'on a trouvé très intéressant et très structurant, qui jette la base et qui est, je pense, qui est fondamental pour chaque municipalité en termes de mobilité durable. Également, Drummondville a gagné à l'automne passé le prix distinction de l'Association québécoise des transports pour le plan de mobilité durable. Donc, on en est très heureux. Alors, voilà, ça fait le tour de ma présentation. Merci beaucoup. Merci à vous, M. Husk. Un grand merci pour toutes ces informations. Vous les transmettez avec générosité de forum en forum. J'espère que cela va en inspirer plus d'un. J'ai pris quelques petites notations, mais co-construction. Également, l'idée d'avoir des cibles et l'aménagement, c'est la clé de tout, évidemment. Si au départ, on n'a pas prévu le coup, on rame après pour aller mettre la mobilité durable de force dans les milieux. La mixité des usages est de mise, évidemment. Et votre guide de rue complète est en effet un outil de mise de nos jours. Alors, je vais maintenant vous présenter le prochain conférencier, M. David Hervieux. Alors, après avoir fondé Devolution.inc en 2004, dans le but d'offrir des services de consultation en logiciel, M. Hervieux a changé la mission de l'entreprise dès 2010 afin de développer des solutions logicielles clés en main. Aujourd'hui, en plus d'être à l'avant-garde en matière de mesures environnementales et durables, Devolution est le chef de file mondial sur le marché de la gestion des connexions à distance et des mots de passe, avec plus de 350 000 utilisateurs dans plus de 140 000 pays. Alors, je vais vous laisser la parole pour votre conférence Devolution, une entreprise proactive. À vous la parole. Bonjour, merci beaucoup. Je vois pas le partage d'écran encore. C'est vous qui devez le faire. C'est bon, je l'ai. C'est bon, je vous passe ça sur mon deuxième écran. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui, de pouvoir amener un petit côté corporatif au forum. Je suis connecté depuis 9 heures, puis bravo à tout le monde pour tous les efforts. Je vais essayer de vous donner un angle corporatif parce que ce que je trouve intéressant, puis le point que j'aimerais beaucoup que vous gardiez en tête, c'est que les entreprises peuvent être des excellents partenaires avec le gouvernement et les municipalités, et puis que nos intentions sont souvent pas mal plus nobles que ce qu'on peut penser. Souvent, on a comme dans la tête, bon, l'entreprise, c'est la méchante corporation, mais vous seriez surpris, en tout cas, vous allez voir à travers ma présentation, c'est quoi nos objectifs et pourquoi on est intéressé à travailler sur la mobilité durable. Pour commencer, je vais juste...
introduire un petit peu d'évolution qui on est. Une entreprise basée à la Valkyrie, en haute technologie. Ce qui est quand même particulier d'évolution, c'est qu'on n'est pas supposé être dans une petite municipalité comme la Valkyrie. On devrait se retrouver dans un grand centre urbain comme Drummondville, Montréal, Trois-Rivières. Mais étant né à la Valkyrie et ayant décidé de ne plus voyager au centre-ville, j'ai fondé la compagnie. Et puis, on est justement très, très international. On est 96% de nos ventes à l'extérieur du Canada, donc peut-être 1 ou 2% au Québec. On a à peu près 120 employés. C'est sûr qu'on a été très impacté par la pandémie dans le sens que la plupart des gens sont en télétravail. Mais quand même, vous allez voir qu'on avait des choses de mises en place qu'on va remettre. C'est sûr que le télétravail, c'est très intéressant pour la mobilité durable, mais selon moi, ce ne sera pas permanent. Parce que les gens sont... les êtres humains sont des bébites sociales. Chez Devolution, c'est des gens en informatique. Grosso modo, ce n'est pas important ce qu'on fait, mais on gère des mots de passe et des accès à distance pour les entreprises. Mais j'ai beaucoup de gens introvertis, mais les gens ont besoin de se connecter ensemble physiquement. Même les gens gênés ont le goût d'entendre une conversation. Donc, il faut trouver vraiment des solutions pour que quand les gens vont venir au bureau, que ce soit intéressant de pouvoir continuer à avoir les bénéfices de la mobilité durable. Une des premières initiatives qu'on a faites, c'est qu'on a été dans les premières entreprises à installer des bornes électriques à nos bureaux. À l'époque, c'était quand même particulier parce qu'il n'y en avait pas beaucoup encore. De mémoire, il n'y avait aucune borne à la Valkyrie du circuit électrique. Maintenant, il y en a. Donc, on a eu deux premières bornes. À cette époque-là, on avait été chercher de la subvention. Ensuite, on avait ajouté trois autres bornes. Puis finalement, deux autres bornes. Et finalement, dans notre dernier agrandissement, on en a rajouté pour un total de 13 bornes. C'est autant pour les employés que pour les visiteurs. Et puis, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on ne s'est pas amusé à rajouter des bornes juste pour avoir le record de bornes à la Valkyrie. C'était vraiment parce qu'il y avait un besoin. Les gens utilisaient des outils comme Slack ou les canaux de messages pour dire « OK, là, il faut que j'aille me charger à bout fini », ces choses-là. C'était vraiment intéressant de voir que les employés voulaient embarquer dans ce principe-là, qu'on n'appelait pas mobilité durable, mais qui est plus l'électrification. Vous allez voir, c'est quand même intéressant parce que là, ce côté-là est assez facile au niveau de l'électrification, c'est très naturel pour les gens. Là où ce qu'on est très innovateur, c'est qu'on a été aussi avant-gardiste dans la rénovation de nos bureaux en ajoutant deux vestiaires avec des douches. Pourquoi des douches? C'est parce qu'on a des gens qui viennent en vélo, qui ont besoin de se laver ou qui vont se promener. Donc, on a un gym, bien sûr, mais on a aussi en même temps les douches qui permettent aux gens d'avoir une certaine qualité dans leur travail après avoir fait. Et puis, une anecdote, j'avais un employé... J'étais vraiment impressionné. Il descendait à tous les jours de Pointe-aux-Trembles en vélo. Des fois, là, il venait mouillé. Là, c'était comme... Là, j'avais offert des solutions alternatives. Non, lui, il voulait venir en vélo. Et puis, c'était pour un stage. C'était vraiment intéressant. Mais ce qui était vraiment le point important, c'était qu'il pouvait aller prendre sa douche et puis ensuite faire sa journée en étant confortable. On a aussi des supports à vélo pour les gens. J'ai des employés qui vont se promener ou qui vont chercher leurs enfants à vélo à garderie et puis de façon sécuritaire installer des supports à vélo. Ça, c'est un coût très faible et comme un minimum à avoir au moins, surtout s'il y a une certaine sécurité pour le vol. Ensuite, on avait aussi ajouté un petit peu à la formule Bixi des vélos libres avec un panier. C'est sûr que ça fait particulier de voir les employés de Devolution avec leur panier, mais les gens s'en servent beaucoup le midi pour aller chercher leur dîner. Donc, ça favorise l'achat local en plus de permettre aux gens de pouvoir se promener. On a aussi ajouté des trottinettes électriques. Vous savez, la Valkyrie, c'est une belle ville, mais est-ce que c'est la plus belle ville au monde? Peut-être pas. Mais ce qui est important, peu importe où vous allez, où vous arrivez, vous développez des émotions envers les villes. Puis souvent,
en ayant une petite trottinette électrique, en se promenant, bien, les employés partent, ils vont faire le tour, ils voient le fleuve, ils découvrent des choses. C'est des gens qui ne sont pas nécessairement des résidents de la Valtrie, mais qui découvrent. Puis c'est pour ça que je dis souvent, quand tu es heureux dans ton travail, quand tu es heureux dans un endroit, tu développes un certain attachement. Puis n'importe quelle ville peut devenir une ville magnifique si tu l'explores. En utilisant les trottinettes électriques rechargeables, bien, c'était une façon de permettre aux gens de venir à la Valtrie. Je ne l'ai pas dans mes slides, mais surtout en passant, aussi, on paye la taxe de bienvenue chez Devolution aux gens qui déménagent à la Valtrie. C'est intéressant parce que l'idée, c'est de ramener la main-d'œuvre le plus proche possible. C'est un des objectifs de l'entreprise, de s'assurer qu'en étant en région, bien, d'avoir un groupe de personnes. Je sais que dans les présentations, vous en avez parlé aussi, au bout de M. Husk, au bout de Drummondville, la main-d'œuvre, bien, c'est une idée pour Devolution d'attirer la main-d'œuvre. L'autre initiative qu'on a mis en place, c'était on a plusieurs, en fait, deux maisons. On est en train d'en rénover une autre qui est à proximité, vraiment en face là, de Devolution. Ça touche tout le temps au territoire de l'entreprise pour accueillir soit des employés ou des stagiaires. Souvent, tu as des gens qui sont aux études à Montréal ou à Québec, puis ils veulent venir faire un stage, mais soit qu'ils n'ont pas de famille proche, quelque chose comme ça, puis c'est limitatif. Fait que ce qui est intéressant avec le logement, c'est que ça permet aux gens de venir s'établir, de connaître, et ensuite, au même principe que mes trottinettes, de découvrir une ville et puis d'acheter la maison ou de continuer soit leurs études, puis de revenir plus tard. Fait que c'est un peu l'idée. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est, ce que je dis souvent, c'est qu'on n'est pas des promoteurs immobiliers. Donc, on achète vraiment des maisons qui sont collées à Devolution, qu'on rénove pour qu'elles soient intéressantes pour les gens. C'est une façon créative d'être un peu différent et de travailler en partenariat avec les employés parce que c'est toujours l'objectif. Si vous avez des questions, je vais avoir hâte de vous répondre. Si vous avez, j'ai d'autres idées qu'on pourrait mettre en place, mais je veux quand même parler de c'est quoi les avantages parce que vous allez éventuellement avoir des entreprises de travailler. M. Hirsch l'a mentionné, c'est important de trouver comment travailler de chaque partie avec sa pointe de temps. On voyait que les entreprises pouvaient en faire partie et puis il y a des avantages pour eux autres. L'attraction, là, on est présentement dans une pénurie de main-d'œuvre. Juste pour vous donner des chiffres, en général, un chasseur de tête qui va vous engager quelqu'un va vous coûter 20 %, donc 10 000 sur un salaire de 50 000. Fait que si vous gardez vos employés, s'ils sont heureux, si vous n'avez pas de volatilité de personnel, si vous prenez un stagiaire, vous l'amenez, c'est rapidement rentable d'aller chercher les montants d'argent. C'est comme ça qu'on a calculé pour les maisons, parce que l'idée, c'est que ces maisons-là nous permettent d'attirer des employés ou de les garder, tout simplement, dans mon cas, de la taxe de bienvenue. On a aussi utilisé des techniques, parce qu'il y a des gens qui aiment Montréal, qui veulent rester à Montréal, fait que c'est plus en fournissant, par exemple, un abonnement communautaire pour que quand il y a des besoins de venir au bureau, qu'ils puissent utiliser un transport. Parce que la Valtrie n'est pas nécessairement aussi bien desservie que certaines municipalités en termes de transport à partir de Montréal. On a des contraintes de temps. Donc, en utilisant ça, en collaboration avec les employés, c'est une bonne façon. Fait que c'est définitivement payant de travailler en collaboration entre employés, villes et entreprises. Et puis, nous, on est extrêmement innovateurs. On a une façon marketing, on est très international. La gestion des employés est très importante pour nous autres, s'assurer qu'ils soient heureux, qu'ils soient bien. Puis, je pense que dans la mobilité durable, c'est important, je sais que c'était mentionné ici, de tenir compte de ce que les gens veulent. Et puis, ça leur tient à cœur. Il y a toute une génération de gens que l'environnement est important, puis ça devient un critère de savoir que l'entreprise en tient compte et qu'elle est à l'écoute, puis qu'elle essaie constamment de trouver des façons d'en faire plus. Toujours dans les moyens, c'est sûr qu'on a des contraintes. Je vais vous laisser avec une petite bande dessinée parce que chez Devolution, on aime ça. On a une façon particulière de communiquer. Au début, j'avais mis dans mes PowerPoints mes bandes dessinées, mais je trouvais que ça fitait moins. Mais je veux que vous sachiez que nous, on touche beaucoup de monde à l'international. Puis ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on voyage très peu.
On va à distance. Une des façons qu'on fait pour communiquer avec les gens, puis c'est connexe un petit peu à la mobilité durable, vous allez voir, c'est que souvent les gens pensent que pour vendre à l'international, il faut se déplacer. Mais qui dit déplacement, dit avion, dit pollution, dit tous ces problèmes-là. Nous, on utilise beaucoup les médias sociaux. Nos bandes dessinées, c'est une façon sur notre blog d'attirer des gens qui viennent nous connaître et de pouvoir vendre nos produits. À chaque mois, ça fait, on a au-dessus de 100 bandes dessinées comme ça. On a un graphiste, dessinateur qui fait ça à temps plein, qui fait des bandes dessinées pour nous. À chaque mois, on sort une bande dessinée dans notre infolettre. Ça fait que les gens sont intéressés, qu'ils nous connaissent. Puis parce qu'ils nous connaissent, c'est ce qu'on appelle une bande marketing. Bien, on n'est pas obligé de se déplacer physiquement pour aller faire nos ventes, puis tout peut se faire à distance. Donc, je vous recède la parole, et puis merci beaucoup de m'avoir laissé la chance de pouvoir parler de ce volet-là. Merci beaucoup, M. Hervieux. C'est assez impressionnant. Vous avez commencé par les bornes électriques, mais avec ravissement, je vois que vous avez également pensé à ceux qui font du transport actif, avec les douches, les supports à vélo, les vélos en libre-service, puis aussi de rapprocher les lieux de résidence avec la mise à disposition de logements. Exact. C'est original, je dirais, parce que on en connaît beaucoup des entreprises qui mettent en place des choses. Je travaille pour les centres de gestion et déplacement, puis on remet chaque année des prix leaders, puis... je pense que vous devriez vous inscrire au prochain. Oh, ça me fait plaisir. simplement mentionner que souvent dans les entreprises, on offre gratuitement la place de stationnement aux personnes. Évidemment, dans ces secteurs-là, de se déplacer en auto, c'est comme rentrer dans les mœurs. Mais peu de fois, ceux qui se déplacent en transport actif ou ceux qui... font l'effort de venir soit en transport en commun ou qui viennent avec leur voiture électrique ont peu d'avantages. Donc, grâce à vos initiatives, vous remettez l'équilibre dans la balance. C'est très, très apprécié. Alors, je pense que vous reconnaissez Gabriel Meunier. Vous l'avez vu dans l'ouverture du forum. Il est chargé de projet énergie et changement climatique, puis il va vous parler de deux points particuliers. Il va vous présenter la nouvelle mouture de la plateforme Embarque Lanaudière. Alors, je pense que vous vous en souvenez, elle a été lancée en 2017, mais elle a pour but de promouvoir les transports alternatifs partout dans la région. Elle a continué d'être développée. Donc, M. Meunier va nous présenter la dernière mouture ainsi que les plus récentes fonctionnalités qui ont été ajoutées. Et dans un second temps, il vous présentera aussi la boîte à outils sur la mobilité durable qui a été élaborée de concert avec les municipalités, entreprises et organisations lanaudoises lors de la tournée « La mobilité durable, ça me branche ». C'est une tournée qui a permis au CREL de tenir des événements dans chacune des MRC de la région. Alors, on vous écoute, M. Meunier. Merci beaucoup, Aline. Donc, je vais débuter en vous présentant la plateforme Embarque Lanaudière. Donc, comme vous le voyez là, sur l'écran d'accueil, on a fait s'afficher une vignette en fait pour inviter les gens à suivre les recommandations du gouvernement en lien avec la COVID-19. Donc, c'est important quand on fait, entre autres, du covoiturage, là, de respecter certains critères, certaines normes. Donc, on l'affiche ici là, d'entrée de jeu. Je vais peut-être débuter par une courte genèse du projet. Je sais que la plupart d'entre vous le connaissez déjà, mais pour ceux et celles dont ce ne serait pas le cas. Donc, en fait, l'idée de la plateforme Embarque Lanaudière est née, on s'est inspiré un peu de ce que faisait le CRE Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui avait développé un réseau de stationnement incitatif. Dans notre cas, on s'est dit pourquoi ne pas intégrer ça sur une plateforme web et de jumeler ça avec le principe du covoiturage, donc encourager les gens covoiturés, puis développer un réseau de stationnement incitatif dans la région. C'est certain qu'on a débuté avec un large travail là, de collaboration et de concertation avec les acteurs du milieu. Je pense que M. Mancé le mentionnait là, en introduction. Effectivement, on a collaboré entre autres avec la MRC Montcalm, mais aussi l'ensemble des 6 MRC de la région, puis la majorité des municipalités pour développer ce projet-là, avoir leur avis. Puis rapidement, ce qui est ressorti, c'est que plutôt que de cantonner en fait notre plateforme seulement au covoiturage et à un réseau de stationnement incitatif, il y aurait une belle opportunité d'en faire une plateforme dédiée au transport alternatif, donc à l'ensemble des alternatives à l'auto solo à essence. Donc avec le temps, on a intégré là, plusieurs, on peut voir ici, on a des circuits d'autobus, de taxibus, transport adapté.
On peut aussi faire afficher sur la carte le réseau cyclable de notre région, puis même un peu partout au Québec, le réseau de bornes de recharge. Donc, pour les véhicules électriques, on a vraiment élargi le mandat là, avec les avis puis les conseils là, du milieu. Bon, quand je parle de grand travail de collaboration, de concertation, un autre point que j'aimerais mettre en évidence, en fait, c'est le travail qui a été fait avec les autres CRE, les autres conseils régionaux de l'environnement. Principalement, là, il y a les CRE de la Montérégie, de l'Estrie, de Chaudière-Appalaches qui ont vu un intérêt marqué en fait pour notre plateforme. Puis assez rapidement, bien, dès qu'ils ont eu un projet en tête, bien, ça nous a fait plaisir de leur partager notre expertise, puis de partager certaines données de la plateforme pour qu'ils puissent l'adapter à leur région. Puis même, bon, comme on peut voir, là, juste de l'autre côté du fleuve, ici en Montérégie, les plateformes se parlent aussi entre elles. Donc, la connexion interrégionale là, était aussi importante dans ce projet-là. Qui dit aussi collaboration, dit nouvelles idées. Donc, ces CRE-là ont voulu bonifier la plateforme encore plus. Nous, à la base, par exemple, pour le volet covoiturage, on faisait affaire avec un seul joueur. Donc, on avait les résultats de covoiturage d'un seul service de covoiturage. Mais rapidement, on s'est rendu compte que pour répondre vraiment à la demande, ça serait intéressant de développer cet outil-là. Puis c'est ce que fait nos collègues au CRE Estrie. Donc, ils ont développé un agrégateur. Donc, si je remonte un petit peu là, sur la page ici, dans covoiturage, l'outil de planification qui a été développé affiche maintenant les résultats de covoiturage.ca, Amigo Express, EcoRide et PopperRide. Donc, on a intégré quatre applications de covoiturage à la nôtre. Puis éventuellement, bien, il y aurait possibilité d'en ajouter encore d'autres. Pour vous donner une idée comment ça fonctionne, bon, si je clique ici sur covoiturage, on va faire par exemple de Terrebonne à Saint-Lin-Laurentide. Trouver un covoiturage. Et on voit qu'il cherche parce qu'il doit faire le tour de plusieurs services, donc ça peut prendre quelques secondes. Et là, on a des offres qui s'affichent, qu'on peut classer par date, par service. Donc, ici, j'en ai une en partance de Mascouche ou de Terrebonne en direction de Saint-Lin-Laurentide. Donc, ça permet d'avoir une offre peut-être un petit peu plus diversifiée que ce qu'on avait précédemment. Une deuxième nouveauté là, qui a été développée, c'est celle du planificateur de trajet. Donc, un peu comme sur Google Maps, maintenant, on a la possibilité d'indiquer un lieu d'origine et de destination. Fait que, disons qu'on fait la correspondance, l'Assomption-Repentigny. On va nous afficher, en fait, les différentes possibilités. Donc, ici, on a le trajet à vélo. On a aussi les différents tracés de transport collectif qui sont possibles. Donc, on n'a qu'à cliquer dessus, puis on nous indique le tracé là, qui est possible d'effectuer. Et la troisième nouveauté que j'aimerais vous présenter, si on regarde la carte, bon, à la base, on peut indiquer les municipalités, on peut indiquer les stationnements incitatifs sur le territoire. Maintenant, on a ajouté un nouvel onglet qui s'appelle « Employeur proactif ». En fait, ça, c'est l'idée du CRE Chaudière-Appalaches qui a développé ce nouvel onglet-là. Comme vous voyez, bon, lorsque je clique dessus, il n'y en a pas encore dans la note d'heure, donc c'est pourquoi j'aimerais vous le présenter aujourd'hui et faire appel à vous. On a commencé à le développer. On voit qu'il y en a un ici en Montérégie, mais la plupart, comme je le mentionnais, ont été développés par nos collègues de Chaudière-Appalaches. Donc, le but, en fait, c'est de présenter les employeurs proactifs en matière de mobilité durable sur le territoire. Donc, je peux vous donner peut-être un ou deux exemples là, pour vous donner des idées. Puis si vous répondez à ces critères ou vous connaissez des entreprises là, qui en font peut-être plus que la moyenne en matière de mobilité durable, bien, ça serait intéressant pour nous de leur donner une plateforme, de les inscrire sur Embarque la Naudière et de faire rayonner encore plus ces actions-là. On a l'exemple ici, une entreprise médicale à Lévis qui offre la navette gratuite à ses employés, donc depuis de Lévis à Lillet. Donc, faciliter le transport, puis de sa main-d'œuvre. Donc, une belle action en termes de mobilité durable. Je vais vous donner peut-être un autre exemple rapidement. Donc, ici,
Donc, c'est la municipalité de Prévost. Le terme de l'employeur. Donc, qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Un plan de gestion des déplacements qui est en cours de réalisation, une politique de télétravail et une navette pour les employés entre les deux sites. Donc, ils ont un site à Prévost, de Prévost de Sainte-Claire. Bon, je vous mentionnais, on fait appel à vous, mais on vous a facilité la tâche un petit peu aussi. Donc, ça, on vient dans la section « À propos ». En fait, juste ici, on a créé un nouvel onglet, « Employeur proactif, inscrivez-vous ». Donc, on a préparé un court questionnaire en ligne qui va nous permettre d'en apprendre un petit peu plus là, sur les actions en mobilité durable de votre entreprise. Puis après, ça va nous permettre d'entrer en contact avec vous pour peut-être valider certaines informations, en détailler d'autres et pouvoir afficher la vignette « Employeur proactif » sur « Embarque la Naudière ». Je vais passer à la seconde plateforme qui nous fait plaisir de vous dévoiler aujourd'hui. Donc, la boîte à outils sur la mobilité durable qu'on a développée, je dirais, ces trois dernières années. C'était quand même un des éléments centraux de notre action ces dernières années. Donc, on a fait la tournée de l'ensemble des MRC de la région. On a présenté des moutures en développement de cette plateforme-là. À la base, donc c'était une boîte à outils qui a été créée en format papier qui a vraiment suivi un travail de co-construction avec les municipalités, les employeurs là, des MRC de la région. Puis on espère l'avoir développé quelque chose qui va vous servir, qui va vous permettre, encore une fois, de mettre de l'avant des mesures intéressantes au niveau de la mobilité durable. Comment fonctionne la plateforme? Là, c'est relativement simple. Donc, vous arrivez sur un écran d'accueil comme celui-ci. On a pour l'instant 14 fiches qui ont été créées dans le cadre du projet. Éventuellement, on aimerait bien sûr poursuivre le développement et en ajouter sur la plateforme. Pour aider en fait à la navigation, on a créé une petite barre ici de recherche. Donc, on peut dire, par exemple, moi, j'aimerais développer une action en transport électrique. Je suis une municipalité. Et on va nous présenter, en fait, la fiche ou les fiches qui correspondent à ces critères de recherche-là. Comme ici, par exemple, l'exemple qu'on a, c'est soutenir financièrement les citoyens pour l'installation d'une borne de recharge à domicile. On peut recommencer une recherche. Donc, j'aimerais faire une action en transport actif. J'aimerais viser les citoyens. Je suis, disons, une municipalité. Donc, on a une série maintenant de 4 résultats qui s'affichent. Donc, on peut en choisir une ici. Par exemple, déployer une offre de transport actif en libre service. On a un court résumé de la fiche. Puis, bon, j'ai le bouton consulter ici. Donc, ça affiche sur la page, en fait, la fiche numéro 6. Pour chacune des fiches, on a un court résumé. On explique brièvement la mise en œuvre. Dans ce cas-ci, bon, on a 2 points de mise en œuvre de qu'est-ce qu'on doit avoir en tête là, quand on met de l'avant cette initiative-là. Ensuite, ici, on a une série d'avantages qui sont liés à cette fiche. Puis on a toujours des exemples concrets. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment ressorti de notre travail de co-construction avec le milieu. C'était pas seulement d'avoir une fiche où on dit noir sur blanc, voici les étapes pour réaliser, mais montrer peut-être des exemples inspirants qui est possible là, après ça de reproduire dans notre milieu. Donc, dans l'exemple ici, on donne l'exemple de la ville de l'Assomption qui va faire la location de trottinettes électriques qui permettait autant aux visiteurs qu'aux citoyens là, de découvrir un circuit historique et artistique au centre-ville. On a l'exemple de l'entreprise Bessic Jaune qui a développé là, une offre de service en vélo libre-service à l'intention des municipalités. Puis encore une fois, on a une série de ressources complémentaires qui sont liées. Donc, on a des liens externes si on veut en savoir plus sur chacune de ces fiches-là. Si on se dit cette fiche-là, elle m'intéresse vraiment, j'aimerais ramener l'information dans mon entreprise, dans ma municipalité. On a toujours des versions imprimables pour chacune des fiches. Donc, c'est un document PDF recto verso qu'on pourra par la suite
imprimer puis distribuer. Si je retourne à ma boîte à outils, je vais vous montrer rapidement les autres sections. Donc ici, la section à propos, on fait une courte présentation du projet, puis on bonifie aussi avec d'autres types d'initiatives que le CREL a menées ces dernières années. Donc, on réfère à la boîte à Embarque Lanaudière, les employeurs proactifs que je vous ai présentés un peu plus tôt. On met des liens vers les présentations, les conférences qu'on a tenues là, durant la dernière année. Le contenu du forum aussi, là, pour ceux qui l'auront raté, va être présent. Donc, c'est tous des outils qu'on rend disponibles à tout le monde. Et bien sûr, nos partenaires financiers et commanditaires pour l'élaboration de cette plateforme et pour la démarche la mobilité durable, ça me branche dans son ensemble. Et dernièrement, bon, la section de nous joindre, peut-être ce que je voulais vous montrer dans cette section-là, il est possible de commander des fiches. Donc, comme je vous disais, on prépare, donc on a des formats PDF qui vont être imprimables aussi. Donc, si vous souhaitez là, avoir une série de fiches des 14, le format papier, remplir le formulaire de commande ici, puis ça va nous faire un plaisir là, de vous les acheminer dans les prochaines semaines. Donc, ça va être tout pour ma présentation. Donc, merci beaucoup et je redonne la parole à Aline. Merci beaucoup, Gabriel. Alors, c'était bien intéressant tout ça. J'ai noté l'évolution de la plateforme Embarque Lanaudière avec l'agrégateur de covoiturage, le planificateur et les employeurs proactifs. On va essayer de mettre ça de l'avant aussi au sein des entreprises dans Lanaudière. Et j'espère que M. Hervieux a pris des notes aussi, puisque j'ai noté le covoiturage qui n'était pas dans sa liste de choses mises de l'avant. Et ça va être intéressant pour vous, je pense, de promouvoir cette plateforme. Et pour la boîte à outils aussi, très intéressant. Et on va la mettre de l'avant également au sein des employeurs. Alors, sans plus tarder, je veux vous présenter à nouveau, mais un peu plus en détail, le porte-parole de l'événement d'aujourd'hui, qui est M. Breton, président et directeur général de Mobilité Électrique Canada. Donc, c'est une des plus anciennes associations consacrées à l'électrification des transports dans le monde. Ancien ministre de l'Environnement, du Développement durable, de la faune et des parcs du Québec, il a été le premier élu responsable d'une stratégie gouvernementale d'électrification des transports au Canada en 2012. Il est diplômé en gestion durable du carbone et a écrit plusieurs livres sur le sujet de l'électrification des transports, des changements climatiques, de la pollution atmosphérique et de la transition énergétique depuis 2009. Alors écoutons maintenant M. Breton nous entretenir au sujet du déploiement de l'électrification des transports du national au régional. C'est à vous. Oui, merci beaucoup Aline. Est-ce que je peux partager ma présentation maintenant? Merci. Et voilà, ça fonctionne? Oui, il y a juste à le mettre en mode diaporama. Parfait. Ben, écoutez, je ne me représenterai pas parce que Aline Berthe l'a fait, c'était parfait, mais il y a une chose qu'elle a oublié d'ajouter, c'est que je suis aussi un nouveau résident de Lanaudière. Je demeure à Saint-Ignace-de-Loyola, sur le bord du fleuve Saint-Laurent, un magnifique fleuve. Et je dois avouer que comme résident de Lanaudière, je suis extrêmement fier d'être porte-parole. Je suis heureux d'être porte-parole de l'événement La mobilité durable, ça me branche, d'autant plus que je parle de mobilité durable, d'électrification des transports depuis une vingtaine d'années déjà. Et j'aimerais ça qu'on revienne un peu à la base. Donc, je vais faire une présentation parce qu'on dit mobilité durable. Dans le fond, pourquoi fait-on ça? Il y a toutes sortes de raisons. Il y a des raisons écologiques, il y a des raisons de santé, il y a des raisons économiques. Donc, je vais commencer par refaire le portrait des raisons pour lesquelles on va parler de mobilité durable. D'abord, on va parler de changement climatique. Beaucoup de gens parlent de changement climatique. On dit, bon, ben, vous savez, le climat se réchauffe, ça va avoir des impacts. La réalité, c'est exactement ça. Puis, ce n'est pas quelque chose dans l'avenir, c'est quelque chose qu'on voit présentement. On voit de plus en plus d'éléments climatiques extrêmes, que ce soit d'une augmentation des feux de forêt, comme on a vu en Australie. Peut-être que les gens ne s'en souviennent plus, mais au début de l'année 2020, les gens ne parlaient pas de la pandémie, ils parlaient des feux de forêt historiques en Australie. Des inondations, dont certaines inondations qui ont été dévastatrices, aussi bien en Montérégie qu'on a vu dans la Lanaudière ou en Mauricie. Recul des glaciers, des sécheresses,
Bref, les effets des changements climatiques se font déjà sentir dans le monde entier avec des conséquences de plus en plus graves. Et moi-même, qui suis allé en 2009 au Bangladesh, qui était le pays le plus affecté par les changements climatiques sur la planète, je peux vous dire que l'impact, ces gens-là le vivent au quotidien. J'ai été estomaqué de découvrir à quel point les Bengalis étaient très familiers avec le dossier des changements climatiques, qui fait en sorte qu'il y a des communautés entières qui sont englouties sous l'eau, qui forcent les gens à déménager, ce qu'on appelle des réfugiés climatiques. Donc, il est urgent d'adopter des mesures ambitieuses pour que les générations futures puissent mener une vie prospère et saine. On regarde les objectifs gouvernementaux en matière de volonté de diminuer les émissions. Monsieur Breton? Oui. Monsieur Breton, je vais juste vous inviter à le mettre en diaporama. On va mieux voir vos diapositives. Ah, OK. Ici, oui. Est-ce que vous voyez comme ça? Ça, c'est parfait. Merci. Parfait. Bon. Donc, le Québec et le Canada visent des baisses respectives de leurs émissions de GES de 35. Et pour ce qui est du Canada, on parle d'au moins 30 %. On va avoir un objectif plus précis d'ici quelques mois, en 2030 par rapport à 2005, ce qui équivaut, dans le fond, pour le Canada, à moins 15 % en 2030 par rapport à 1990. Au Québec, les émissions de gaz à effet de serre ont diminué de 6 % entre 1990 et 2018. Faites à noter, pour 2017-2018, plutôt que de diminuer, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté. Donc, le Québec est à peu près à 30 % de son but d'ici 9 ans. Donc, il est important de comprendre qu'entre 1990 et 2018, il s'est passé quand même 28 ans. Mais en 28 ans, on a diminué de 6 %, puis là, on veut diminuer de 30 % en 9 ans. Donc, ça veut dire que la commande est très, très, très ambitieuse. Du côté du Canada, bien, les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2018 ont augmenté de presque 21 %, 20,9 %, ils sont actuellement au même niveau qu'en 2005, et le Canada est donc lui aussi à peu près à 30 % de son but en 9 ans. Tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de travail à faire. Mais là où le travail est le plus important, en fait, c'est en transport. C'est-à-dire que quand on regarde les émissions de gaz à effet de serre du Québec, selon le rapport de 2018, 44,8 % des émissions de gaz à effet de serre total du Québec sont en transport. C'est la source numéro un de gaz à effet de serre du Québec. Et au Canada, c'est 25 % des émissions totales de GES du Canada. Avec le gaz et le pétrole, tout le monde parle du fameux gaz et pétrole des sables bitumineux. En fait, le gaz et le pétrole est à 26 %. Sauf que comme les émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports augmentent plus vite que celui du gaz et du pétrole depuis quelques années, on s'attend à ce que d'ici un an ou deux, la source numéro un d'émissions de gaz à effet de serre au Canada soit le secteur des transports. Pour vous donner une idée à quel point les choses ne se passent pas si bien que ça en transport, mais en fait, les GES en transport ont augmenté de 33,3 % au Québec entre 1990 et 2018 et 53 % au Canada. Beaucoup de gens ont tendance à confondre le fait que, on va parler de transport, mais évidemment, ça inclut les avions, les bateaux, les trains, etc. Mais dans la réalité, c'est que les transports routiers, qui comprennent transport par automobile, camions légers, véhicules lourds et motocyclettes, ont représenté 79,6 % des émissions de gaz à effet de serre en transport au Québec en 2018 et près de 90 % des émissions de gaz à effet de serre en transport au Canada. Donc, le principal problème vient du secteur de transport routier. Entre 1990 et 2018, les émissions de GES des transports routiers ont augmenté de 58,6 % au Québec et d'environ 60 % au Canada. Et là, on va aller au cœur du problème. Entre 1990 et 2018, les émissions de gaz à effet de serre des voitures, pour faire la différence entre les voitures et les camions légers, ont diminué de 15 % au Québec et 17 % au Canada. Pourquoi? Fort simple. D'abord, les voitures sont de plus en plus énergétiquement efficaces, donc elles émettent moins de gaz à effet de serre parce qu'elles consomment moins, mais aussi parce que les gens achètent de moins en moins de voitures. C'est-à-dire que les gens passent beaucoup de voitures à des VUS, des camions légers, des multisegments, des minivans, ce qui fait en sorte que les GES, les camions légers, ont augmenté de 146,8 % au Québec et 150,4 % au Canada. Donc ça, c'est un gigantesque problème, cette espèce de mode de l'adoption de camions légers. Des fois, je dis en blague qu'on est un peu une génération de camionneurs, parce qu'il semblerait que les voitures ne suffisent plus,
ce qui, à mon avis, est plus un effet de mode qu'une réalité ou un besoin concret dans la vie. Autre problème, l'auto-solo. Il y a une étude qui a été publiée il y a 2 ans qui déterminait qu'à chaque matin à l'heure de pointe, il y a 25 millions de sièges vides dans les voitures et camions légers au Québec à l'heure de pointe. Donc, autrement dit, l'auto-solo est extrêmement répandu. On parle, par exemple, pour se rendre à l'heure de pointe à Montréal le matin, il y a entre 1,1 et 1,2 personnes à bord des voitures ou des camions légers. Donc, autrement dit, on se retrouve avec beaucoup d'espace libre, beaucoup d'inefficacité énergétique, beaucoup de changements climatiques, beaucoup de gaz à effet de serre qui sont tout simplement là parce qu'il n'y a pas de covoiturage ou très peu de covoiturage. Donc, c'est pour ça que je trouve tellement intéressante l'initiative qui est faite par les CRE, qui est soutenue par le gouvernement du Québec, de favoriser le covoiturage, l'autopartage, le télétravail, le transport actif, le transport collectif, parce que on n'y arrivera pas. C'est impossible de croire que même juste avec l'électrification des transports ou avec le transport collectif, on va y arriver. C'est une panoplie, c'est un portefeuille de solutions qui vont faire en sorte qu'on va devenir de plus en plus énergétiquement efficace pour diminuer et la congestion et les gaz à effet de serre. Bref, il faut essayer de nous défaire de nos habitudes nord-américaines de se promener avec de grosses voitures. Think big, comme dirait le vice-graton, là. Je veux dire, il faut tendre à diminuer notre utilisation de nos véhicules et tendre vers des plus petits véhicules et faire du covoiturage. Pour donner une idée à quel point la solution est, c'est-à-dire la situation est problématique, le Canada, selon une étude faite publiée en 2019 par l'Agence internationale de l'énergie, le Canada est numéro un mondial pour les émissions de gaz à effet de serre par kilomètre pour ses véhicules légers. Donc, ça veut dire qu'on a beaucoup de gros véhicules. Vous le savez, on voit beaucoup de gens qui se promènent en pick-up, en VUS. Mais pour donner une idée à quel point la situation est grave, je veux dire, les émissions de gaz à effet de serre par kilomètre de la flotte de véhicules canadienne, bien, en fait, c'est 50 % plus que celle de la France. On est même en avant des États-Unis pour vous dire à quel point on a beaucoup de travail à faire. Mais bref, il y a place à l'amélioration. Puis aussi, le parc de véhicules canadiens est le plus grand et le deuxième plus lourd parc de véhicules légers au monde. Autrement dit, on peut vraiment prendre un virage vers des véhicules qui sont moins énergivores, vers des véhicules qui consomment moins. Et même si ce ne sont pas des véhicules électriques, à tout le moins, prendre des véhicules qui sont plus petits, plus compacts et moins énergivores. Parlons maintenant de pollution atmosphérique. Parce qu'une autre raison pour laquelle on veut adopter la mobilité durable, parce que les gens ont tendance à beaucoup parler de changement climatique, c'est la pollution atmosphérique. Il y a une étude qui a été publiée en mars 2021, donc il y a quelques semaines à peine, par Santé Canada, qui a déterminé que le coût économique total de tous les effets de la pollution atmosphérique sur la santé pour l'année, c'est-à-dire par année, est de 120 milliards de dollars. C'est gigantesque. Les gens ont tendance à oublier l'impact de la pollution atmosphérique, mais ça représente des coûts de santé qui sont immenses. Et puis, il n'y a pas de vaccin pour la pollution atmosphérique et les changements climatiques. Si on se retrouve en pleine pandémie, la situation est difficile. On peut voir une lumière au bout du tunnel avec l'arrivée des vaccins par rapport à la COVID-19, mais il n'y a pas de vaccin pour les changements climatiques. Il n'y a pas plus de vaccins pour la pollution atmosphérique. Cette pollution atmosphérique-là engendre environ 15 300 décès, selon l'étude de Santé Canada prématurée, soit 8 fois le nombre de décès liés aux accidents de la route. Elle cause 2,7 millions de jours avec des symptômes d'asthme et 35 millions de jours avec des symptômes respiratoires aigus. Et ça, si on prend l'ensemble de la pollution atmosphérique, il y a des gens qui ont tendance à penser que les industries ont un impact important sur la pollution atmosphérique au Canada. Oui, mais les transports aussi. Par exemple, le transport est une source importante de pollution atmosphérique au Canada. Ça représente 31 % des émissions de carbone noir, 33 % des émissions de monoxyde de carbone et 41 % des émissions d'oxyde d'azote. Si on s'en va au Québec, en fait, selon le ministère de l'Environnement, les transports représentaient, aux dernières données, 62 % des émissions totales de polluants atmosphériques de la province. Donc, si on veut diminuer de façon importante le nombre de décès à travers le Canada et à travers le Québec, et aussi les coûts de santé, ben en fait, il faut travailler à diminuer nos émissions de gaz à effet de serre et notre pollution atmosphérique avec des moyens de mobilité qui sont beaucoup plus durables que maintenant, que ce soit avec du transport collectif, du transport actif, de l'électrification des transports ou du télétravail.
vais faire une petite parenthèse sur le télétravail. En fait, l'organisation Mobilité électrique Canada a des employés et des gens de son conseil d'administration qui sont basés en France, en Nouvelle-Écosse, au Québec, en Ontario, au Manitoba et en Colombie-Britannique. Donc, évidemment, moi, le matin, je ne pars pas pour aller au travail à un bureau. On avait songé à ouvrir un bureau à Montréal, mais on fait à peu près tout maintenant en télétravail, que ce soit l'organisation de réunions, que ce soit des présentations de rapports, que ce soit nos discussions avec les gouvernements, que ce soit du Québec, du Canada, de la Colombie-Britannique, de l'Ontario, etc. Bref, tout ça pour dire que c'est un moyen extrêmement efficace de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Et je vous dirais que la période de congestion, pour moi, entre la maison privée et le travail, bien, ça se résume à 2 minutes, le temps que je passe de la chambre à coucher à la salle de bain, à la cuisine et ensuite au bureau. Donc, il y a un vecteur d'efficacité. Je suis d'accord avec M. Hervieux qui disait évidemment que nous sommes des êtres sociaux, c'est-à-dire qu'on veut se rencontrer, on veut se voir, évidemment. Je ne crois pas que le télétravail va remplacer ou va supplanter tous les modes de travail dans les années à venir, mais ça va constituer une façon de plus en plus importante d'aller travailler. Il y a des sondages qui ressortent, des sondages récents. Il y a un rapport de Mobilité électrique Canada qui va sortir dans quelques semaines qui a déterminé que les gens seraient confortables avec une espèce de mode de travail hybride, c'est-à-dire plus de jours à la maison, mais aussi plus de jours, moins de jours au travail, par exemple à Montréal. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir un mix 2 jours à Montréal ou 3 jours à Montréal et 2 jours au travail ou 2 jours au travail ou 3 jours 2 jours à la maison ou 3 jours à la maison. Ce qui fait en sorte qu'il y a de plus en plus de gens qui songent, ben en fait, non seulement qui songent, mais qui sont en train de déménager à l'extérieur de Montréal ou même à l'extérieur des banlieues pour se rendre en région. J'ai des amis qui demeurent en Gaspésie qui me racontent qu'il y a vraiment un marché qui est à la hausse de la demande pour les acquisitions de maisons en Gaspésie, au Saguenay, dans la Naudière, en Mauricie, en Estrie, ce qui fait en sorte qu'on peut assister à une revitalisation extrêmement intéressante des régions, mais il faut pour ça être capable d'accueillir les gens avec les solutions, que ce soit pour le télétravail, donc on parle d'Internet haute vitesse qui soit performant, mais aussi pour la mobilité durable, pour que ces gens-là n'aient pas à prendre leur voiture en auto sur l'eau à tout bout de champ lorsqu'ils ont besoin d'aller au marché, au dépanneur, à la caisse populaire, à l'école, etc. Donc, c'est pour ça que tout ça est extrêmement important de faire en sorte que le virage en région, dans une région comme la Naudière, puisse être amorcé pendant que les gens sont en train de regarder pour venir demeurer à la Naudière, que ce soit à Joliette, que ce soit à Rawdon, que ce soit à Saint-Félix-de-Valois. Bref, tout ça doit se faire de concert. Parlons maintenant d'électrification des transports, le sujet sur lequel j'ai travaillé depuis fort longtemps. On regarde l'électrification des transports au Québec versus au Canada. Ben, en fait, le Québec est un peu la Californie du Nord. C'est-à-dire qu'au 31 décembre 2020, on comptait près de 92 000 véhicules électriques. Quand je dis véhicules électriques, on parle de VZD, donc véhicules zéro émission, où on retrouve véhicules 100% électriques, véhicules hybrides rechargeables et véhicules à hydrogène. En fait, ça représente 45 % des véhicules zéro émission au Canada pour une population d'à peu près 22 % au prorata. Donc, on représente au niveau de l'électrification du transport 2 fois notre poids démographique. En 2020, les ventes de véhicules zéro émission étaient à peu près de 6,8 % des ventes totales de véhicules légers au Québec versus 9 % en Colombie-Britannique. C'est-à-dire qu'en Colombie-Britannique, ils ont de l'avance au prorata de la population par rapport aux ventes de véhicules zéro émission au Québec. Pour ce qui est du Canada, on est à peu près à 3,5 %. La réalité, c'est que plus de 9 véhicules zéro émission sur 10 au Canada et au Québec, en Colombie-Britannique et en Ontario. Donc, maintenant, nous sommes rendus en avril 2021. Il y a un peu plus de 100 000 véhicules zéro émission au Québec. Et n'eût été de la COVID-19, les ventes de véhicules zéro émission au Québec auraient continué leur progression de vente exponentielle. En 2020, pendant que les ventes de véhicules légers ont diminué de 17 % au Québec, bien, celles des véhicules zéro émission ont diminué de seulement 7 %. Et quand on regarde le marché mondial de véhicules a été vers une diminution des ventes, que ce soit en Europe, en Chine, aux États-Unis, en Corée, au Japon, au Canada. Les ventes de véhicules légers ont diminué à cause de la COVID d'environ 15 à 20 %. Mais
il y a des marchés comme celui de la Chine, celui de l'Europe, celui des États-Unis, où les ventes ont augmenté. Elles n'ont pas moins diminué, elles ont augmenté. Elles ont presque doublé même, de fait, en Europe. Parlons maintenant de la Naudière. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est dans la Naudière qu'on retrouve le plus de véhicules zéro émission per capita au Québec. C'est-à-dire qu'on peut être fier du fait qu'on est des leaders. D'ailleurs, le 31 décembre 2020, on retrouvait presque 9000 véhicules zéro émission sur une population de 515 000 habitants, ou 1,94% des véhicules sur la route. Donc, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire. Mais nous sommes des leaders dans la Naudière. Chose par contre qu'on doit dire, c'est que dans le plan pour une économie verte 2030 qui a été dévoilé l'automne dernier par le gouvernement du Québec, celui-ci vise 1 500 000 véhicules zéro émission au Québec d'ici 2030. Nous sommes présentement à environ 100 000, donc d'ici 2030, 1 500 000, ce qui veut dire qu'on va multiplier par 15 le nombre de véhicules électriques légers au Québec. Donc, au prorata, j'ai fait le calcul, ça veut dire qu'on va passer d'environ 9 000 véhicules zéro émission dans la Naudière en 2021 à 133 000 véhicules zéro émission d'ici 2030. Donc, d'ici 9 ans, on va multiplier par 15 le nombre de véhicules zéro émission, véhicules hybrides rechargeables et véhicules électriques. Ce que ça veut dire, c'est qu'il va falloir qu'on soit prêt pour accueillir ces véhicules zéro émission, que ce soit au niveau résidentiel, au niveau commercial, institutionnel et gouvernemental. Il faut ajouter à ça que le gouvernement a annoncé qu'il voulait que 55 % des autobus urbains soient électrifiés d'ici 2030, 65 % des autobus scolaires soient électrifiés d'ici 2030. Et en plus, le gouvernement a annoncé qu'en 2035, il n'y aurait plus aucune vente de véhicules à essence neuf. Donc, autrement dit, à partir de 2035, ça ne veut pas dire que les gens vont être interdits de se déplacer avec leur véhicule à essence. Autrement dit, en 2040-45, il va encore y avoir des véhicules à essence qui vont circuler sur les routes du Québec. Mais ce chiffre va diminuer de façon importante pour probablement avoir presque un chiffre autour de 0 % de véhicules à essence légers à l'horizon de 2045. Pour ce qui est des véhicules lourds, bien, en fait, le gouvernement du Québec est en train de réfléchir s'il ne devrait pas s'inspirer de ce qui est annoncé en Californie, à savoir une interdiction de vente de véhicules lourds à essence ou diesel en 2045. Donc, tout ça va demander une planification qui est vraiment importante. En plus, dans l'annonce du gouvernement dans son plan pour une économie verte 2030, le gouvernement a mandaté Hydro-Québec afin que le nombre de bornes rapides, le nombre de BRCC, soit augmenté à 2500 à l'horizon 2030. Présentement, il y en a environ 450. Donc, on parle d'une augmentation fois 6, 7. Et la photo que vous voyez là, ce sont 6 nouvelles bornes rapides qui ont été installées à Berthier, du côté nord de l'autoroute 40, près d'où je demeure. Et on a là des bornes rapides de 50 kW et de 100 kW. Mais bref, des bornes rapides comme ça, on va en voir de plus en plus installées sur le territoire grâce au travail extraordinaire que font les gens du circuit électrique et leurs partenaires. Depuis, Hydro-Québec va déployer, en collaboration avec les municipalités et les organismes municipaux concernés, jusqu'à 4500 bornes standards, donc des bornes de niveau 2, en visant principalement les centres-villes. Donc, si on songe au fait qu'on risque d'avoir de plus en plus de gens qui vont déménager dans la Naudière à cause des effets de la pandémie ou du fait que les gens peuvent commencer à faire du télétravail et demeurer en région plus facilement qu'ils le pouvaient auparavant, ce que ça veut dire, c'est qu'il va devoir y avoir une espèce de concertation pour accélérer le déploiement de bornes de recharge pour les véhicules électriques sur tout le territoire. Présentement, on a fait un calcul chez Mobilité électrique Canada pour savoir quels seraient les revenus qu'on pourrait entrevoir pour le Québec en 2021 et 2030 en électrification des transports. Et ce qu'on a vu, c'est que si on regarde les chiffres, on parle de 1,5 million de véhicules légers électriques d'ici 2030 au Québec, ça représente 60 milliards de dollars en vente de véhicules électriques, 4,2 milliards en vente de camions électriques, 3,6 milliards en vente d'électricité pour Hydro-Québec au tarif actuel, donc probablement plus autour de 3,8 à 4 milliards. Mais ça, c'est des ventes supplémentaires qu'elles n'ont pas actuellement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que la première raison qui fait
que la balance commerciale du Québec est déficitaire, c'est l'importation d'hydrocarbures. Donc, c'est gagnant-gagnant à tous égards. C'est-à-dire que non seulement on va diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, on va diminuer notre pollution atmosphérique, on va aussi augmenter les revenus d'Hydro-Québec, à tel point que, à terme, les rabais qu'on donne à l'acquisition de véhicules électriques présentement vont être totalement absorbés par les revenus supplémentaires d'Hydro-Québec et qu'au net, on va être économiquement dans le positif. On ajoute à ça 2,6 milliards en vente d'autobus urbains électriques et il y a des compagnies québécoises comme Novabus, comme Lyon, qui fabriquent des autobus urbains électriques. 1,6 milliards en vente d'autobus scolaires électriques. Encore là, deux compagnies québécoises, Lyon et Girardin, qui fabriquent ou qui transforment des autobus scolaires électriques ou des minibus électriques. 1 milliard en vente de bornes de recharge résidentielle. 500 millions en frais d'installation de bornes et 215 millions pour des bornes rapides. Donc, on parle de revenus potentiels supplémentaires pour le Québec de 76 milliards en 2021 et 2030. Au prorata de la population, ça présente 4,75 milliards pour la Naudière en 2021 et 2030 en électrification des transports. Là, la question qu'on doit se poser, c'est quel rôle va jouer la Naudière dans cet extrêmement important virage technologique, à part d'être le numéro un des propriétaires de véhicules électriques? Parce que quand je regarde le portrait d'électrification des transports au Québec, on voit que dans les Basses-Laurentides, il y a un développement d'entreprises avec des leaders comme Lyon, comme Novabus. Vous avez certainement entendu parler de la future usine de Tiger Motors à Shawinigan, où on est en train de créer un hub d'électrification des transports dans la région de Shawinigan. Et moi, je me dis, ben, on pourrait peut-être songer à attirer des entreprises dans l'électrification et le transport dans la Naudière. Comment doit-on faire pour ça? Je ne sais pas si vous savez, mais il y a un concessionnaire automobile à Rawdon qui s'appelle Bourgeois Chevrolet, qui est numéro un au Canada pour les ventes de véhicules zéro émission depuis des années, qui a fait preuve de leadership. Et alors que lorsque je parle de ça avec des gens ailleurs au Canada, on leur dit, écoutez, le vendeur numéro un de véhicules hybrides rechargeables ou 100% électriques n'est pas un concessionnaire à Toronto, Montréal ou Calgary ou Vancouver, c'est Bourgeois Chevrolet à Rawdon. C'est parce que la volonté de ce concessionnaire-là a fait la démonstration que lorsqu'on veut, on est capable de faire preuve de leadership. Et ils ont démontré, hors de tout doute, que même si j'étais un peu plus éloigné des grandes autoroutes, ils ont fait en sorte de devenir des leaders. Donc, comment accroître le leadership de la Naudière? Bien, moi, je pense que ça prendrait une stratégie lanaudoise en électrification des transports qui comprend les concessionnaires, les municipalités, les entreprises, des leaders comme on a vu avec Dévolution. Moi, je pense que ils doivent faire partie de la conversation et d'un plan. Les commissions scolaires, les sociétés de transport, Hydro-Québec et les autres réseaux de recharge. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'emplois qui vont être créés en électrification des transports, beaucoup de revenus qui vont être générés en électrification des transports. Et ce serait, à mon avis, une occasion ratée si les citoyens, les élus, les gens d'affaires de la Naudière n'en profitaient pas. Une stratégie comme ça doit comprendre, évidemment, des propositions pour attirer les joueurs industriels d'ici et d'ailleurs à travailler en électrification des transports dans la Naudière. Un programme d'éducation pour les électromobilistes, parce que, je ne sais pas si vous savez, mais il y a encore beaucoup de préjugés, de désinformations qui circulent sur l'électrification des transports et des véhicules électriques légers ou lourds. Beaucoup de gens attribuent des défauts que n'ont pas les véhicules électriques. Des programmes de formation et de reformation pour les travailleurs. Ça va être extrêmement important. D'ailleurs, ce matin, il y avait un article dans le Globe and Mail qui parlait justement de ce sujet-là, qui disait que beaucoup de travailleurs du secteur de l'énergie, par exemple pétrole et gaz dans l'Ouest canadien, vont perdre leurs emplois et qu'ils risquent d'avoir un réel problème avec ces gens-là qui ne trouveront pas de travail. Et nous, chez Mobilité électrique Canada, on parle de ça depuis un bon bout de temps, à dire qu'il faut en mettre en place des programmes de formation et de reformation pour les travailleurs qui risquent de perdre leurs emplois pour qu'ils soient capables de se reformer, non seulement pour que ces employés-là aient des emplois de qualité, bien payés et d'avenir, mais aussi pour faire en sorte que les compagnies qui travaillent en électrification des transports puissent avoir du personnel qualifié, parce que M. Hervieux en parlait tout à l'heure, le personnel qualifié, présentement, nous sommes en pleine pandémie, puis il y a déjà une pénurie de main-d'œuvre dans certains secteurs de l'électrification des transports et des hautes technologies. Donc, si on veut faire en sorte de bien faire ce virage-là et d'être capable de créer des emplois plutôt que d'être en manque de personnel et de ne même pas être capable de répondre aux commandes qu'on va avoir, bien, il faut faire en sorte
de penser à la formation et à la reformation des travailleurs. Moi, je peux vous en parler parce que j'ai été le premier formateur agréé en électrification des transports au Québec. Et on a beaucoup aidé. Par exemple, j'ai travaillé à l'époque où j'étais en Montérégie, les concessionnaires de la région de Saint-Hyacinthe, pour faire en sorte que les employés des concessionnaires, que ce soit les mécaniciens, les vendeurs, les gens qui travaillent à l'administration, puissent comprendre ce qu'est un véhicule électrique, comment on utilise un véhicule électrique, les meilleures façons d'avoir un mix, un cocktail de transport qui soit intelligent, qui soit optimal. Et tout ça, ça demande des programmes de formation. L'éducation pour les électromobilistes, moi, j'ai travaillé avec l'AVEC pendant des années. J'ai même été membre du CA de l'AVEC. Et les gens de l'AVEC font un travail colossal pour faire en sorte de démystifier les véhicules électriques auprès des consommateurs, des citoyens. Et cette idée voulant qu'il faut demeurer en ville pour avoir une voiture électrique, c'est même quelque chose que j'ai entendu du président de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec, qui disait que 80 % des véhicules électriques sont à Montréal et à Québec. En fait, c'est faux. 75 % des véhicules électriques qu'on retrouve au Québec sont à l'extérieur de Montréal et à l'extérieur de Québec. Donc, ils sont soit en banlieue, en région rurale, dans des villes comme Joliette, comme Trois-Rivières. Bref, moi qui demeure à Saint-Ignace-de-Loyola, je vous dirais que sur ma petite rue, sur 12 véhicules, il y en a 4 qui sont électriques. Et je connais des gens qui restent au Saguenay, je connais des gens qui restent en Gaspésie, je connais des gens qui restent dans la Beauce. Bref, l'électrification des transports est quelque chose qui peut se pratiquer à peu près partout, une fois qu'on a compris ou qu'on est passé outre les préjugés. Évidemment, ça prend des programmes d'autopartage et de covoiturage électrique. Ça, c'est une chose qui est extrêmement importante et c'est en train de se développer, comme on l'a vu avec la présentation qui a été faite par Gabriel tout à l'heure. Puis en plus de ça, parce que je n'en ai pas mentionné ici, c'est que là, il y a même un programme qui s'appelle EROUL, d'école de conduite électrique. C'est-à-dire que c'est des écoles de conduite qui adoptent des véhicules électriques pour aider ceux qui arrivent comme nouveaux consommateurs, comme nouveaux automobilistes, à devenir des électromobilistes. Et je pense qu'il y a un travail important qui est fait de ce côté-là. Je félicite le gouvernement du Québec pour ça. Ça prend évidemment des plans de déploiement d'autobus urbains et scolaires électriques sur tout le territoire. Et je vais vous dire, autant il y a une transition à faire au niveau de la compréhension de ce qu'est une voiture électrique, il y a aussi une transition à faire pour ce qui est de l'utilisation, de l'entretien, de la conduite des autobus urbains électriques et des autobus scolaires électriques. Une fois qu'on l'a apprivoisé, ça se passe très bien, mais il faut savoir qu'il y a une différence. C'est un peu comme si quelqu'un disait, je veux m'acheter un bateau, j'ai jamais fait de voile, j'embarque sur l'eau et j'ai rien compris des règles de nautique. C'est un autre monde, il y a des habitudes différentes, d'autres façons de faire, mais une fois qu'on a compris ça, ça va très bien. Évidemment, ça va prendre des plans pour l'installation de bornes de recharge sur tout le territoire, dont les sentiers de motoneige, parce que Lanaudière est un endroit où la motoneige est très populaire, très utilisée. Vous savez peut-être qu'il y a 200 000 motoneiges immatriculés au Québec présentement et que ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que chaque motoneige moderne, s'entend, pollue au niveau des émissions polluantes l'équivalent d'à peu près 40 voitures modernes à essence. Donc, si vous faites un calcul, 200 000 fois 40, ça fait comme si on avait un parc au niveau des émissions polluantes de 8 millions de voitures supplémentaires. Heureusement, il y a des compagnies comme Tiger Motors, dont je parlais tout à l'heure, qui va ouvrir son usine à Shawinigan, et BRP, qui a fait une annonce récemment, qui disait qu'ils voulaient transformer leurs véhicules récréatifs, que ce soit motoneige, motomarine, etc., en motorisation électrique. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on va s'en aller de plus en plus vers des véhicules récréatifs pour aller dans les terrains, dans les randonnées de motoneige qui vont être électriques. Pour faciliter ça, ça va prendre exactement la même chose qu'on a fait pour les routes avec les voitures électriques, c'est-à-dire qu'il va y avoir des bornes de recharge qui vont être nécessaires sur le territoire pour les sentiers de motoneige, pour les haltes, par exemple. Et ça, c'est des choses dont je parle avec des gens qui sont membres de Mobilité électrique Canada, dont Tiger Motors et dont d'autres, mais ça va faire partie de l'avenir touristique de Lanaudière. C'est-à-dire que si on peut avoir un réseau dans Lanaudière de motoneige électrique avec des bornes de recharge à des postes où les gens arrêtent, ça pourrait devenir une plus-value extraordinaire parce qu'il n'y a personne au monde qui a fait ça à date. Ah. C'est bloqué. Ah, voilà. Donc, en mars 2021,
Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, j'étais à cette conférence de presse. La compagnie Électrique Lyon a annoncé la construction prochaine d'une usine de batterie avec deux députés de la Nodière. Et oui, François Legault, premier ministre du Québec, et Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Innovation du Québec, qui sont deux ministres et deux députés de la Nodière. Donc, ça veut dire qu'on a des Lanaudois qui sont extrêmement impliqués dans l'électrification des transports en la personne du premier ministre du Québec et du ministre de l'Innovation, M. Fitzgibbon. Bien, la question que je pose, est-ce que Lanaudière pourrait attirer une compagnie comme Lyon? La question est ouverte. Une chose est certaine, c'est qu'on veut attirer, on veut faire en sorte de devenir non seulement leader parmi les propriétaires de véhicules électriques, mais on pourrait attirer des entreprises de haute technologie en électrification et transport, d'autant plus qu'on sait, il y a dans le marché, il y a une stabilité, à savoir qu'on sait déjà que si on s'en va vers 1,5 million de véhicules électriques sur les routes du Québec en 2030, on s'en va vers 2500 bornes rapides au Québec d'ici 2030, on sait qu'il va y avoir 100 % de ventes de véhicules zéro émission d'ici 2035. Donc, le marché, les entreprises sont capables de prédire, sont capables de dire on peut investir au Québec parce qu'il y a une volonté de développer l'électrification des transports. Donc, considérant le fait que la Mauricie a pris une certaine avance, que les Basses-Laurentides aussi y travaillent, qu'en Montérégie, il y a du travail qui se fait de ce côté-là. Moi, je considère que la Nodière aurait tout à gagner à développer un plan lanaudois en électrification des transports, d'autant plus qu'il y a une volonté aussi bien de la part des élus, comme on l'a vu, que des entreprises privées, que du Conseil régional de l'environnement. Donc, il y a là une opportunité extraordinaire pour la Nodière, à la fois pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre, les émissions polluantes et créer des emplois de qualité pour les générations qui nous suivent, les générations futures, qui vont dire bon, on n'a pas besoin de s'en aller rester à Montréal, on n'a pas besoin de s'en aller loin, on n'a pas besoin non plus d'être confronté à la pollution atmosphérique et au changement climatique parce qu'on va travailler dans des emplois qui sont à la fois intéressants d'un point de vue de l'avenir du Québec et de l'avenir de notre environnement, mais aussi parce qu'on va être dans des emplois payants. Donc, en conclusion, si tous les hommes et les femmes de tous les secteurs de la Nodière travaillent ensemble pour faire de notre région un leader en électrification des transports et en mobilité durable, bien, ces habitants pourront voir l'avenir avec espoir pour leurs enfants et petits-enfants, comme je le disais tout à l'heure, aussi bien pour des raisons écologiques que des raisons économiques. Et j'ai un livre, en profiter, faire une petite plug, j'ai un livre qui sort pour le Jour de la Terre, le 22 avril 2021, donc dans deux semaines à peine. Il s'appelle « Le guide pratique de la voiture électrique et plus ». Pourquoi? Parce qu'on parle évidemment d'informer les gens sur ce que sont les véhicules électriques. Il y a toute une section à la fin où on parle des opportunités d'affaires, on parle de l'avenir économique du Québec à travers l'électrification des transports. C'était Daniel Breton, président de Mobilité électrique Canada. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Breton. Alors, j'espère que les personnes qui écoutent vont pouvoir saisir ces opportunités. Vous tendez de belles perches. J'ai entendu usine de batterie à venir peut-être. Les motoneiges, en effet, c'est un bon filon à exploiter aussi. Puis, oui, c'est ça, les camions légers font fureur aussi. Alors, oui, il y a beaucoup de choses à réaliser. Ça prend aussi probablement des actions gouvernementales pour aider en ce sens. On peut en attendre du gouvernement, on peut aussi agir, je pense, en tant qu'MRC et en tant que municipalité. Donc, vous avez de quoi, en tout cas, vous inspirer aujourd'hui en tant qu'MRC, municipalité, entreprise, citoyen. Donc, merci beaucoup, M. Breton, pour cet exposé très informatif et en mode solution. Avec plaisir. Alors, nous arrivons à la pause avec les capsules. Donc, ce sont les capsules sur les bons coups de la mobilité durable. Donc, vous avez le lien dans le clavardage pour les personnes qui s'absenteront de leur écran durant la pause puis qui souhaitent les écouter un petit peu plus tard. Je vous invite de toute façon à les regarder maintenant si vous êtes là et que vous n'avez pas besoin de pause. Sachez en tout cas que ces capsules seront lancées officiellement sous peu. Leur dévoilement officiel se fera du 14 avril au 19 mai prochain.
Et en tant que participant au forum aujourd'hui, ben, vous disposez d'un accès privilégié au lien d'écoute. Donc, ce lien sera valide durant les 24 prochaines heures. Alors, l'un des objectifs du projet La mobilité durable, ça me branche, c'était de faire rayonner les initiatives en mobilité durable de Lanaudière et d'inspirer d'autres organisations à mettre l'épaule à la roue. Alors, l'automne dernier, le CREL et l'équipe de tournage des productions Synopsis ont sillonné les routes de la région et vous dévoilent aujourd'hui une série de capsules qui mettent en vedette des projets porteurs dans chacune des MRC du territoire. Alors, on se retrouve dans une douzaine de minutes. À tantôt. Aujourd'hui, pour notre capsule « La mobilité durable, ça me branche », un sujet qui me passionne particulièrement, l'électrification des transports. Dirigeons-nous à Sainte-Julienne, dans la MRC de Montcalm, où une entreprise de taxi a fait l'acquisition d'un véhicule électrique, un ajout important pour le transport collectif durable. Marc-André Avoine, directeur du service des transports, et Pierre Lassalle, ex-préfet de la MRC, nous en diront plus. Notre projet à la MRC de Montcalm, c'est qu'on offre du transport adapté et du transport collectif depuis plusieurs années. Pour offrir ce service-là, on doit faire appel à différents fournisseurs. Dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, pour la mobilité durable, on a un de nos fournisseurs de taxi, Taxi Richard Rodrigue, qui est à Saint-Calix, qui a procédé à l'achat d'un taxi entièrement électrique pour offrir le service. À ça, il y avait assurément les bonnes raisons. Premièrement, vous comprendrez que sur le plan financier, c'est une économie d'essence qui est non négligeable. Deuxièmement, concernant le confort des passagers, compte tenu du bruit intérieur de la voiture, une voiture électrique, c'est sans bruit. Donc, encore là, il y avait un avantage. Et je ne vous cacherai pas que l'image environnementale d'une voiture électrique pour une entreprise de taxi est aussi très importante. Évidemment, c'est pour nous des retombées absolument positives. Quand on parle de véhicules silencieux, on réduit notre empreinte carbone ou gaz à effet de serre. C'est une situation gagnante. Le transport collectif est déjà un service qui contribue à une réduction des GES. Puis là, on pousse encore plus loin. C'est une volonté du Conseil d'offrir de plus en plus des véhicules électriques pour offrir le service de transport collectif. Donc, c'est que du positif pour nous. Aujourd'hui, pour notre capsule « La mobilité durable, ça me branche », dirigeons-nous du côté de Joliette, dans la MRC du même nom. Cette fois-ci, c'est d'une campagne de sensibilisation aux traverses piétonnières dont il est question. Voici, sans plus tarder, la campagne « Tous ensemble, priorité sécurité » présentée par son président Jean Brousseau et par Geneviève Jeté, coordonnatrice locale en police communautaire. Bien, « Tous ensemble, priorité sécurité », c'est une campagne de sensibilisation pour l'ensemble des usagers de la route qui fait la lumière sur le comportement à adapter face aux traverses piétonnières. Cette campagne, certes, est une concertation qui était faite avec un comité de travail et une volonté de changement pour un environnement plus sécuritaire. Le message, pour qu'il soit fort et porte au niveau du changement, bien, on s'est doté d'un visuel qui est « Tous ensemble, priorité sécurité » que les 10 villes et municipalités de la MRC ont adopté. Mais les grands objectifs, c'est de tenir annuellement un événement pour sensibiliser la population de la MRC sur la sécurité, sensibiliser par rapport aussi aux traverses piétonnières, tous les usagers, le comportement à adopter là, face à ça. Notre slogan, tous ensemble, là, ça le dit, on était une belle équipe d'acteurs clés, de partenaires là-dedans. On avait tous le même discours, on était tous unanimes en disant que la sécurité, là, ça passe nécessairement par la sensibilisation via ce genre de campagne-là. Donc, sur le terrain, je suis certaine que dans la collectivité, là, ça a vraiment eu son effet bénéfique, son effet positif et on était fiers de notre projet, c'était mission accomplie de notre côté. Aujourd'hui, pour notre capsule « La mobilité durable, ça me branche », nous ferons place à un projet favorisant les déplacements actifs sécuritaires. Allons de ce pas faire un tour dans la MRC Les Moulins, à Terrebonne, qui a récemment procédé à la revitalisation d'une de ses artères principales, le chemin Gascon. Le projet de revitalisation du chemin Gascon a été fait en 2019. Essentiellement, c'était pour avoir un déplacement actif et sécuritaire des cyclistes, des piétons et des automobilistes sur le territoire.
entre 35 et 50 000 véhicules par jour transitent sur le chemin Gascon. Donc, on a fait des trottoirs, si on veut, élargis, pistes cyclables, des feux de circulation, on en a rajouté deux. L'éclairage amélioré entre la 640 et la 25, abribus sur dalles de béton, plus de 1200 végétaux, dont 150 arbres qui ont été plantés. Donc, c'est un investissement de 5 millions de dollars qui a été fait. Les retombées du projet sont principalement l'amélioration de la sécurité d'usagers de la route, autant piétons que cyclistes. On a réduit le risque d'accidentalité de l'ensemble des usagers de la route. L'accessibilité des commerces a aussi été améliorée. Les citoyens peuvent désormais se rendre d'une manière plus sécuritaire et plus active, soit à pied ou à vélo. Les défis, essentiellement, c'était la circulation automobile. Comme j'ai dit, 35 à 50 000 voitures. Donc, on avait besoin de collaboration entre le ministère du Transport, l'entrepreneur, la ville. Je rajouterais même le service de police de la ville. Ils se sont concertés pour avoir en tout temps l'accès au commerce. La campagne de communication qui a été faite avec les communications de la ville pour inciter les citoyens à visiter les commerces, puis je pense que ça a été gagnant. Aujourd'hui, pour notre capsule « La mobilité durable, ça me branche », nous verrons comment le transport collectif, c'est possible, même en milieu rural. Alors, transportons-nous dans la MRC de Matawinie, plus précisément à Rawdon, pour en apprendre un peu plus sur le projet de Taxibus et ses impacts positifs dans la communauté avec Chantal Lajeunesse, directrice du service du transport. Notre service Taxibus est offert dans la MRC de Matawinie, sur réservation, soit en ligne ou de façon téléphonique. Ce service est offert dans 5 secteurs de la MRC qui ont été prédéfinis suite à une étude faite selon les besoins et les habitudes de vie des citoyens. De plus, ce service-là permet aux citoyens de faire une correspondance vers les circuits régionaux existants dans la Matawinie. La mise en place du Taxibus vient bonifier les services déjà existants. Par exemple, un étudiant au cégep de Joliette peut utiliser le taxibus de chez lui à un arrêt du circuit 34 qui est situé, un exemple, sur la rue Queen à Rawdon, prend le circuit 34 jusqu'au cégep de Joliette. Donc, ça lui permet d'aller à l'école sans que les parents ou quelqu'un d'autre ait à le transporter jusqu'à l'arrêt d'autobus ou même d'acquérir une voiture. Les retombées du taxibus sont supérieures à nos attentes. On a débuté le service le 1er février 2020. On a plus de 345 clients d'inscrits au service qui sont des citoyens de la MRC. Et on a effectué pour les 9 premiers mois plus de 4800 déplacements. C'est un service qui a des retombées économiques pour nos municipalités. Également pour les entreprises au niveau de la main-d'œuvre, on voit, nos statistiques nous démontrent que 53% des gens qui utilisent le taxibus, c'est pour du travail. Et les commentaires, c'est « si pas de taxibus, j'ai pas de travail ». Donc, on vient changer les habitudes de vie de nos citoyens dans la Matawinie avec ce service-là qui était fort attendu. Aujourd'hui, pour notre capsule « La mobilité durable, ça me branche », allons faire un tour du côté de l'Assomption, dans la MRC du même nom, où la Ville a misé sur une stratégie gagnante pour favoriser à la fois la pratique du vélo et pour dynamiser son centre-ville. Pierre-Étienne Thériault, conseiller municipal, nous présente le projet Espace Vélo. Donc, le projet d'Espace Vélo, il nous est venu, dans le fond, d'une idée de faire de l'Assomption une espèce de plaque tournante du vélo, que ce soit au niveau local ou au niveau régional, puis même provincial. On veut faire la promotion des saines habitudes de vie et du transport actif. Dans le fond, grosso modo, les espaces vélo, c'est 3 espaces de stationnement qu'on a au centre-ville qui sont bien identifiés, bien aménagés de façon sécuritaire pour accueillir les cyclistes, les amateurs de vélo du 1er mai au 1er septembre. Donc, ce qui nous a incité à la Ville de l'Assomption pour mettre en place ces espaces vélos-là, dans le fond, d'une part, pour nos propres citoyens, on veut faire la promotion du transport actif, de leur donner un accès au centre-ville, un endroit sécuritaire pour déposer les vélos, visiter nos commerçants, vivre la vie du centre-ville. Et d'autre part, pour les gens de l'extérieur, c'est de faire la promotion du cyclisme d'un jour, devenir vraiment une destination de choix pour cette activité précise-là. Donc, comme dans tout projet, il y a des défis. Les nôtres ont surtout été au niveau de la logistique et au niveau de la suppression des cases de stationnement. Ça crée un certain mécontentement au début, mais très, très, très rapidement, on a eu une belle collaboration des gens. Finalement, les gens étaient contents, nos commerçants étaient contents, ils ont vu plus de monde. Les casiers ont été... Nos espaces vélos, finalement, ont été très utilisés, surtout la fin de semaine. Et puis, tout ça cadre parfaitement avec notre nouvelle politique de l'environnement qui fait bien des heureux chez nous.
Aujourd'hui, pour notre capsule « La mobilité durable, ça me branche », on va faire les choses un peu différemment. Passons du monde municipal au monde entrepreneurial avec une entreprise qui propose une panoplie d'initiatives en mobilité durable pour le bonheur de ses employés. Alors allons de ce pas à Lavaltrie, dans la MRC de Dautré, rejoindre David Hervieux, fondateur et président directeur général de Dévolution. Notre projet de mobilité durable était composé de 4 éléments. Il y avait premièrement des bornes électriques qu'on a installées un petit peu partout chez Dévolution. On avait commencé avec quelques bornes et puis au fur et à mesure, on en a ajouté. Ensuite, dans les débuts de nos premières rénovations, on a installé des douches pour que les gens puissent venir à pied ou en vélo ou pouvoir en même temps avoir une hygiène corporelle s'il ne fait pas beau ou s'ils décident de courir. Ensuite, on a décidé d'acheter des maisons à proximité pour permettre aux gens qui soit viennent faire un stage ou soit restent loin, puissent avoir un endroit où loger. La quatrième aussi, c'était dans le fond des trottinettes et des vélos libres pour permettre aux gens de pouvoir aller faire leur petite commission ou juste se promener dans les heures de repos afin de changer un petit peu d'air. Chez Dévolution, la plus grosse retombée du projet de mobilité durable, c'est vraiment la satisfaction des employés qui ont vu qu'on prenait à cœur leur demande et le respect de l'environnement aussi. C'est quelque chose qui est très important pour tout le monde. Puis de montrer qu'on est à l'écoute de leurs besoins, c'est vraiment intéressant pour la rétention, pour profiter en même temps des bénéfices de la borne électrique, des voitures électriques. C'est vraiment une composante de premier plan pour eux autres. Maintenant, on est de retour et prêt à s'attaquer aux ateliers collaboratifs. Alors, je vois déjà qu'il y a des échanges qui commencent à arriver dans le clavardage. Donc, c'est signe qu'on est dû pour échanger de vive voix. Alors, pour échanger en direct avec les conférenciers présents, vous allez devoir choisir des salles. Vous pourrez vous déplacer après d'une salle à l'autre. Mais avant de nous disperser dans les différentes salles de discussion, j'aimerais vous présenter les partenaires régionaux du Conseil régional de l'environnement de la Lanaudière qui s'occuperont de l'animation de chacune de ces salles. Alors, en salle 1, qui a pour thème « Municipalité et mobilité durable » avec John Husk, elle sera animée par M. Marc-André Avoine, qui est directeur du service des transports à la MRC de Montcalm. Et Mme Vicky Violette du Conseil régional d'environnement de Lanaudière sera également présente dans cette salle. Pour la salle 2, le thème, c'est la mobilité durable en entreprise avec David Hervieux que vous avez entendu tantôt. Elle sera animée par Mme Véronique Morin qui est conseillère en développement durable chez Lanaudière économique et agente du fonds Ecolider. Et M. Gabriel Meunier du CREL sera aussi présent dans cette salle. Et finalement, la salle 3, elle a pour thème « Électrification des transports » avec M. Daniel Breton et elle sera animée par M. Joseph Thiane, directeur d'économie sociale Lanaudière. Et M. Robin Bourgeois du CREL sera également présent dans cette salle. Alors, vous verrez apparaître à votre écran sous peu soit une fenêtre pop-up qui vous invite à choisir une salle, soit l'option salle de discussion ou breakout rooms, ça dépend du langage de votre navigateur. Donc, je vous donne toutes les options qui pourraient apparaître. Et c'est à cet endroit que vous pourrez choisir le conférencier que vous désirez rencontrer et avec lequel vous aimeriez échanger. Donc, il vous est même permis, si vous le désirez, de changer de salle en cours de route, comme je vous le mentionnais. Donc, je vous invite à choisir dès maintenant une salle pour participer aux ateliers collaboratifs. Et on va avoir un petit peu plus de 30 minutes dans ces salles pour des périodes d'échange dirigé, puis des périodes d'échange libre. Alors, si vous éprouvez des difficultés et que vous ne parvenez pas à joindre une salle, vous pouvez indiquer le numéro de la salle que vous désirez rejoindre ou le nom du conférencier associé dans le clavardage. Et Julie, à la technique, va se faire un plaisir de vous diriger automatiquement dans la salle choisie. Alors, à tantôt dans une des salles. Bonjour Robin.
Salut Denise. Bonjour. Bonjour Ghislaine, comment ça va? Ça va bien. Et toi? Ben oui, ça va bien. Oui. Content de te voir. Ben oui, moi aussi. C'est un sujet qui m'intéresse. Alors, je dis, tiens, je vais choisir cet atelier-là. Très bon choix. On va attendre Daniel Breton. Le Creux Laval est représenté par qui? Aucune idée. On inviterait les participants à ouvrir leur caméra, s'il vous plaît. Par Myriam Goulet. Bonjour Gilles. Bonjour Gilles. Bonjour Georges. Bonjour tout le monde. Salut. Bonjour tout le monde. Bonjour Joseph. J'ai ouvert ma caméra, mais je la refermerai peut-être. J'ai des allergies printanières qui ont commencé ce matin, puis je me mouche aux 3 minutes, alors c'est pas très agréable peut-être pour vous. On comprend ça. On attend M. Daniel Breton qui devrait se joindre. Robin, tu peux-tu communiquer avec Julie puis lui dire que Daniel n'est pas là, s'il te plaît? Oui, ça va être fait. Merci pour votre patience. Ah, okay. Je pense qu'on peut dire qu'on a eu une très belle présentation ce matin. Vraiment, très intéressant, très pertinent. On a un petit bug au niveau des salles. Ça devrait se résorber quand même assez rapidement, je vous dirais. C'est ça, Daniel il est pas dans la grande salle, fait que Julie ne peut pas le transférer dans la salle. On va essayer de voir qu'est-ce qu'elle peut faire. Là. Ça ne sera pas long. Je suis désolé, moi, je peux pas vraiment vous aider là-dedans. Moi, je ne le vois plus nulle part. Moi, je regarde dans les salles. OK. Bon. Je cherche s'il ne serait pas allé se mettre dans la mauvaise salle. Là. Quel est son nom? Daniel Breton. Je ne le vois pas dans les autres salles. C'est ça, je regarde. Mm-hmm. Bon. OK, Robin, est-ce que tu as un plan B? Ou on part avec les questions pour tenter d'y répondre nous-mêmes? On peut essayer ça. Si vous avez des questions, on va essayer de répondre. On a des questions qui étaient... Oui, on peut commencer comme ça. Malheureusement, Daniel n'est pas là, comme vous pouvez le constater. Ça devait être comme la personne devait joindre à la salle. Mais est-ce que, suite à la présentation de Daniel Breton, est-ce qu'il y a des questions qui ressortent ou des éléments là, que vous aimeriez éclaircir un peu plus? Gilles, moi, je vais plus être à l'écoute parce que j'étais déjà dans une autre conférence avec des amis français, des collègues français en fait. Alors, je n'ai pas pu tout avoir, mais je me souviens de groupe par intérêt. Alors, je vais...
je vais plus être à l'écoute et peut-être les questions suivront. D'accord. Georges, Gilles. Peut-être ouvrir ton micro, Gilles, s'il te plaît. Voilà. Dis-moi, j'ai constaté avec plaisir que M. Breton nous a apporté une grande quantité de chiffres. Alors, il chiffrait ses affirmations, ce qui est très bien. Et puis, c'est un peu surprenant, toute la quantité de... Je ne mets rien en doute, tout est sans doute très, très vrai, mais c'est une bonne présentation qui nous amène à réfléchir rapidement au problème de l'électrification des transports, puisque les chiffres parlent d'eux-mêmes. Alors, j'ai peu de choses à rajouter là-dessus. Ce que je sais, c'est que maintenant, en tout cas dans mon esprit, c'est clair que c'est peut-être encore plus urgent qu'avant de faire une transition rapide au niveau des transports. Et puis, il faut trouver un moyen que cette transition-là soit évidente pour tous et pour tous les Québécois. Et pour l'instant, malheureusement, je pense que ce n'est pas évident pour beaucoup de monde. Alors, il faudrait essayer de faire passer le message. Je ne sais pas comment, là, c'est pas moi, je ne suis pas un spécialiste de la communication, mais ce serait plus au niveau du gouvernement qu'il faudrait agir, à mon avis. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a Justine qui a une question. Oui. Ben, en fait, c'est un commentaire, là, le peu que j'ai entendu. Puis, dans tout ce qu'on lit récemment, je trouve que ça a fait un grand bond de conscientisation au niveau de toute la population. C'est plus rare maintenant que quand on pense à un prochain changement de voiture, qu'on se pose la question au moins. Est-ce qu'on va vers l'électrification? Ce qu'on faisait pas spontanément, c'était plus un certain groupe de personnes hyper convaincues, alors que ça rejoint plus de personnes. Moi, je regarde dans ma famille, tout le monde s'est posé la question. Ils n'ont pas tous été capables de le faire, mais c'est déjà beaucoup. Nous, on se pose la question, la prochaine auto, dans 2 ans, 3 ans, peut-être. T'sais. Alors, je trouve que ça a fait un grand bond en peu de temps. C'est sûr qu'il reste encore beaucoup de pas à faire à tous les niveaux. Mais il y a déjà un petit pas franchi, je trouve, qui est où on a des éléments visibles, concrets. C'est mon premier commentaire. Là, j'ai des mains levées. Je tente de voir dans le chat, puis je vois des gens. Il y a Georges Berbery, il y a également Denise et je viens de voir Barthélémy Bois-Guérin. Je ne sais pas dans quel ordre, Georges ou Denise, là, lequel a levé sa main en premier. Georges en premier. Georges, bon, ben Georges, si tu peux y aller. Ben, moi, je voulais simplement rajouter sur ce que M. Côté a dit. Il me semble qu'actuellement, du point de vue gouvernemental, il devrait y avoir un genre de secrétariat ou éventuellement une entité qui devrait être créée afin de jumeler les efforts des différents ministères qui sont en train de travailler pour la mobilité durable et l'électrification. C'est parce que tu vois, d'un certain côté, et tu le sais très bien, Joseph, dans la Naudière, ben, tu as le ministère des Ressources et Énergie, l'énergie naturelle, tu as bien sûr le transport, tu as l'environnement. Je pense comme quoi il devrait y avoir une cohésion et il devrait y avoir un guichet unique afin de mettre en place, bien sûr, ces gros projets comme M. Breton nous les a bien sûr présentés. Il y a une certaine ironie dans la région de la Naudière, hein, parce que Daniel Breton nous a dit ce matin qu'on avait le plus grand vendeur de voitures électriques au Canada, ce qui est tout à fait vrai. Et ironiquement, on a aussi le plus grand vendeur de camions au Canada, à Berthierville. Donc, il y a une certaine ironie là-dessus. Puis, la pandémie entraîne aussi que les gens veulent... on est comme pris de rester au Québec, donc les gens vont acquérir un camion parce qu'ils veulent aller faire du bateau, parce qu'ils veulent tirer une roulotte, parce que... Fait que tant qu'on n'aura pas rendu des véhicules puissants et accessibles qui sont électriques, ça va être difficile. Il y a des bateaux électriques qui s'en viennent et tout ça, mais il y a comme un pas qui nous reste à faire. Il y avait Denise aussi qui voulait parler. Juste baissez vos mains quand vous avez terminé, si c'est possible, s'il vous plaît.
Moi, j'ai été interpellée par, par une de ces dernières, ces derniers commentaires. Quand on va, on aime la région de la Nodière, c'est vrai. Quand on a des propriétés dans le Grand Nord, dans le nord de la Nodière, qu'est-ce que c'est qu'on entend? C'est les VTT, c'est les, les motoneiges, c'est les sidoux. Alors, écoutez, on peut bien se cacher la tête dans le sable, mais un des plus gros réseaux de inside, je vous dirais, intra-forestier, c'est dans la Nodière. Moi, ça fait plusieurs années que je suis au courant qu'il y en a, là, des véhicules électriques. Maintenant, là, c'est peut-être au niveau de la promotion. Puis, le dernier que BRP vient de sortir, hyper performant, hyper dispendieux. Moi, ça m'a vraiment parlé parce que j'en parle autour de moi où est-ce que j'ai mon chalet à Jersey. Puis, je pense qu'il n'y a pas un moment où j'en parle pas, là, de cet aspect-là. Et c'est dans ces détails-là, quand on dit le diable se cache dans les détails, il faut savoir à qui on s'adresse. Et tout à l'heure, Joseph t'a parlé du plus grand concessionnaire de pick-up. Ça donne qu'on est un territoire agricole aussi. Alors, à qui on doit s'adresser aussi? On doit s'adresser pas à ceux qui sont convaincus, mais à ceux qui utilisent donc, les agriculteurs, tu sais, leur offrir une assurance qu'avec un véhicule électrique, ils vont être confortables puis ils vont être capables d'aller de l'avant. Je pense qu'il faut prendre en compte la clientèle qui réside sur le territoire. Et il me semble que ça commence là. Ça, c'est important pour ça. Parfait. Voilà. Il y a Julie du Conseil régional de l'environnement qui veut s'adresser à vous. Puis ensuite, je prendrai Myriam et Aline, si ça vous va. Bonjour à tous. Je suis vraiment désolée. Alors, on a perdu M. Breton en cours de route. On essaie de le rejoindre. On essaie de l'appeler. On essaie de lui envoyer des courriels. On n'a pas de nouvelles jusqu'à maintenant. Donc, vous avez le choix. La discussion semble vraiment animée et intéressante ici. Donc, vous pouvez la maintenir sans aucun problème. Sinon, vous pouvez aussi aller vous répartir dans les autres pièces. Je pourrais, si M. Breton revient, aller le signifier dans les autres pièces aussi qu'il est revenu si jamais vous vous dispersez. Donc, c'est libre à vous. On vous offre la possibilité, mais on attend. Monsieur Breton l'a perdu. Désolée. Merci, Julie. Donc, il y avait Myriam. Oui, ben en fait, ma question était pour Monsieur Breton, mais peut-être là, qu'avec la gang de têtes qu'on a en ce moment, on pourrait y répondre. Je me demandais s'il y avait un potentiel. En fait, si c'était nécessaire de faire un peu ce qu'ils ont fait en Ontario, un centre d'éducation des véhicules électriques à Toronto qui s'appelle Plug and Drive. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Plug and Drive. C'est comme une espèce de concessionnaire, mais où ça rassemble tous les différents modèles de véhicules électriques qui sont vendus à travers la région pour que les gens puissent les essayer, les comparer, faire leur petit magasinage, mais en une seule place, à la place de faire 6 concessionnaires, se déplacer entre chacun, puis avoir le pitch de vente en même temps aussi là, pour des vendeurs. Donc, ça leur permet de connaître les véhicules électriques. C'est un centre d'éducation, un centre d'essai. Puis, ça fait quand même plusieurs années que ça existe à Toronto. Je me demandais si on avait besoin au Québec, ça serait pratique d'avoir ça au Québec. Puis, en tout cas, c'est ma question. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Si, parce que maintenant, il y a des cibles qui sont déjà très précises, ça vaut-tu la peine, ça vaut-tu pas la peine? C'est pas ma question. Barthélémy, je pense qu'il y a un début de réponse, peut-être. Allez-y. Oui, puis éventuellement, après ça, une autre intervention plus générale, mais plus par rapport à ce que tu dis, Myriam, si on peut se tutoyer. Ça paraît super intéressant, ça, à Toronto, effectivement. Par contre, c'est un endroit à localiser. Si on pense que c'est une grande communauté urbaine, là, ça pourrait être dans le coin de Montréal, mais c'est sûr que ça servira moins les gens de la Naudière, du Saguenay ou de la Gaspésie. L'AVEC joue un rôle super important dans ce sens-là au Québec. Déjà aujourd'hui, c'est pas une bâtisse à un endroit avec tous les modèles disponibles en tout temps. Par contre, dans toutes les régions administratives du Québec, il y a des équipes régionales de l'AVEC
qui vont organiser des événements du mois d'avril au mois d'octobre avec une panoplie, une variété de véhicules électriques disponibles, de l'information sur chacun de ces véhicules-là, des possibilités de faire des tests routiers. Donc, je trouve qu'avec l'AVEC, on est assez bien outillé de ce côté-là au Québec. Ça pourrait être complémentaire, ça ne veut pas dire que ce ne serait pas une bonne idée là, d'avoir quelque chose qui ressemble à... C'est plug and drive, tu disais? Oui. Oui. Donc... Puis l'AVEC tient aussi des sessions où ce que les gens peuvent essayer, où ce que des gens qui sont propriétaires d'un véhicule électrique peuvent se rejoindre à un endroit, mettons, lors d'un événement, et les gens peuvent essayer le véhicule. C'est sûr qu'en temps de pandémie, c'est un petit peu plus délicat, mais quand on va redevenir à une vie normale, ça pourrait être envisageable. Et les salons de véhicules électriques de Montréal, Québec et Saint-Hyacinthe aussi permettent de faire des centaines d'essais toute la fin de semaine que ces événements-là durent. Donc, répartis aussi géographiquement un petit peu au Québec, là. Merci beaucoup. Il y avait Aline. Oui, j'étais curieuse de savoir, Barthélémy, tu travailles dans quoi? Dans quelle organisation? J'aimerais ça travailler en mobilité durable, mais ce n'est pas le cas du tout. Moi, j'ai habité longtemps à Montréal. J'ai étudié en Mauricie, j'ai habité longtemps à Montréal et travaillé dans le milieu du web, des technologies numériques. Là, je suis de retour à Mauricie depuis la dernière année. Je suis directeur régional pour l'AVEC pour la Mauricie là, depuis 3 ans. D'accord. Et intéressé à l'électrification des transports et à la mobilité durable depuis plusieurs années. Très bien, merci. Donc moi, je suis avec mon chapeau du Centre de gestion des déplacements de l'Est de Montréal et Lanaudière aujourd'hui. Il y avait M. Berbéry qui se demandait s'il pouvait y avoir une instance peut-être qui regrouperait le tout puis qui permettrait d'enlever les silos. C'est ce que veut faire, je pense, un peu le ministère des Transports avec sa politique de mobilité durable, puisque tous les ministères touchés sont autour de la table pour la politique de mobilité durable. Je ne sais pas si les résultats vont être là, mais la volonté, en tout cas, a été mise par cette politique de mobilité durable pour votre information. Puis quand même aussi le ministère de l'Environnement a ce mandat aussi d'aller regrouper tous les ministères avec cette connotation environnementale. Donc je dirais que ministère des Transports et ministère de l'Environnement et la lutte au changement climatique sont pas mal les deux ministères touchés par tout ça. Ensuite, quand même dans la politique de mobilité durable, il y a des cibles assez... j'allais dire culottés, mais je ne vois pas comment on va réussir à les atteindre pour le moment. Personnellement, je regarde aller et je pense qu'on met beaucoup d'incitatifs, mais peu de coercition. Je pense que quand on est élu, c'est difficile de mettre de la coercition, mais en même temps, si on met l'incitatif en parallèle, ça aide à faire passer la pilule. Puis, ça va faire en sorte qu'on va changer les choses parce que souvent, dans le mandat présent, il n'y a rien qui va changer si on met des incitatifs, mais dans un prochain mandat qui ne sera peut-être pas le nôtre si on était au gouvernement, ça va être la coercition qui aura vraiment fait en sorte que les cibles vont être atteintes. Donc je pense qu'il y a comme un changement de paradigme à avoir par rapport à tout ce qui est mobilité durable. On peut être dans l'incitatif, puis je pense que c'est bien, mais selon moi il y a de la coercition à avoir. C'est sûr qu'il y a des personnes qui sont comme un peu plus obligées, tu sais, d'avoir des pick-up, mais je ne sais pas si la personne est dans cette salle, elle avait une question pour Daniel Breton en disant, tu sais, quand on veut déplacer avec une petite famille, c'est mieux d'avoir peut-être des véhicules d'un peu plus grosse. C'est Daniel au coin, il n'est pas dans la salle. Ah, d'accord. Mais en tout cas, j'ai plusieurs personnes que je connais qui résident dans les régions et qui ont des petites familles puis qui n'ont pas eu le besoin. En fait, c'est ça. C'est une fois qu'on l'a, on trouve tous les avantages que ça peut avoir, le VUS. Mais malgré tout, avant ça, on n'en avait pas, puis on se débrouillait quand même. Là, donc, c'est de trouver aussi, Denise, tu disais les bons publics cibles. Je pense que ceux qui en ont vraiment besoin, bien les orienter. Mais il y en a beaucoup qui n'en ont pas réellement besoin, mais qui se créent des besoins. Il va falloir aussi mieux les informer sur l'impact et sur
les autres alternatives, parce qu'il y a comme un changement à avoir. Puis c'est là où la coercition, je la trouve importante, c'est que si on imposait une taxe sur les VUS ou s'il y avait quelque chose d'un peu plus musclé pour pouvoir atteindre nos cibles, ça aiderait vraiment beaucoup, là, en effet. Il y a... C'est un commentaire. Merci. Il y a Robin qui veut intervenir. Oui, dans le fond, je veux faire un peu du pouce sur ce qu'Aline a dit. C'est sûr que les incitatifs, c'est intéressant pour atteindre des objectifs, atteindre des cibles, mais c'est intéressant sur beaucoup plus de points de vue que ça. Avoir des incitatifs, ça fait que tu as plus de monde qui vont acheter des véhicules électriques ou des véhicules hybrides rechargeables. Ça fait que les compagnies, les producteurs d'automobiles, les grosses compagnies, ils en mettent plus sur le marché. Ils augmentent la capacité du véhicule, ils augmentent le kilométrage, ils diminuent les coûts, les frais diminuent. Ça aide vraiment à mettre en branle la patente, si on pourrait dire. Puis que, tu sais, qu'éventuellement, ça devienne plus accessible. Tu sais, présentement, c'est difficile d'avoir un véhicule électrique abordable parce que c'est tous des véhicules qui sont haut de gamme, siège chauffant, miroir chauffant, gros écran tactile, le cinéma maison. C'est rendu ça. Tu peux pas avoir Toyota Tercel électrique, ça n'existe pas. Tu sais, c'est tout. Non, mais on peut commencer à avoir des Leaf électriques à 12 000, 15 000 $ des Sparks, ça existe quand même. Ça existe, mais c'est vraiment un petit marché, des petites autos, puis il n'y en a pratiquement pas. Dans le choix, il n'y en a pas beaucoup. Oui, la Spark, la Leaf, moi, j'ai une Leaf 2016 que je n'ai pas payé cher. Je veux dire, oui, ça, dans le seconde main, dans l'usager, il y en a. Mais c'est plus rare, plus difficile à trouver. Quelqu'un qui veut s'acheter un véhicule électrique neuf, bas de gamme, ou d'entrée de gamme, c'est quand même avec les incitatifs, c'est quand même 30 000 là, au moins. Là. Fait que, mais en ayant un incitatif, ça fait que la technologie augmente, les coûts diminuent. Fait qu'éventuellement, ça va devenir beaucoup moins dispendieux que les véhicules à combustion. Les véhicules électriques sont souvent, aux yeux des personnes qui achètent des véhicules à moindre coût, beaucoup plus équipés, mais pour une raison super simple, c'est que lorsque tu as les sièges chauffants, tu vas moins utiliser le chauffage du véhicule, donc ça fait que ton autonomie est augmentée, puis c'est un des éléments qui font que les gens sont réfractaires à faire le saut vers un véhicule électrique. Donc, le volant chauffant, c'est pas un produit de luxe dans un char électrique, c'est vraiment parce que sinon, tu vas te geler complètement. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là, puis si on regarde ce qui s'en vient en termes de véhicules électriques, juste la Bolt, elle va baisser d'environ 6 000 $ au niveau du coût d'acquisition en 2022 par rapport au modèle de 2021. Puis moi, j'aurais une question. Je regarde la Norvège, qui est quand même un pays nordique. 50 % des voitures vendues en Norvège sont électriques. Pourquoi on ne réussit pas à atteindre ça ici au Québec? Des incitatifs beaucoup plus grands là-bas, des stationnements gratuits pour tous les véhicules électriques. Et à l'inverse, non seulement il y a des incitatifs pour l'achat qui sont encore plus généreux qu'ici, mais des taxations supplémentaires pour les véhicules traditionnels. Donc, l'écart devient beaucoup plus grand. Ça devient plus avantageux qu'ici encore de passer à l'électrique là-bas. Quand vous dites un véhicule traditionnel, on parle d'un véhicule à essence? Oui, c'est ça. Ouais. Parce qu'ici au Québec, mettons, tu as un véhicule qui a plus qu'un moteur plus gros que 4 litres, tu vas payer un supplément au niveau de ton immatriculation. Ouais. Donc, Ford, ce qu'ils ont fait avec les pick-up, pour ne pas les nommer, ils ont fait des V6 de 3,3, 3,6 litres. Fait que comme ça, ben, il n'y a pas de coût supplémentaire lorsqu'on fait l'acquisition d'un pick-up. Alors que GM sont encore dans le 5,3 litres, mais viennent de sortir un pick-up, un gros, avec un 4 cylindres de 2,7 litres. Fait qu'encore une fois, tu as un gros véhicule sur la route, mais tu ne payeras pas de supplément. Tu vas payer le même prix que pour la Tercel. C'est carrément ça. Là. Fait qu'ils tentent de rendre les moteurs plus performants, mais on s'en va vers une électrification maintenant. Peut-être pas assez vite. Est-ce que si on rajouterait du 13 000 $ à un autre 5 000, ça ferait-tu que les gens en achèteraient plus?
ou il y aura encore peur parce qu'il n'y a pas assez de bornes, parce que je ne sais pas, c'est quoi les craintes qui font que les gens ne font pas le saut? Bien, tu sais, l'autonomie, ça stresse beaucoup le monde. Tu sais, en fait, tous ceux qui ont des véhicules électriques, les premiers mois, tu fais vraiment de l'anxiété des kilométrages. Tu sais, je vais être correct. Comme il reste juste 15 km, ouais, mais parce qu'il te reste 3 km avant de te rendre à la maison. Tu sais, t'as pas l'affaire à angoisser. Tu sais. Mais la majorité des gens réalisent pas que dans 95% de leur trajet, ils n'auront pas besoin de plus que leur autonomie de leur voiture. C'est dans 80, à moins que ça soit quelqu'un qui travaille sa route ou, tu sais, la femme de mon cousin, elle a des résidences pour personnes âgées, mais elle, quand elle passe et elle fait sa tournée de ses 5 résidences, elle a besoin de 300 km d'autonomie. Fait que, tu sais, ça, c'est différent, mais... Ce sont des cas particuliers, c'est exactement. Pas la masse. Mais monsieur, madame, tout le monde, même... 95% du temps, tu vas te brancher chez vous. Tu n'as pas besoin de te brancher, de faire une... Même pas 95%. 95% de tes trajets, tu n'as pas besoin de te recharger pour compléter ton trajet, pour faire l'aller-retour. Ils sont inférieurs à 100 km. Exactement. J'aurais un point, si je peux permettre mon point initial, dans le fond, pour lequel je voulais intervenir. Si on revient au thème plus général de la matinée, qui est la mobilité durable, puis en lien avec l'électrification des transports, mais c'est parce que les enjeux sont tellement différents, je trouve, mais c'est établi là, entre les zones très urbaines et les zones plus rurales. À Montréal, un couple ou une famille, ça va être souvent, on va avoir un seul véhicule, voire zéro, c'est faisable. Il y a des familles qui le font. À l'extérieur, en région, plus éloignée, même quand on parle de village ou plus à la campagne, on va avoir des fois à une adresse, on va avoir minimum 2 véhicules, mais ça va pouvoir être 3 si on rajoute le pick-up, 4 ou 5 si on rajoute les autos des enfants. Puis ça, parce que dans le fond, l'électrification des transports, c'est le fun. Si on parle des véhicules personnels, remplacer des véhicules à essence par des véhicules électriques, c'est probablement une bonne chose. Mais il y a aussi un gros effort de conscientisation à faire sur la taille des véhicules. Puis on en a parlé un petit peu tantôt, tout ce qui est de l'adoption de plus en plus importante de tout ce qui est pick-up, VUS, qui n'est pas toujours justifié. Donc ça, c'est la taille des véhicules, mais aussi le nombre de véhicules. Et le parc automobile continue de grossir plus vite que la population. Puis ça, c'est clairement un enjeu. Même si on disait que tous ces véhicules-là deviennent électriques, on n'a pas réglé le problème de l'agrandissement du parc de véhicules. Puis oui, un véhicule électrique, ça a une empreinte environnementale moins grande qu'un véhicule à essence, mais ça a quand même une empreinte environnementale. Donc, c'est bien meilleur, mais ce n'est pas suffisant puis ce n'est pas une solution en soi. Donc, moi, je suis pour l'AVEC et je fais la promotion des véhicules électriques depuis des années. Là. Donc, je suis loin de dire que c'est une mauvaise chose, mais ce n'est pas suffisant. Et je me pose la question, c'est quoi les stratégies en région dans les milieux ruraux pour sensibiliser la population, pour faire ce shift de comprendre que le nombre de véhicules, c'est un enjeu, que la grosseur des véhicules, c'est un enjeu. Puis, ce n'est pas à Joliette qu'on va aller creuser des tunnels pour installer un métro qui va desservir toute la région et qui va pouvoir éviter aux gens qui habitent en campagne d'avoir des véhicules. Donc, on n'a pas le choix d'avoir des véhicules quand on vit à l'extérieur des centres vraiment urbains. Mais c'est ça, je me demande, la mobilité électrique à l'extérieur des grands centres, c'est quoi? On fait quoi avec ça? Oui, on peut remplacer nos véhicules par des véhicules électriques, mais est-ce que c'est suffisant? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est une réponse à ça. J'ai Gilles Côté et Denise Trudel qui veulent intervenir. Gilles? Oui, ben moi, j'aimerais amener... la discussion un peu sur la question de l'offre, on en a un peu parlé, l'offre des manufacturiers présentement en termes de véhicules, parce que, bon, admettons le fait qu'il y a encore lieu d'avoir des véhicules individuels ou des petits véhicules et non pas seulement du transport en commun. Alors, si ce fait-là est établi, puis on regarde les types de véhicules qu'on nous offre, je pense que l'offre des véhicules électriques est très déficiente par rapport à l'offre de tous les autres types de véhicules. L'autre type, les véhicules à essence ou diesel, peu importe. Alors, et cette offre-là, finalement, nous est présentée par les manufacturiers dans leur campagne de publicité. Et si on regarde présentement la publicité que ces gens-là font
dans les médias. Il y a Équiterre dit, sans doute avec raison, qu'il y a 80 % de la publicité qui est faite sur de gros véhicules, des camions et des VUS. Donc, je pense que là, le gouvernement a peut mettre le doigt sur un levier de coercition en disant qu'on va régler ou réguler ou faire un règlement sur la nature des publicités qui sont présentées dans l'offre qu'on donne aux consommateurs de véhicules. Et puis, c'est pas compliqué à faire. On le fait pour la cigarette, on le fait pour toutes sortes de choses. On peut le faire pour les véhicules automobiles, étant donné que les véhicules à essence nous empêchent d'atteindre nos objectifs en termes de réduction de GES et que ça constitue un élément fort dans l'augmentation des changements climatiques. Je pense qu'on aurait raison de commenter là-dessus. Bon, moi, je dis qu'on devrait pousser avec y aller dans le sens de la récente campagne d'Équiterre sur la question de la publicité. Okay. Un élément de plus. Merci, Gilles. Il y avait Denise Trudel aussi. Je veux juste dire qu'il reste environ 2 minutes. Là, fait qu'il faut faire ça. Merci, Robin. Bon, ben, écoute, Gilles, moi, je suis tellement d'accord avec toi. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a eu, mettons, pour la ségrégation, les peines de couleur. Il y a ça, c'est une chose. Une autre chose que je voulais dire, c'est que, de mémoire, en tout cas, Angela, Robin, vous me corrigerez, mais au Conseil régional de l'environnement, on a fait des conférences au niveau des cégepiens et des gens du secondaire. Parce que quand on parle d'éducation, il faut cibler les jeunes. Nous, on s'est rendu compte à la Nodière que ces jeunes-là ont des grands... on va parler plus de l'Assomption. Il y a 80 % dans l'Assomption, ça a été reconnu que 80 % du transport des autos solo aboutissait au cégep. Donc, en fait, ce moment de 30 minutes va être divisé en 2 sections. La première partie, ce sera moi qui va poser quelques questions là, qui ont été déjà, préécrites par l'équipe du Conseil de l'environnement à David pour aller un petit peu plus loin là, dans la présentation que tu as faite tout à l'heure. Et par la suite, on aura 15-20 minutes à la fin là, où on va ouvrir les micros pour pouvoir vous permettre là, aux participants, aux auditeurs, de poser vos questions. Quand ce sera le cas, je vous demanderai évidemment d'utiliser le petit émoticône main là, pour pouvoir lever votre main et ensuite on va vous passer la parole. Donc, je me présente très rapidement là, d'entrée de jeu. Mon nom est Véronique Morin, je suis conseillère en développement durable chez la Nodière économique et également agente du Fonds Écolida. Aujourd'hui, je vais agir comme animatrice de cette salle de discussion. Très heureuse de collaborer avec David Hervieux. J'imagine que certains d'entre vous, probablement la plupart d'entre vous ont écouté la conférence de David un peu plus tôt. Je ne veux pas représenter en fait ta biographie, David, là, mais ce que je trouve intéressant, c'est que d'évolution, vous avez à peu près 100-115 employés, je pense, à l'heure actuelle. Tout à l'heure, tu as mentionné que vraiment là, la main-d'œuvre, en fait, les employés étaient une priorité pour vous, le bien-être des employés, puis aussi... en fait, comment vous intégrez vos ressources dans, on va dire, dans les orientations et dans les visions de l'entreprise. Ça, j'ai trouvé ça drôlement intéressant. Et puis, j'ai beaucoup aimé aussi la façon dont tu as présenté les approches tant innovatrices au niveau de votre produit, votre modèle d'affaires d'entreprise dans sa mission initiale, mais aussi dans votre approche au niveau des ressources humaines. Et ça passe notamment par la mobilité durable. Donc, je débuterai peut-être... par une première question là, pour compléter un peu ce qui a été présenté tout à l'heure. Ça a été quoi les réactions des employés ou de vos bailleurs de fonds ou financiers ou partenaires quand vous avez débuté la mise en place des actions en mobilité durable? Comment tu as pressenti ça au niveau des employés puis des partenaires? Bon, si on commence avec les employés, je pense que c'était très apprécié. On était vraiment dans les débuts là, des bornes électriques. Puis moi, j'avais installé une borne électrique, puis j'avais mis au défi. À l'époque, je pense que j'avais dit, bien, le premier qui va s'acheter une voiture électrique, là, je vais lui donner un 1 000 $. Tu sais.
Et tu sais, on était vraiment, c'était nouveau, là, juste pour dire, fait que les gens qui trouvaient ça le fun. On a vraiment commencé tôt. J'ai eu la chance d'avoir une... C'est un aspect intéressant là, que à pas négliger. J'ai eu la chance d'avoir une voiture électrique tôt, mais pas parce que je voulais une voiture électrique, mais c'est parce que je trouvais la voiture cool. C'est important de comprendre que là où ça commençait à être plus intéressant, le côté électrique, c'est quand c'est devenu plus que juste l'environnement. L'environnement, c'est un bon argument, mais c'est, des fois, c'est là, il manque une petite poussée. Fait que c'est pour ça que tranquillement, en rajoutant des petits incitatifs, en éliminant la friction, ben là, les employés ils peuvent venir se charger gratuitement au bureau, ces choses-là. Fait que la réaction était très, très positive. Puis, ce qu'on essaie de faire chez Dévolution, c'est d'amener les gens à amener des solutions. Je ne suis pas très, très... moi, je suis très dans l'exécution. Puis souvent, les gens, je leur demande... là, c'est mon histoire, ça va prendre deux secondes. Là, c'est mon, je ne sais pas si vous avez déjà écouté les pierres à feu, là, fait de cailloux. Là. Dans Pierre à feu, à un moment donné, là, Fred Caillou, il prend la poste, le poste d'un président parce qu'il est pareil. C'est le principe Fred Caillou qui est chez Dévolution qui est super important. Là, il dit, j'ai jamais animé ça, moi, le conseil d'administration. Là, il dit, c'est bien facile. Il dit, c'est le bébé de pied, quel pourcentage, je vote pour ça. Ça, c'est le principe Fred Caillou. Je vais vous le montrer. Donc là, la scène dans Fred Caillou, c'est, ben là, il y a un gars, il dit, ah, j'ai tel projet. Il dit, c'est le bébé de pied. Il dit, ah, ben, c'est mon projet. Il dit, c'est quel pourcentage? Ah, les marges sont bonnes, tout ça. Je vote pour ça. Là, il dit, ah, il est vraiment hot, là, le Chiroc, qui s'appelle, là. Puis c'est ça le principe de Caillou. Fait que les gens, ils viennent à toi, puis ils disent, on a un problème ou on a une idée. Fait que là, tu dis, OK, c'est quoi ton idée? Et là, ils t'exposent l'idée au complet. Pas juste dire, ça marche pas. Parce que ce que tu dis, c'est, qu'est-ce que tu ferais? Puis après ça, OK, on y va. Je vais donner l'exemple. L'idée, c'est de pas amener de l'idée. À un moment donné, au niveau environnemental, les gens ils disent, oh, on pourrait en faire un peu plus chez Dévolution. OK? Après, tu es en train de me domper la responsabilité sur moi, le président. Là, j'ai des budgets, j'ai des produits, j'ai un paquet d'affaires. Ça marche pas, là. Ça marchera jamais. Après, tu dis, qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire? Puis là, ils disent, oh, ben, on pourrait faire telle chose. Je vote pour ça. C'est le bébé de qui? Quel pourcentage? Je vote pour ça. C'est en anglais, c'est what your angle? Au lieu de quel c'est bébé de qui, là, ça se dit un petit peu mieux, mais c'est le même principe. Fait que souvent, les gens, ben, les idées, ça vient des gens. C'est pas. Puis nous, on peut juste les exécuter, mais les idées sont complètes. L'exemple, à un moment donné, c'est l'histoire de l'environnement, faire plus. Ben, quelqu'un me dit, ouais, mais tu sais, on devrait remplacer nos bâtonnets en plastique pour le café par d'autres choses. OK? Remplacer par quoi? Ben, on pourrait au moins y aller en bois ou y aller avec des pales. Ah, parfait. On commande ça. Fait que c'est d'amener les gens à pas juste être dans la dénonciation de problèmes, mais être dans l'exécutabilité de la solution. C'est super important. Super, super important. C'est quelque chose qu'on fait. Fait que les gens étaient très ouverts. Pour la deuxième partie, les bailleurs de fonds, mais ils embarquent parce que tu sais, on a des principes chez Dévolution qui sont intouchables. Tu ne déménageras pas de la Valkyrie. Tu ne traiteras pas les gens comme des numéros. Et puis, on n'aura jamais de vendeur. Ça, c'est un principe moins... ça, c'est plus businessman. Excellent, merci. Puis, dans le fond, ça m'amène à la réflexion. Est-ce que dans le cas des premières initiatives que tu as mises en place chez Dévolution, tu sais, au niveau de la mobilité durable là, spécifiquement, est-ce que ces idées-là... Toi, tu parles, bon, OK, tu as eu une première voiture électrique, mais est-ce que c'est venu des employés, donc, qui t'ont dit, hey, ce serait le fun qu'on ait peut-être des bornes, par exemple, ou encore justement des douches, avoir plus d'accessibilité pour le transport actif, etc. Donc, est-ce que cette initiative-là t'a été amenée des employés? Bien, constamment, parce que tu sais, nous, chez Dévolution, la façon qu'on fonctionne là, pour ce qui est ce genre d'initiative-là, c'est, parce que ça paraît dur, comment je dis ça, c'est une dictature, OK? Douce. Pourquoi? Parce que c'est nous, la direction qui choisit, mais c'est les idées. Ça part d'un principe que tu n'as pas dans une dictature politique, c'est que nous, on veut plaire à nos employés. Mais pourquoi que c'est une dictature? C'est parce que si c'était un comité, puis que le comité, regardez bien comment c'est pervers, si c'est un comité qui ne fait pas exactement ce que les employés veulent, ceux qui vont être critiqués, c'est les gens du comité. En faisant ça, les idées viennent constamment des employés, mais c'est la direction qui statue. Toujours en gardant en tête qu'on veut plaire à nos employés et non pas faire des économies de bout de chandelle, des économies de bout. C'est pour ça que mon mot dictateur, c'est juste pour
percuter, là, mais c'est pas... Pour nous faire peur. Oui, mais souvent, on voit ça, les idées, ils ont comme un comité social. Puis là, ce qui se fait, c'est qu'à un moment donné, le comité social, il fait une initiative. Puis là, on sait bien, les autres, ils font ci, ils font jamais ça, ils font jamais mes idées. Ils vont dire moins ça qu'avec la direction ou le président. Là. Ils vont accepter plus ce qu'ils parlent et moins ce qu'ils ont manqué. C'est un peu cette stratégie-là. Fait que, oui, ça vient constamment des je serais comme un peu... Moi, je suis un bon voleur d'idées. Puis j'aime en donner, j'aime aller en chercher. Et puis, c'est plein d'initiatives qu'on fait comme ça qui viennent soit de nos employés ou soit d'autres compagnies que leurs employés ont fait des demandes. Parce que toujours dans la même idée, c'est de s'assurer que c'est intéressant. Puis après ça, côté comptabilité, nous autres, on a toujours un montant d'argent par employé qu'on met pour différentes initiatives. Ça inclut les douches, parce que l'évolution, on a grandi plusieurs fois. Là. Les douches, ça fait très, très longtemps. Là, on est à peu près sur 120, puis on a un employé qui s'appelle Mario. C'est l'employé numéro 11. Lui, souvent, il se présente et dit « employé numéro 11 au rapport ». C'est juste pour vous donner une idée que l'employé numéro 11, lui, il a sa licence RBQ. C'est un employé qui fait partie de l'entretien des maisons, ces choses-là, puis qui est là depuis très, très longtemps. Les premières douches dans nos premiers bureaux, ben, ça avait commencé avec une douche. Puis rapidement, on avait un blocage, on en a fait une deuxième. Quand on a déménagé de bureau, ben là, on a tout réaménagé, un vestiaire homme, un vestiaire femme, avec le gym. C'est quelque chose qu'on considère important constamment. Merci. Puis tu vois, tu as amené l'aspect économique aussi qui est intéressant, là, tu sais, parce qu'évidemment, dans une entreprise, ça fonctionne avec des états comptables. Là. Donc, tu sais, tout à l'heure, dans ta présentation, tu as vraiment bien présenté tous les avantages, notamment pour tu sais, les employés, pour l'entreprise, aussi au niveau de la rétention, de l'attraction, de la main-d'œuvre et tout ça. Mais pour les initiatives que vous avez mises en place à l'intérieur, est-ce que tu as eu du soutien financier externe ou technique externe pour, tu sais, que ce soit des subventions ou de l'aide financière pour... Très peu. La première subvention pour les bornes, mais après ça, c'est pas, c'était pas... Dans notre cas, c'était pas un prérequis parce qu'on voyait rapidement les bénéfices. Mais tu sais, les bénéfices sont jamais... tu sais, un employé qui quitte, là, la moyenne, c'est 6 mois le coût. Fait que je parlais dans ma présentation, j'ai parlé du chasseur de tête qui est à peu près 20 %, mais imaginez un employé à 6 mois, c'est rapidement. Mais ça paraît pas dans les états financiers. Fait que ça, à un moment donné, il faut que les gens, la direction, puis le conseil d'administration, ils comprennent que ça a un coût, puis que de garder ces gens heureux, ça se monétise pas, tu sais. Et les gens, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a toute une génération de gens qui font beaucoup plus attention à différentes choses écologiques, puis qui viennent influencer positivement des générations qui ne sont pas nécessairement rendues là. Puis c'est un maillage d'idées. C'est pour ça que juste pour la vertu, ça ne marche pas. C'est plate, ce serait le fun. Tu sais, monsieur Breton, il parlait des gens qui voyagent seuls. Les gens qui voyagent seuls, ce n'est pas qu'ils détestent l'environnement, c'est qu'ils ont un certain confort. À un moment donné, quand j'étais jeune, je me souviens, ils avaient changé tous les autobus pour qu'il y ait plus de place debout. Quand tu tapes Pointe-aux-Trembles, centre-ville, debout, tu dis, ouais, on aurait peut-être ça qui a plus de place assise, ça serait peut-être plus. Fait que c'est une balance à un moment donné, le côté pratique, économique, écologique, confort. Puis c'est ce que je suis super content de ce que j'ai entendu ce matin, parce que je l'entends dans le discours municipal. Puis au niveau corporatif, c'est quelque chose aussi qui est très, très considéré, parce qu'on il faut que ce soit rentable à quelque part, parce que sinon, à un moment donné, tu vas avoir une crise, et puis c'est la première chose que tu vas couper. Il faut que tu aies compris que c'était important. Puis tu vois, tu amènes un autre élément intéressant parce que tu parles justement de l'aspect du côté confort, du côté pratique, de l'efficacité aussi. Tu sais, c'est souvent ce qui est critiqué par rapport à certaines offres de transport alternatif. Donc, c'est difficile de compétitionner, par exemple, avec le confort de l'auto solo ou le côté pratique de l'auto solo. On s'était rencontrés précédemment, David, puis tu avais abordé aussi l'aspect de travailler davantage en collaboration, notamment avec tout l'écosystème, si on veut, là, local et régional. Donc, tu parlais notamment de la MRC, de la ville. Tu sais, comment arrimer une approche peut-être plus intégrée dans une offre de transport alternatif. Monsieur Breton en a parlé aussi tout à l'heure de cet aspect-là. Donc, il faut prendre la chandelle. Tu sais,
À date, vous avez fait des efforts à l'interne qui sont significatifs, mais comment amener ces efforts-là aux autres entreprises, par exemple, de votre localité, tu sais, de la ville, puis peut-être élargir, puis avoir un effet levier plus intéressant. Puis, tu sais, ça m'amène à la question, tu sais, toi, en tant qu'entreprise, de quelle façon la ville ou la MRC pourrait t'aider ou t'outiller davantage pour t'amener encore plus loin dans tes initiatives? C'est comment les villes pourraient aborder les entreprises dans cette approche-là puis initier la collaboration? Bien, je pense que tout passe par la communication en partant. Là, puis tu as des entrepreneurs, tu as énormément d'entrepreneurs qui ne sont pas là juste pour l'argent. Au Québec, on n'est pas dans le modèle américain où l'argent est tout pris. Un exemple, nous, on a un très grand stationnement. Puis, on pourrait le mettre à la disposition des villes, mais il faudrait qu'ils nous en parlent. Moi, j'en ai, c'est drôle parce que j'avais un rêve niaiseux, mais j'aimerais ça, avoir un arrêt d'autobus en avant pour pouvoir dire à mes employés qui voyagent en autobus, qui arrivent de Joliette, de Repentigny, bien, écoute, tu as un abribus en avant du bureau. Puis, tu sais, on s'entend à la Valdrie, tu peux trouver des endroits névralgiques. Il y a, mettons, 3-4 employeurs qui ont peut-être cette réalité-là. Puis, l'idée, c'est est-ce qu'il y aurait un partage de tout? C'est sûr que souvent, les gens, ils voient des opportunités, puis ils sont opportunistes dans l'occasion de dire, ah, ben là, moi, je vais louer mon stationnement, des choses comme ça. Mais les villes seraient surprises à un moment donné comment que les gens pourraient collaborer. Mais c'est toutes des questions de discussion. Là, la partie que je trouve difficile pour les villes, c'est comme moi, là, si je parle à un autre entrepreneur, là, puis je le trouve sympathique, là, puis je fais un deal avec, là, c'est correct. Mais si une ville me trouve sympathique et fait un deal avec moi, j'ai corruption. Non, ça ne marche pas de même. C'est très difficile pour les villes. Ça, je ne peux pas trouver les solutions nécessairement. Mais moi, là, quand j'engage quelqu'un pour faire mon toit, là, mais c'est plate, là, mais c'est sur sa gueule. Parce que je trouve qu'il a l'air sympathique, sa réputation, ces choses-là. Des fois, je vais payer plus cher. Mais je sais que les villes n'ont pas cette contrainte. Ils n'ont pas cette liberté-là parce qu'ils ont toujours l'espèce de regard. Mais de jaser, de se rendre compte à un moment donné que ouais, c'est pas toujours du mauvais monde en affaires, puis que juste d'en discuter en amont, souvent, ça peut régler beaucoup de problèmes. Ça, ce serait la collaboration qu'on pourrait voir. Puis de tenir compte aussi des réalités, là, parce que oui, c'est intéressant, mais ça prend des. Si les villes imposent des normes, ça prend des balances, une balance de l'autre côté pour aider les commerçants ou des entreprises. Dans le fond, ce qui pourrait être intéressant peut-être à l'échelle d'une ville comme la Valtrie, c'est déjà d'entamer le dialogue, soit par peut-être la mise en place d'un comité de travail ou de réflexion sur, tu sais, tout à l'heure on parlait, là, tu sais, comme John Husk parlait notamment de l'élaboration d'un plan, tu sais, sur la mobilité durable, mais vraiment de vous intégrer. Oui. Au moment là, de la réflexion de ces plans. Mais c'est ce qui se fait là, avec le pas une chambre de commerce à la Valtrie, c'est le recoupement du genre d'affaires. Puis, il y a beaucoup de frictions qui sont enlevées parce que les discussions sont faites en amont et de bonne foi. Là. Tout le monde est fait de bonne foi. Et puis, tu sais, mais là, encore là, les entrepreneurs, ils ont un devoir de ne pas aller défendre leur petit dossier personnel, là, de voir la globalité du portrait. Là, ça, c'est important pour tout le monde de se mettre dans ses bottines. Parfait. Puis, écoute, j'aurais peut-être juste une petite dernière question avant de passer la parole là, aux participants. Quels seraient tes conseils pour une entreprise qui voudrait initier des initiatives ou des démarches en matière de mobilité durable? Tu sais, par où elle devrait commencer? Bien, je ne sais pas par où, mais tu l'essayes. Tu commences par une borne, tu commences par un vélo, puis après ça, tu vois qu'est-ce qui fonctionne, puis qu'est-ce qui est utilisé. Tu sais, on a un principe, nous, là, si ça ne marche pas, on s'en débarrasse. Tu vois des fois des entreprises qui vont avoir des salles de jeu ou des affaires, puis c'est juste pour du tape à l'œil. Nous, on ne veut pas ça. Là. Fait que, tu sais, souvent, tu commences petit. Et puis, tu sais, d'évolution, on est rendu une entreprise avec des énormes moyens, là, en guillemets, là. Quand on se trompe de 2 % dans notre budget, là, c'est 250 000. À 250 000, on peut en faire des erreurs de choses qu'on a achetées pour rien. Mais on a commencé petit, puis on commence encore, tu sais, avec des petites choses. Comme les vélos, on a commencé avec ça, mais on est allé voir localement. On l'a acheté localement parce qu'on s'est dit au moins s'il y a de quoi, si les gens ne s'en servent pas, c'est un petit peu avant la pandémie, c'est sûr, bien, on aura favorisé l'achat local. Fait que souvent, c'est des expérimentations à quelques centaines de dollars. Puis,
Puis là, c'est pas de la mobilité durable, mais c'est notre principe et pour tout. Là. Tu sais, à un moment donné, si tu achètes quelque chose et tu vois que les gens ne l'utilisent pas ou ne s'en servent pas, il faut que tu poses la question. Je dirais de trouver des idées de base. Tu sais, un exemple, c'est plus au niveau environnement, le compost. Le compost, c'est quelque chose de très difficile en entreprise. Qui s'occupe de ça? Nous, ça s'est réglé parce qu'à un moment donné, il s'est formé un comité de gens qui a arrêté de dire hey, là, Dévolution devrait faire du compost. Ils ont dit on va faire du compost chez Dévolution, puis on va le gérer. Fait que, tu sais, c'est souvent d'amener les gens à se mobiliser et non pas d'être juste dans l'espèce de culture de qu'on voit des médias sociaux de tout le monde fait ça tout proche, puis moi, ça serait tellement mieux. Là. Les gérants d'estrade, c'est à éviter en fait. Donc, de responsabiliser un peu ceux qui ont les idées, un peu comme tu disais tout à l'heure, là, à qui appartient le bébé. Bien, après ça, bien, ces gens-là peuvent aussi prendre le lead, finalement, de l'initiative puis la déployer. Là. Bien, oui, puis c'est plate. Là, pour vous donner un exemple, à un moment donné, ça fait des années que le monde me demande de faire un jardin communautaire chez l'Évolution. Puis à un moment donné, je reçois un courriel, puis je dis hey, c'est une très bonne idée, je vais payer tout. Qui veut s'en occuper? Silence radio. De mon côté, là, ça fait sujet réglé. Si on veut s'en occuper. Là, à un moment donné, tu en as un autre, tu dis hey, moi, ça serait le fun, justement, l'histoire du compost. Qui veut s'en occuper? Tu as 3-4 personnes qui lèvent la main et voilà, ça s'est auto-géré. Parce qu'à un moment donné, ça ne peut pas être juste l'entrepreneur qui prend tout sur ses épaules et qui va voir la personne qui dit bien là, maintenant, toi, c'est ta responsabilité de faire ça. Bon, mais ce n'est pas dans ma définition de tâche. Ah, mais là, les employés ont dit que c'est pour ça. Puis à un moment donné, je sais que ça va revenir, que le jardin, ils vont dire ah non, ça me tente. Puis là, on va dire OK. Là, ça va revenir. Puis ça dépend. C'est un peu ça. La même chose en mobilité durable. Tu sais, le covoiturage, qui ça leur tente de faire du covoiturage? OK, puis ainsi de suite. Ça s'applique un peu à tout. Ouais, c'est super intéressant parce que dans le fond, ça revient à tout type d'initiative. C'est qu'à partir du moment où tu as une mobilisation de ton équipe, ben, le projet est voué au succès. Tu peux donner des petits, à un moment donné, nous autres, on fait des lunch and learn, des petites formations. Puis celui qui a la formation, il y a un montant, plus ceux qui venaient à la formation, on l'a payé le dîner. Mais plus tu avais de monde, plus tu avais un bonus, si tu veux. Enfin, tu faisais ton autopromotion. Si tu faisais, puis on a eu sur le bien-être, sur, tu sais, c'était pas toutes des choses techniques, mais c'est le même principe. Tu peux trouver une façon d'accélérer, tu sais, de récompenser ceux qui s'occupent de l'environnement ou de la mobilité durable. Ça, seul entrepreneur peut faire ça pour récompenser l'effort additionnel. Mais il faut que les gens aient le désir de le faire. Intéressant. Merci beaucoup, David, pour ces premières réponses. Maintenant, on passerait dans la deuxième partie, donc où je laisse en fait la parole aux participants. Je vous inviterai, si vous avez des questions, seulement à lever la petite main là, que vous avez dans l'onglet « Réaction », puis je pourrai vous passer la parole. Est-ce qu'il y a déjà une première question? C'est gêné. Bien, c'est ça. Si c'était très clair, moi, j'en ai plein de questions, mais là, c'est à votre tour. Profitez-en. Ah. Oui, on a Dominique. Est-ce que je peux prendre? Ah, oui, vas-y, Nancy. Bien, en fait, c'est parce que, excuse-moi, je ne trouve pas l'icône pour lever ma main sur l'écran. Bon. Fait que je vais faire comme d'habitude. Je ne ferai pas les choses comme tout le monde. Bien, d'abord, merci vraiment pour tout le forum au complet. Puis, dans le fond, moi, je n'ai pas vraiment de questions. Je voulais juste dire à David Hervieux que je trouve super inspirant. Puis moi, je l'ai découvert par la plateforme Alias avec Serge Beauchemin. Puis vraiment, il m'a vraiment inspiré en tant qu'entrepreneur. Puis je trouve que ses façons de faire devraient être véhiculées partout pour que tout le monde s'inspire de ce qu'il crée. Parce que je pense que j'ai fait plusieurs jobs dans ma vie. Puis le sentiment d'appartenance à quelque part, c'est vraiment ça qui fait que tu as envie de rester à ta job, que tu sois en train de planter des arbres, de cueillir des fruits, d'être dans le champ de patates ou être, tu sais, peu importe ce que tu vas faire, si tu as le sentiment que tu contribues, bien, c'est sûr que tu vas avoir envie de continuer, tu sais. Puis, David, je fais une parenthèse sur ce que tu avais apporté tantôt, que tu disais, moi, je n'ai pas de vendeur, puis moi, je le sais, là, pourquoi il n'y a pas de vendeur, puis je trouve ça tellement encore plus wow, parce que justement, si tu te récompenses tout le monde pour leurs efforts puis que c'est une collaboration, bien, tu n'as pas besoin d'avoir de vendeur parce que tout le monde a le goût de vendre.
Fait que je voulais juste comme témoigner en fait de ma gratitude d'avoir rencontré David Hervieux il y a comme 2 ans dans ma vie d'entrepreneur parce que je trouve ça vraiment motivant puis je trouve qu'il y a des façons de faire vraiment innovatrices. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis c'est de valeur parce qu'on n'a pas pu se rencontrer en vrai. La pandémie est arrivée. Donc, on limite nos contacts, mais effectivement, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vraiment pas grave. C'est un élément intéressant aussi parce que là, on parle d'inspiration peut-être plus au sens large, mais c'est aussi en partageant les bonnes initiatives comme Dévolution fait que ça va inspirer également d'autres entreprises à dire ben écoute, c'est pas si compliqué que ça qu'on pourrait le faire aussi chez nous. Fait que cette influence-là positive-là, elle est très importante. Donc, c'est vrai, David, faut partager la bonne nouvelle. Je passerai la parole maintenant à Dominique Raté. Oui, merci, bonjour. Justement, un petit peu dans cette continuité-là, je me demandais, est-ce qu'il y a déjà des chiffres d'utilisation des trottinettes, par exemple? Parce que je trouve ça très intéressant comme moyen de transport, même si ça n'a pas été continué à Montréal. Je l'ai essayé dans une autre ville et j'avais adoré. Mais ça amène des enjeux d'acceptation aussi, d'utilisation de l'espace, du respect des autres usagers de la route, etc. Ou des trottoirs, là, ça dépend justement de ce qui est utilisé. Puis je me demandais aussi, est-ce que de voir les commerçants qui voient arriver des gens en trottinette ou en vélo, est-ce que ça les a inspirés déjà? Peut-être est-ce qu'il y en a qui vous ont contacté pour dire s'ils savaient que c'était vous? Là, est-ce que ça a créé quelque chose? Je ne me rappelle pas la date là, dans laquelle ça a été instauré, mais si vous avez de l'information là-dessus, je serais preneur. Ben, c'est la maudite pandémie qui brise un peu ma réponse parce que honnêtement, là, c'était drôle. On partait, j'ai des grands gaillards, là, c'est des bonnes trottinettes électriques, c'est des trottinettes électriques québécoises, c'est un projet pilote, il fallait une espèce de permis, la sac, puis tu pouvais te promener, parce que c'était des, je ne sais pas si vous avez vu la photo, c'est des trottinettes, pas comme, mettons, on voyait en France, c'était très, très confortable, comme un guidon, et puis un bon, fait que c'était quand même intéressant, c'était très stable, le monde aimait vraiment ça avant la pandémie. Parce qu'elle allait se promener, c'est un peu ce que je disais, sur le bord du fleuve. Puis je sais que la Valpérie, c'est une ville d'exode. Le midi, c'est très difficile pour les commerçants parce que les gens, surtout avant la pandémie, ils restaient à la Valpérie parce que c'était abordable, mais ils travaillaient ailleurs. Ce qui fait que le midi, il n'y a pas grand monde. Les gens d'évolution, on a un très gros employeur aussi à la Valpérie qui est Synergie, mais c'est des chantiers de construction. Ils sont 1000 quelques employés, mais ils ne sont pas à la Valpérie. Sont sur les chantiers. Fait que c'est un autre exemple d'exode. Oui, on a un bureau. Ce qui est intéressant, c'est l'impact des gens qui s'en vont chercher leur sandwich, chercher leur petite salade en vélo. Il était quand même assez élevé. Puis c'était à tout. Avant la pandémie, toutes les breaks, il y a quelqu'un qui allait se promener. Puis c'est un petit peu l'histoire que je racontais. Les gens, là, ils découvrent la Valpérie. Moi, là, Dévolution est à la Valpérie. Je suis né à la Valpérie. Je suis né à Saint-Sulpice. Là. Dévolution est à Saint-Sulpice. J'ai exactement le même discours comme quoi Saint-Sulpice ou n'importe quelle ville. C'est toutes les questions d'émotion. Puis en se promenant, là, ah ouais, ah, il y a tu vois le petit cours d'eau, tu vois, puis là, le monde se promène, puis ah, check comment la rue est maganée, ah, c'est pas grave, tu sais. C'est ça qui est le fun. Fait que j'ai pas de statistiques, mais je peux te dire que ça crée un wow. Puis ça, c'est important, de créer des wow, puis de dire être accessible, puis là, les gens l'essayaient. Malheureusement, on est à peu près 120, on est peut-être une dizaine au bureau. Fait que c'est sûr que. Puis moi, j'y crois pas au télétravail à 100%. Puis M. Breton l'a mentionné, nous autres, ça va être un modèle hybride. Les gens ont besoin de se voir plus économiser le temps de transport une couple de jours. Ça, c'est correct. Ça, c'est bon. Mais les gens, ils viennent au bureau et sont contents de pouvoir se repromener, profiter de l'environnement. J'aimerais savoir des bonnes statistiques, mais je pourrais vous les sortir après la pandémie parce que là, je n'ai pas un bon échantillon, mais c'était vraiment le fun. J'ai volé l'idée à la ville de l'Assomption qui venait d'acheter ces deux trottinettes-là et puis l'ancien directeur financier de Dévolution et conseiller municipal à l'Assomption. On a utilisé ces informations pour pouvoir contacter le manufacturier. C'est comme ça qu'on intervient. Merci beaucoup, M. Raté. Merci, David. Je passerai la parole maintenant à Pierre de chez Basic Jones. Bon, ben, moi, c'est simplement pour dire à David que moi, j'ai trouvé ça très inspirant ce matin, mais il y a quelque chose que je retiens, puis qui est finalement, ça a été si bien dit, c'est une phrase courte, quand tu ne sais pas par quoi commencer, quand tu as une idée, tu l'essayes. Bravo.
je trouve que tu as expliqué pas mal d'initiatives que tu as faites chez Dévolution, puis je trouve que effectivement, quand l'idée est bonne, ça vaut la peine d'être essayé. En tout cas, c'est... En fait, il y a plein d'idées qui n'ont pas marché. Il y a plein d'idées qui n'ont pas marché, puis qui sont juste mortes, tu sais... Il y a des affaires qui n'ont pas nécessairement un rapport, mais qui se tombent tout seul, puis il faut m'amener à dire ça ne marche pas. Puis quand ça marche, ben, on peut mettre un petit peu de gaz pour augmenter un petit peu la flamme, puis le continuer à la garder. Là, bravo. Merci beaucoup. Merci, Pierre. Maintenant, je passerai la parole à Annie Rochette. Oui, bonjour. Un peu comme les participants qui ont pris la parole avant moi, j'ai plus des commentaires que des questions. D'abord, des félicitations parce que je travaille au Centre de gestion des déplacements de l'Est de Montréal et Lanaudière. Caline Berthe a présenté en introduction. Elle est la directrice des trois centres de gestion des déplacements de la région. Et puis, je vous dirais que c'est particulièrement impressionnant ce que vous avez fait de vous-même. On travaille avec plusieurs entreprises, puis c'est pas facile de les amener à mettre en place des mesures. Vous l'avez fait sans même être accompagné et dans un milieu où l'offre en transport alternatif est quand même limitée. Là. Quand on sort des grands centres, c'est beaucoup plus difficile. Donc, d'abord, félicitations. Puis on va essayer de se servir de votre exemple pour contacter d'autres entreprises dans la région. On travaille entre autres avec le cégep régional de Lanaudière et ses trois constituants. Puis, il y a un des trois qui est situé dans un parc industriel à Terrebonne. Donc, on aimerait travailler avec des entreprises qui sont situées juste à côté du cégep. Donc, on vous recontactera peut-être pour s'inspirer de ce que vous avez mené à la Valtrie. Bien, ça va me faire plaisir. Et c'est sûr qu'il y a des gens, ça se peut que vous heurtez à un moment donné des gens qui ne sont pas focusés sur ça pour l'instant. Il ne faut pas désespérer. Puis, j'en connais beaucoup des entrepreneurs qui sont intéressés à... Ils comprennent que c'est comme, t'as pas le choix à un moment donné, il faut aller de l'avant. C'est satisfaisant de s'assurer que les gens sont bien. Puis, surtout au Québec, là. Au Québec, on a cet aspect-là qui est très, très fort. On veut pas exploiter nos gens. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas des entreprises là, qui exploitent les gens. Là. Puis, il y a encore des efforts, mais. Surtout les petites PME, là, il y a de quoi d'intéressant. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a une autre question? Parce que je pense que, en fait, on va terminer bientôt. Oui, Ghislaine, je pense. Allez-y. Oui, alors, M. Hervieux, je vous trouve tout à fait inspirant. Ça me semble que ça fait un vent de fraîcheur de vous entendre parler. Je me demandais si pour vous, c'était comme, parce que vous avez beaucoup parlé du bien-être de vos gens qui travaillent chez vous. Alors, est-ce que c'est en vous ou bien si vous avez développé ça, de penser à que tous vos employés soient bien et penser au bien-être de vos gens? Et là, je vais vous répondre, vous allez trouver ça drôle, ça dépend à qui je parle. Je parle à des comptables, je vais leur expliquer le côté financier. J'ai déjà expliqué, tu sais, souvent les gens sont plus. Mais si je parle, dépendamment des entrepreneurs, je vais leur expliquer les bénéfices. Je parle à des employés, je vais leur expliquer la notion de bien-être. Je suis assez caméléon, mais fondamentalement, je me base sur ce que j'ai vécu comme employé. À un moment donné, là, j'ai travaillé à un endroit où, on va faire s'en aller, là, mais le directeur là, était très... Il vous reste 60 secondes. Ah, c'est bon. Il était très, très strict. Et puis, j'étais pas bien. C'est ce que je dis. Là. Fait que c'est pour ça que moi, ce que je ressens en dedans de moi, ben, j'essaie de ne pas le faire vivre. À un moment donné, on avait des assurances collectives. Là, à tous les mois de juillet, là, c'était la boîte à surprise de qu'est-ce qui était enlevé parce qu'on l'avait trop utilisé. Fait que moi, j'ai trouvé des idées pour pas que ça arrive parce que ça m'a créé des frustrations. Fait que, oui, c'est en dedans de moi. Mais je le sais qu'à quelque part, souvent, on veut augmenter la productivité de 5-10 %, mais quand les gens sont heureux, ce n'est pas des pourcentages, c'est un multiplicateur. Ça, j'y crois fondamentalement parce que quand tu es passionné, quand je suis passionné, ben, je suis motivé. Nancy a parlé de la motivation de l'appartenance. C'est énorme, la motivation de l'appartenance. C'est une fierté. C'est ce que les Américains ont de plus fort que nous, des fois, on manque. Notre
conférencier, mais notre vedette de cet atelier, c'est John Husk, donc qui est conseiller municipal à la ville de Drummondville, qui a travaillé très fort là, sur la politique de mobilité durable là, dans la municipalité. Ça va fonctionner de deux façons. Il va y avoir quelques questions qu'on souhaitait lui poser. Et par la suite, on ira avec des possibilités que vous posiez des questions. Donc, on vous invite à utiliser, vous avez en bas de votre écran l'opportunité de lever votre main. Donc, une fois qu'on aura fait le tour des différentes questions que l'organisation a posées à M. Husk, on prendra les vôtres, des fois pour approfondir le sujet de l'excellente présentation qu'on a eue tout à l'heure. Donc, voilà, allons-y sans plus tarder. La première question que j'aimerais vous adresser, M. Husk, vous avez travaillé très fort là, sur cette politique de mobilité durable-là, mais j'aimerais ça savoir, vous, l'individu, John Husk, est-ce qu'il y a un élément qui fait un peu plus sa fierté de cette grande et belle politique-là? Bien, d'abord, bien, merci beaucoup pour vos bons mots. C'est vraiment très gentil. Hein, j'apprécie beaucoup. C'est une bonne question. Moi, ce qui m'importe dans mon travail, c'est de savoir qu'on fait des choses structurantes qui vont en arriver à changer la réalité quand la réalité a besoin d'être changée. Moi, j'ai étudié en politique publique puis en aménagement du territoire. Puis moi, je crois beaucoup dans l'action structurante sur le long terme et de mettre ça en œuvre parce qu'il y a toujours beaucoup de pression au niveau politique d'agir concrètement. Là, mm-hmm. demain matin. Et donc, ça, c'est. Il y a des choses, mais tu sais, il faut concilier, il faut faire, il faut agir aussi à court terme pour donner confiance aux citoyens qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais le vrai, pour prendre un slogan, le parti politique montréalais, mais le vrai changement, c'est ce qui est structurant et qui est intégré au fonctionnement à long terme de la municipalité. Fait que je pense que c'est pas encore joué parce que ça se. On va savoir à toutes les élections, voir si c'est maintenu, mais pour moi, ce qui est la chose dont je suis le plus satisfait jusqu'à date, c'est cette imbrication-là de la mobilité durable dans le fonctionnement de l'organisation municipale, dans la planification à long terme, dans le cadre financier de la ville. C'est tous les mandats qu'on donne, c'est le fait que quand que j'ai plus besoin, comme j'ai fait pendant plusieurs années, de le porter moi-même, mais de convaincre les gens. C'est maintenant des gens qui j'ai jamais parlé dans l'organisation qui arrivent à des comités ou au conseil. Puis disent, puis pour la politique de mobilité durable, on pourrait faire telle affaire, telle affaire, telle affaire. Fait que le fait que ce soit vraiment intégré dans l'organisation, je pense que c'est la chose qui c'est pas encore parfait. C'est sûrement imparfait, mais c'est ce que je suis le plus heureux jusqu'à date. Donc, c'est vrai de justement d'avoir des politiques qui sont transversales, qui touchent à peu près l'ensemble des départements, éviter les silos, vous l'aviez souligné tantôt, mais je pense que c'est vraiment une des pièces centrales justement d'une démarche comme celle-là, si on veut que ça fonctionne bien. On fait souvent la blague, on fait des fois des rapports, des études, on les met sur une tablette, mais à un moment donné, on a convenu ici qu'il n'y en avait plus de tablettes, on les avait toutes défaites. Là. On fait des rapports et on les utilise. C'est ça. Ma deuxième question, Drummondville, c'est une ville là, qui est principalement urbaine. Je sais que ce n'est pas exclusivement, mais principalement urbaine. Pour les secteurs un peu plus ruraux, la MRC Montcalm en fait partie, puis vous le voyez un peu avec Drummondville, est-ce qu'il y a des différences que vous voyez dans la façon d'aborder les choses? La Naudière, c'est un très grand territoire qui est très, très, très urbain en son sud, qui est beaucoup plus rural là, vers le nord. Donc, est-ce que vous voyez des différences, des cues comme ça là, qu'on devrait garder en tête? Effectivement, Drummondville, on arrive à 80 000 de population cette année. On est la ville centre d'une MRC de 105 000 de population. Donc, il y a des municipalités de quelques milliers de personnes aux alentours de nous qui gravitent vers Drummondville aussi, mais c'est sûr que c'est majoritairement urbain. Moi, je pense que la recette peut s'adapter. Je pense que ça ne produira pas les mêmes résultats. Vous n'arriverez pas aux mêmes conclusions que... je ne connais pas beaucoup la Naudière, honnêtement, là, mais
si c'est une ville comme Drummondville, on est à peine suffisant, un exemple, à peine densité et population suffisante pour avoir un transport en commun qui tourne constamment. Ce n'est peut-être pas le cas, dans plusieurs municipalités chez nous, comme dans Lanaudière, mais c'est le fait d'appliquer des principes. Quand je parlais de travailler en partenariat, de travailler dans les services d'une organisation municipale, travailler en collaboration, en concertation, en co-construction dans l'organisation municipale, entre l'administratif et le politique, en tous les services municipaux, et après ça, de l'étendre ce principe-là à la collectivité, peu importe la dimension de votre municipalité, ces principes-là, c'est universel. Fait que c'est vraiment d'aller puiser dans l'intelligence collective. Et en fait, moi, je suis convaincu que l'expertise, on l'a sur le sujet. Il faut. Les bonnes idées viennent quand on met les têtes ensemble. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut amener les gens. Il faut qu'il y ait un porteur de ballon, là. Il faut qu'il y ait quelqu'un quelque part qui porte ça, mais il faut que ça devienne l'affaire de tout le monde. Et donc, c'est un peu ces principes-là qui peuvent être appliqués un peu partout, mais d'une manière différente. Fait que la mobilité durable, ce n'est pas que l'affaire des villes. C'est ça, effectivement. Donc, est-ce que vous avez eu, je pense que vous l'avez élaboré rapidement, là, mais je pense que vous avez eu une aide technique pour réaliser ce plan-là. Est-ce que vous avez eu une aide financière aussi, de la part du gouvernement provincial? Ou... On n'a pas eu, au début, moi, j'étais responsable politique, mais il y avait aussi un responsable administratif, un ingénieur, un ingénieur en circulation chez nous, à la ville. Ce n'est pas le cas partout, évidemment, mais on a aussi un mandataire externe qui nous accompagnait. Son nom, c'est Jean-François Bruno. Il est associé à la politique. Ça prend un appuyer et mener le processus. Évidemment, appuyé par un fonctionnaire là, qui est au cœur de la municipalité et qui peut mettre cette personne-là en contact avec tous les acteurs clés et tout ça, mais ça prend quelqu'un qui a le temps et le mandat clair de faire ça. Et on l'a budgété, vu que c'est dans le plan stratégique de la ville, les dépenses reliées à ça, la ville les a assumées. À l'époque, quand on a commencé en 2017, en 2018, la politique de mobilité durable du gouvernement du Québec pointait vers la possibilité d'avoir une subvention du ministère des Transports pour faire des démarches. Je ne sais plus, on ne comptait plus là-dessus, en fait. Fait qu'on l'a assumé nous-mêmes, mais je pense qu'il existe des possibilités, entre autres, le ministère des Affaires municipales, il y a des programmes milieu de vie durable, des choses comme ça, qui peuvent donner une assistance là-dessus. Là. Fait que, ouais. Mais nous, on ne l'a pas fait, nous, on l'a assumé directement. On voit clairement que vous êtes un convaincu, mais quel conseil pourriez-vous donner à un autre élu qui souhaiterait mobiliser ses collègues au conseil, qui sont peut-être moins sensibles aux enjeux ou qui ne les voient pas? C'est quoi les conseils que vous leur donneriez? Je dirais un mot, je dirais que c'est de l'empathie. Il faut jouer le rôle de, tu sais, oui, on est convaincu, mais si on veut embarquer les gens, la mobilité durable concerne tout le monde. C'est comme de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. C'est là la complexité derrière ça. Tout le monde est impliqué là-dedans. Pour que les gens aient... Moi, je suis loin d'être un psychologue, là. Mon humble apprentissage, c'est pour que les gens s'intéressent à quelque chose et se l'approprient, il faut qu'ils voient un bénéfice pour eux. Ce n'est pas que les gens sont égoïstes, c'est que tout le monde a dans... servir s'ils ont des mandats. C'est une question peut-être de communication, c'est de lui présenter comment la mobilité durable peut répondre à ses besoins à elle, ou comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour que ce soit le cas. C'est une question de perspective, mais c'est vraiment, vraiment de se mettre à la place des autres personnes, comprendre leurs besoins, tout en maintenant sa motivation et sa personnelle à faire ça. Mais il faut vraiment se mettre à... C'est comme un peu
quelqu'un me parlait à un moment donné de se désexpertiser. Là. On est comme que se mettre à la place des autres et comprendre. C'est comme ça qu'on embarque les gens, quand les gens sentent qu'on prend en considération leurs besoins. Parfait. Merci pour ces précieux conseils. Moi, j'ai fait le tour des quelques questions que j'avais. Je vois qu'il y a déjà... Ah, j'ai deux mains qui ont commencé à lever. Je vais y aller dans l'ordre là, que je les ai à l'écran. La première question, ce serait de Pascal Dubé. On vous écoute. Oui, bonjour, Pascal Dubé. Je suis directeur de services de l'environnement pour la ville de Mascouche. Puis, je me demandais, dans le cadre de votre plan, si... vous avez présenté les investissements au fait au niveau des immobilisations, mais au niveau de l'entretien des structures qui seront aménagées, pistes cyclables, etc., avez-vous aussi un planning à cet égard-là sur les surcoûts que ça pourrait engendrer ou sur, on parle de déneigement, les pistes cyclables, etc.? Oui, on l'a évalué. Quand on est arrivé au bout du processus là, au printemps 2019, on a évalué que ça prenait pour tel investissement en infrastructure, c'est un estimé au mètre, au kilomètre, mètre linéaire. Là. Mais après ça, on a évalué, selon ce que les services municipaux nous avaient dit, que leurs besoins pour prendre telle chose en charge, selon les coûts opérationnels des actions projetées. Oui, on a fixé aussi un budget récurrent en termes d'opération qui s'est imbriqué. Ça se fait sur, on a comme un cadre financier qui se fait comme sur 3 ans pour arriver à intégrer toutes les dépenses. On avait fixé des choses au début, des coûts opérationnels. Finalement, il y a eu des ajustements aussi en cours de route depuis ce temps-là. Fait qu'on ne peut pas connaître précisément les besoins sur le coup parce qu'après ça, les services ont d'autres besoins qui arrivent en cours de route. Mais oui, en gros, on avait tenté de prévoir au maximum tous les coûts en investissement et les coûts opérationnels. Merci, M. Husk. On passerait maintenant à la question de Mme Muriel Lafarge, s'il vous plaît. C'est à vous. Oui, bonjour. Moi, c'est donc Muriel Lafarge. Je suis candidate pour les prochaines élections municipales comme conseillère municipale à Joliette. J'avais deux questions. Une première question, mais là, tantôt, vous avez presque répondu en disant que Drummondville, c'est 80 000 habitants, puis la MRC, 105 000. C'est, dans le fond, c'était de voir votre plan, comment il s'est intégré au niveau de la MRC, la cohésion entre les différents petits villages et tout ça. Donc, il y avait cette première question. Puis la deuxième question, c'est sur le transport en commun. Avez-vous la densité nécessaire? Comment vous budgétez ça? Quelle est la part de subvention? Pensez-vous à éventuellement la gratuité? Donc, c'est mes deux questions. Et en rapport à l'échelle MRC, oui, c'est Drummondville compose 70 % de la MRC de Drummond. Là. Fait que peu importe ce que la ville de Drummondville fait, ça a nécessairement une grande influence, mais la MRC a amorcé durant que nous, on faisait notre plan de mobilité. On a inclus la MRC dans les partenaires qu'on construit. La MRC a amorcé une étude pour le transport collectif en milieu rural parce qu'il y a plusieurs municipalités qui gravitent pratiquement toutes vers Drummondville pour les emplois et les services, éducation, etc. Donc, la MRC, on collabore avec eux pour arrimer leur étude de notre plan de mobilité qu'eux ont participé. Donc, c'est dans la genèse de leur plan, mais eux ont les besoins en termes ruraux. On travaille avec eux pour voir comment arrimer ce qu'eux vont produire à cette échelle-là. Donc, on est en collaboration, pas au jour le jour, là, mais les fonctionnaires se parlent là-dessus là, pour s'assurer de bien s'arrimer. Et je ne sais pas si ça répond à votre question là-dessus. Oui, merci. Parce que Drummondville, c'est quand même un bon bout rural. Depuis presque une trentaine d'années, mais c'est pas une alternative à la voiture. C'est pas une alternative viable à la voiture. Là. Si vous habitez un bout de Drummondville, vous allez aller au bout, vous allez traverser en auto en 15 minutes. En transport commun, ça va vous prendre
peut-être une heure et demie, deux heures là, avec les bouts à pied à faire, etc., pour joindre les deux. Donc, c'est vraiment plus comme un filet social en ce moment, le transport en commun qui dépanne les gens qui n'ont pas d'autre option. Ça, c'est un changement. En ce moment, le transport en commun, c'est un contrat qui est en vigueur de 2018 à 2023. Fait que là, on change l'approche complètement pour le transport en commun. On vise à en faire une alternative à la voiture, une alternative viable. Donc, on a donné, en vue du renouvellement du contrat en 2023, on a donné un mandat à la chaire mobilité de l'École polytechnique à Montréal. Ils vont nous concevoir, c'est en train de se faire selon des algorithmes que je ne pourrais vraiment pas vous expliquer la complexité derrière ça, mais selon la densité actuelle, le potentiel de requalification, proposer des parcours optimisés qui vont inclure quelle devrait être la fréquence de passage, quel type d'autobus devrait être là-dedans. Et donc, c'est une grosse étude qui se fait à temps pour lancer l'appel d'offres quelque part en 2022 pour arriver à un nouveau réseau en 2023. Et par-dessus ça, on a aussi une subvention cette année pour le programme Milieu de vie durable du ministère des Affaires municipales que je mentionnais. On a une étude qui est comme la couche urbanistique par-dessus la couche transport en commun que je viens de vous expliquer. On va déterminer où densifier et comment et à quelle priorité autour du transport en commun. Donc, on va passer d'un mode de développement d'urbanisation du territoire qui est en étalement vers une densification autour du transport en commun. Fait que ça va faire comme un cercle vertueux. Plus qu'on densifie autour du transport en commun, plus que l'achalandage est grand, plus que le niveau de service peut être élevé. Donc, on est en ce moment, là, on met toutes nos billes vers le prochain contrat de 2023. Merci beaucoup. C'est vraiment, je m'excuse, je rajoute, ça semble banal, mais connaître toutes ces fenêtres d'opportunités-là, de contrats et de politique, quand ça se termine, quand ça commence, c'est pas banal. Il faut vraiment en tenir compte pour justement avoir une vision stratégique. Merci, M. Husk. Merci, Mme Lafarge, pour votre question. Effectivement, Joliette et Drummondville, c'est deux réalités qui peuvent se ressembler comme étant des villes-centres. La personne suivante, ça va être M. Patrick Goulet. On vous écoute. Oui, bonjour, merci. En passant, j'ai été à Drummondville l'année dernière. J'ai voyagé à vélo électrique jusqu'à Drummondville. Puis j'ai été agréablement surpris là, de voir les infrastructures protégées là, pour les cyclistes. Puis ma question, j'ai fait un grand voyage. Je suis parti de Montréal, puis je suis passé par Drummondville, monté jusqu'à Shawinigan, puis après ça, je suis revenu par Berthier, puis je suis retourné à Montréal. Mais j'ai un terrain aussi à Saint-Côme, dans la Naudière, puis c'est pour ça que je suis avec le forum aujourd'hui. Parce que moi, la question, c'est ce que j'ai remarqué en sortant de Drummondville, puis en arrivant à Drummondville. Bon, j'ai pris la route verte, c'était sécurisé, ça allait bien, mais de Drummondville jusqu'à Trois-Rivières, là, bon, il y en avait des parties, mais est-ce que vous avez un plan pour élaborer vraiment un parcours sécuritaire? Parce que souvent, on arrivait sur des routes pas d'accotement, très dangereux. Puis je veux faire aussi allusion dans la Naudière, surtout à Saint-Côme, en s'en allant entre Saint-Alphonse puis Saint-Côme. C'est dangereux, les voitures roulent vite, 90 km/h, je ne sais pas là, mais. Puis, quand tu n'as pas un accotement très large, avez-vous un plan pour élaborer ce genre d'infrastructure-là entre les petites municipalités? En fait, on a un plan pour les infrastructures sur notre territoire. On tient compte de la route verte, là, tu passes chez nous, mais on ne tient pas compte, cependant, des. Évidemment, des aménagements que les autres municipalités feront, les municipalités voisines feront chez elles. Nous, on va travailler avec elles pour établir les meilleurs parcours. Mais c'est sûr que le plus gros de notre attention, notre focus en termes de mobilité durable, c'est les déplacements au quotidien. Il est plus dans le cœur de la ville. Il n'est pas dans le cyclotourisme ou le cyclosportif. On mise vraiment sur le développement d'infrastructures. En tout cas, dans le premier plan d'action 2024, plus dans le cœur de la ville, je vous dirais. Fait que, voilà.
Merci, M. Husk. On passerait maintenant à M. Neveu. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui. Super. Merci, M. Husk, pour votre présentation. Moi, j'ai une question pour vous, dans le fond. Je veux savoir, je suis conseiller en développement économique à la Ville de Québec. Je suis responsable des projets d'ouverture de rues, de nouvelles rues, donc essentiellement pour des projets domiciliaires qui sont situés en périphérie de la ville, mais à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Puis souvent, le défi qu'on rencontre, c'est qu'à la ville, on a une vision de mobilité durable là, à la Ville de Québec qui est en préparation. On a un guide pour des rues partagées qui a déjà reçu là, des mentions intéressantes. Mais quand je me retourne, souvent, moi, je regarde des collègues de mon service ou d'autres services qui travaillent dans des quartiers centraux puis qui font des projets de réflexion sur des principes de rues partagées ou de rues complètes. Je trouve ça super intéressant, mais quand c'est le temps d'ouvrir une nouvelle rue en périphérie dans des projets, des quartiers domiciliaires, je suis toujours pris pour travailler avec d'autres équipes, puis des gens qui ont des préoccupations de déneigement, de géométrie, puis tout ça. Alors, je voulais savoir comment avez-vous réussi à Drummondville à implanter les principes de nouvelles géométries, de rues complètes dans les nouveaux projets de développement et pas seulement là, dans les quartiers existants? Oui, c'est encore nouveau, par contre. Fait que c'est sûrement encore imparfait. Les méthodes de travail, ça prend des années là, à changer les méthodes de travail des gens. Oui, le guide de rue complète donc, que je mentionnais durant ma présentation, qui est disponible aussi sur le site de la Ville. Si vous voulez consulter, ça élabore un paquet de gabarits, notamment pour largeur de chaussée, largeur de trottoir, des minimums, des maximums, des cibles dans un monde idéal. Oui, ça s'applique à toute nouvelle voie, réfection de voies existantes, mais aussi construction de nouvelles voies. Nous aussi, là, il reste encore du développement à faire dans le périmètre d'urbanisation. Mais c'est sûr que c'est encore un défi de convaincre certaines équipes de rétrécir les largeurs et de mettre la verdure et tout ça. Sauf que on a eu le buy-in, on va dire, en bon français, de plusieurs directeurs de services. C'est vraiment l'investissement en amont qu'on a fait de faire participer les gens qui, après ça, deviennent des porte-parole qui convainquent leur équipe. Fait que oui, le guide s'applique autant dans l'existant que le nouveau. Merci. Vicky, c'est à toi. Oui, bonjour. Merci, John, tu es toujours super inspirant puis motivant. Là, ça fait quelques fois que je t'entends sur différents sujets, là, puis je suis vraiment contente que tu aies été avec nous aujourd'hui. J'ai une question qui est peut-être en différents volets. Moi, je note dans la région ici, il y a deux choses qui commencent, mais plus doucement. C'est-à-dire que faire de la co-construction puis consulter les citoyens, des fois, je pense que les milieux sont un peu frileux. Peut-être qu'ils ont peur de comment ça pourrait se passer ou d'être pris avec des choses qui ne seront pas gérées. J'imagine que pour favoriser l'accessibilité sociale par la suite, ça pourrait être un avantage qu'on pourrait amener, mais je voulais savoir si tu vois d'autres avantages. Puis l'autre chose aussi, tu as parlé du programme pour les milieux de vie durables. Puis je pense dans ma région, c'est pas quelque chose qui a été beaucoup, beaucoup utilisé. Fait que comment qu'on peut faire comme CRE? Je vois que dans la salle, il y a d'autres CRE, il y a des conseillers municipaux, il y a des employés municipaux, il y a des gens de différents milieux, mais comme CRE aussi, comment est-ce qu'on pourrait stimuler nos municipalités, les encourager, leur donner des arguments pour appliquer sur ces programmes-là, puis pour favoriser la consultation citoyenne puis la co-construction? Bien, c'est ça, la co-construction, première question, ça, c'est quelque chose, ça prend des années à développer. Là. Moi, je me rappelle, ça fait 12 ans que j'étais à la ville, puis je me rappelle pas plus tard qu'en 2017, et au front, on se pensait avant-gardiste ou presque, là, mais au mois de mars 2017, vous allez avoir un voie cyclable sur votre rue et donc il n'y aura plus de stationnement sur rue devant chez vous. Puis on dit, on leur dit d'avance.
tu sais, il ne devrait pas avoir de problème, mais vous chercherez le cas de le boulevard Jean Brébeuf en 2017 à Drummondville, dans le journal L'Express, pour vous, c'est ça, mais et là, on a appris de ça, et aujourd'hui, il faut vraiment aller dans, être en amont le plus possible, parce que ne serait-ce qu'aujourd'hui, la façon que la société, c'est des grandes affirmations, mais la façon que la société fonctionne, c'est plus juste des élus qui décident, et des citoyens qui doivent prendre ces décisions-là. Il faut faire participer les gens, ne serait-ce que pour une question de cohésion sociale. Les gens sont de plus en plus éduqués, les gens s'intéressent à leur milieu, il faut les faire participer. Ça améliore la légitimité des décisions. Ça permet de tester aussi certaines choses. C'est important d'avoir une approche en termes de projet pilote, des aménagements qui peuvent être changés, tout ça. Et souvent, ce qu'on s'aperçoit dans la grande majorité des cas, c'est que les gens sont d'accord. La majorité, c'est pas tout le monde, la majorité des gens, il n'y aura jamais d'unanimité sur quoi que ce soit, sont d'accord avec des choses, mais ils veulent être partie prenante de ça. Ils veulent pouvoir donner leur point de vue, sentir que leurs besoins sont pris en considération. Puis je pense que c'est légitime. Mais ça, c'est une culture qui se développe. Ça prend des années. Ça prend de l'expérience. Il va y avoir des conflits qui vont sortir de ça. Mais il faut y arriver pour assurer une meilleure cohésion. Ça fait partie du développement durable de façon générale aussi. Fait que ne serait-ce nous que pour réduire les chicanes que ça pouvait générer souvent, c'est une plus-value, c'est certain. Mais à travers de ça, il faut que l'institution publique, les leaders, gardent le leadership de ça. C'est sûr que si on demande aux gens qu'est-ce que vous en pensez qu'on va dans cette rue-là, ils vont arriver avec du mur à mur, puis tout est n'importe quoi. Fait qu'il faut avoir un certain leadership, mais inclure des gens en amont et le plus possible tout au long, c'est juste une bonne pratique, je pense. L'autre question, Vicky, c'était quoi, excuse-moi? C'est tous ces programmes-là, comme milieu de vie durable, lutte et adaptation au changement climatique, comment on pourrait stimuler les instances municipales à adhérer à ces programmes-là puis à en profiter? Bien, souvent, nous, c'est parce qu'on a quelqu'un qui, dans sa description de tâche, c'est de coordonner la mise en place du plan mobilité durable, puis là-dedans, il fait une veille des programmes. Mais moi, si on me corrigera, moi, ce que j'ai compris avec le temps, c'est que les fonctionnaires municipaux, c'est pas des gens qui aiment remplir des formulaires, des demandes de subventions. T'sais, ils font pas ça souvent. C'est pas quelque chose qui est bien le fun puis qui est naturel. Mais dans ce cas-là, je pense que ça vaut la peine de peut-être donner des petits mandats pour faciliter ça à un OBNL, le CRE ou autre, pour assister la municipalité, quand même que la ville dépenserait quelques centaines de dollars pour aider à avoir ce mandat-là, si on en retire des dizaines de milliers, écoute, c'est juste une question d'argent, c'est rentable. Il faut juste donner l'effort d'avoir une façon de procéder pour aller chercher cet argent-là. C'est vraiment une question d'argent, là. Et c'est de se donner les moyens de nos ambitions. Et quand il y a des programmes comme ça, il faut vraiment sauter sur des occasions. Fait que c'est peut-être de peut-être pas le prendre sur nous, puis voir quelque chose comme étant trop lourd, de le donner, mais de façon que ça soit rentable quand même. C'est une idée. Comme CRE, par exemple, on pourrait faire connaître ces programmes-là. Des fois, ils savent déjà, mais un petit rappel, puis dire, ben, on peut vous aider si vous avez besoin d'un coup de main pour monter la demande de subvention, par exemple. C'est une excellente idée. Ouais, c'est ça, mais tu sais, c'est, mettons, le CRE ou autre organisation voit, il faut sûr qu'il faut que les OBNL suivent ce que les institutions publiques font. Mais on a vu, monsieur, madame X, on a vu que vous faites une politique de mobilité durable. Saviez-vous que tel programme, ça peut, puis on peut vous aider à, tu sais, fait que c'est de présenter les choses comme pas un fardeau de plus. C'est comme, comment est-ce que ce programme-là peut être un moyen pour répondre aux besoins de la municipalité? C'est vraiment une façon de le présenter. Voilà. Oui, merci. Effectivement, Muriel, le projet est terminé. Je veux juste dire qu'il reste 3 minutes. C'est ça. Il y avait M. Maisonneuve qui pouvait peut-être y enchérir. Là. Ça fait un moment, je suis désolé. Là. Ah, bien, il n'y a pas de problème. En fait, c'est peut-être pour répondre aussi à Vicky pour enchérir sur M. Hoss, ce qu'il disait.
En fait, c'est vrai que dans les municipalités, c'est très difficile pour certainement de pouvoir avoir la population qui embarque, etc. Nous, on était là en 2017, puis c'était pas quelque chose qui se faisait de consulter vraiment la population. Nous, on s'est dit, bon, on va créer la première politique de développement durable à Terrebonne, chose qui n'avait pas, qui avait jamais été faite complètement. Donc, il faut qu'on se crée des leviers. Il faut se donner la chance de pouvoir solliciter les gens. Donc, comment qu'on peut faire? Parce qu'il faut être deux pour danser, là. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est assuré avec les gens à l'interne de voir comment aller chercher le pouls de la population. Parce que la politique de développement durable, vous l'avez parlé, bon, les milieux de vie, c'est une chose. Le transport actif, c'en est une. La mobilité durable, toutes ces choses-là, il n'y a personne de mieux placé que le citoyen, celui qui le vit au quotidien. Il n'y a personne de mieux placé que lui pour savoir qu'est-ce qui est mieux d'être fait. Donc, c'est d'aller chercher par nos questions. On est allé diffuser sur les réseaux sociaux, etc., toujours avec les gens à l'administration, à la ville, pour voir. Puis ça vient chercher les gens dans leur quotidien. Donc, effectivement, c'est un plus qu'on est allé chercher. Donc, c'est une façon d'aller chercher les citoyens. Tant que c'est quelque chose qui va les toucher, bien, ils vont accepter d'y aller. Naturellement, il ne faut pas que ce soit des questionnaires qui prennent 3 heures à répondre, short and sweet, sur des questions précises, orientées, qui les intéressent. Ça peut être en plusieurs volets, mais les gens vont y adhérer. Mais il faut du pouvoir politique, il faut du guts, parce que c'est d'aller challenger les gens, parce qu'on peut se faire challenger nous aussi, c'est-à-dire qu'on a une vision, mais ce n'est peut-être pas ça que les gens nécessairement ont envie. Donc, on se fait dire vraiment, voici qu'est-ce qu'il y en est de la réalité, voici où on veut aller. Bien, c'est à nous de les écouter. Puis même à l'interne, on parlait tantôt de transversalité. Ce qu'on est allé faire, c'est qu'on est allé dire, bien, on avait une direction de l'environnement, mais une direction du génie. Puis parfois, bien, c'était difficile de les faire parler parce que c'est bien beau lancer un projet X, Y, Z en génie, mais au point de vue environnemental, c'était difficile. On les a joints ensemble. Donc, à première vue, ça peut avoir l'air un petit peu bizarre, mais honnêtement, les projets qui ont sorti de ça par la suite, Alors, pour le mot de la fin, Vicky, je vais te présenter. Donc, en 2001, Vicky Violette a complété un baccalauréat en sciences forestières combiné à une majeure en biologie de la faune à l'Université du Nouveau-Brunswick. Elle est également titulaire d'une attestation d'études supérieures en éducation relative à l'environnement de l'Université du Québec à Montréal, obtenue en 2005. Elle possède 20 ans d'expérience dans le domaine de l'environnement et elle travaille au CREV depuis 2008. Où elle œuvre en tant que directrice générale depuis 6 ans. Au RNREC, elle est vice-présidente aux régions et responsable du comité sur l'agriculture. Vicky, je te laisse la parole et j'en profite pour dire au revoir à tout le monde. Merci, Aline. Je suis très fière de la journée d'aujourd'hui, qui est quand même plusieurs années de travail, vraiment en lien avec la mission de concertation. L'importance des partenariats pour nous, puis de travailler en collaboration avec le milieu, je pense qu'on l'a vu, d'utiliser l'expertise aussi, d'en faire profiter notre milieu lannaudois. Je pense qu'aujourd'hui, on a eu un bel exemple. Donc, je vais clore avec les remerciements. Donc, j'aimerais remercier toutes les MRC qui ont collaboré tant à la mobilité durable Sainte-Branche qu'à la boîte à outils. Et aussi embarque la Naudière. Tous les projets qu'on fait, on est privilégiés, on a des MRC qui collaborent bien. Cette démarche-là a lieu grâce au Fonds vert là, du gouvernement du Québec. Il y a Hydro-Québec aussi qui commandite l'activité d'aujourd'hui et les outils. Merci beaucoup à Daniel Breton, notre porte-parole, et aussi à Aline pour la belle animation. Un gros merci aux excellents conférenciers que j'ai tous trouvés super inspirants. J'espère que d'autres aussi dans notre région, dans la province, vont s'inspirer de ces personnes-là. J'aimerais remercier aussi par rapport aux capsules Synopsis qui en a fait la création, les 6 MRC, leurs partenaires et les figurants. Un gros merci aux animateurs d'atelier, Marc-André Avoine de la MRC Montcalm, Véronique Morin de la Naudière économique, Joseph Thian d'économie sociale à Naudière.
J'en profite pour remercier mon conseil d'administration, notre conseil d'administration qui est dynamique, qui a un bon soutien. Donc, c'est super important pour être dans l'action comme on l'est, d'avoir un bon CA, mais aussi une équipe, notre équipe de feu. On a une belle équipe de travail qui travaille super bien. Je pense que vous avez pu le constater aujourd'hui par la qualité du résultat. Donc, particulièrement le travail de Gabrielle tout au long du projet puis l'organisation d'aujourd'hui, mais aussi Julie Beauséjour qui fait les communications, qui s'occupe de que tout fonctionne bien dans un événement comme aujourd'hui. Vous êtes essentiel au CREAL. Merci. Merci aux élus de votre soutien puis d'être présents. Et tous les participants de chacune des éditions là, des événements de la mobilité durable sans branche, merci à vous d'avoir été aujourd'hui présents. Donc, je vous invite à partager les outils, partager les capsules, les conférences, les emplois proactifs. S'il vous plaît, faites-vous connaître, inscrivez-vous sur la nouvelle formule là, qui est là pour vous valoriser puis que permettre aussi aux gens de s'inspirer de vous, de vos bonnes actions. Donc, aussi, je terminerai, on entre bientôt en campagne d'adhésion. Donc, si peut-être qu'il y en a qui n'auraient pas pensé, mais vous pouvez devenir membre du CREAL, ça vous permet de participer à l'AGA pour certains d'avoir une tribune privilégiée sur nos outils de communication, des rabais pour les animations, etc. Vous pouvez, ça vous donne accès aussi au bulletin, le CREAL vous informe. Vous n'êtes pas obligé d'être membre. Vous pouvez aussi aller juste vous inscrire pour recevoir le bulletin sans problème. Donc, un grand merci à tous et je vous souhaite une excellente journée.